Mais tu sais qu'on a des casquettes Mario à la maison. Ouais. Pour jouer avec Malo, que t'as vu d'ailleurs. Que j'ai vu. Ken a eu la gentillesse de venir avec des cartes Pokémon. Pokémon, ouais. Pokémon. Exactement. Du Japon. Exactement. Et c'est là où j'ai découvert que tu lisais le japonais. Un peu, oui. Je pense qu'on va avoir plein de surprises ce soir. Ah, il n'y a pas beaucoup de texte dans les jeux Mario, hein, je dois bien t'avouer. Ouais, mais quand même, quoi. Bon, j'avais dit à Joe qu'on ne lancerait pas ce stream tant que vous ne seriez pas 25K. C'est pas vrai, c'est Joe qui a inventé ce truc en plus, et il l'a mis dans le chat en plus. Comment ça va, vous? Bienvenue dans Ça me plaît. Très très fier de ce nom d'émission complètement claqué au sol. C'est vous d'ailleurs le chat qui l'avez proposé, donc c'est de votre faute. C'est la deuxième émission avec Ken Bogard, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Le même principe, la même histoire, un vieux machin de 135 ans, c'est moi, mais je ne l'ai fait pas, qui se décide à partir à l'aventure, à la découverte du fantastique univers des jeux vidéo. Le postulat de cette émission étant, on ne peut pas tout à fait comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui, sans pas forcément connaître parfaitement, mais s'intéresser un petit peu au jeu vidéo. Ouais, c'est important. Je pense que vraiment que c'est important. Et ça fait partie aujourd'hui, c'est un pan de notre culture absolument gigantesque. Peut-être la première industrie culturelle mondiale maintenant, aujourd'hui, le jeu vidéo. Donc son histoire commence à y parler. Et surtout, commence vraiment à y avoir une histoire derrière le jeu vidéo. Hein. Entre la naissance, la création, mais les premiers jeux qui sont arrivés dans les foyers. Et justement, se balader un peu dans l'histoire de Super Mario, c'est un peu retracer aussi l'histoire du jeu vidéo, parce que Mario, il a suivi les évolutions du jeu vidéo, il l'a accompagné et il a fait évoluer le jeu vidéo. Le premier jeu avec lequel on va jouer tout à l'heure, c'est 1985. 1985, mon année de naissance. T'es tout jeune. Bon, plus ou moins quand même. Il est encore très très frais. On parlera de son moyen de locomotion qui est dans l'entrée. Tu ne parles pas trop du moyen de locomotion. C'est superbe. Oui, c'est super, super. Ouais. Je vous en parlerai. Donc effectivement, ce soir c'est Mario Kart, Street Fighter avec Kayane. La semaine dernière, on vient de se rendre compte qu'elle a oublié la moitié de ses câbles. Kayane, si tu nous regardes, on a plein de matos à toi. On te met de côté. Donc la semaine dernière, tu avais parlé de Street Fighter, de l'ensemble des Street Fighter ou surtout Street Fighter 6, un focus review. Et comment on jouait à des jeux de combat, c'est ça? Oui, c'est ça en fait. D'accord. Du coup, on est parti sur Street Fighter 6, mais on a quand même retracé un peu la saga. Parce que moi, je me rappelais de mes premières parties sur arcade en 1988. Ouais. Donc avec Ken. Avec Trio et Ken. Exactement. Donc elle m'a expliqué, justement là aussi, on était, tu vois, 88 pour le premier de mémoire. À nos jours, Street Fighter 6 qui vient de sortir, donc on est, comme tu viens de le dire, déjà, voilà, on commence à avoir le recul presque historique, voilà, l'évolution. Et donc, évidemment, elle nous a parlé de tout ça, de son rapport aussi au gaming, à l'e-sport, puisque bien sûr, c'est Kayane. C'est lié. Et c'est assez sympa. Kayane, on a des câbles à toi. C'est vrai. Et donc, pour cette deuxième émission, sachant qu'après, rendez-vous à la rentrée, puisque aujourd'hui, c'est quasiment sûr, hein, cette émission, c'est l'objectif, elle va devenir hebdomadaire à la rentrée. L'idée étant de recevoir chaque semaine, à partir de la fin août, début septembre, un streamer, une streameuse, ou un gamer, ou une gameuse, voilà, ou quelqu'un de l'industrie. De l'industrie aussi, ouais. Ou un créateur, tu vois, de jeux vidéo, pour parler de son jeu vidéo préféré, ou l'un de ses jeux vidéo préférés. Est-ce que c'est le cas d'ailleurs ce soir? Est-ce que c'est, on va dire, c'est pas Super Mario qui va être mon jeu vidéo préféré de la vie, mais en même temps, il y a tellement de jeux auxquels je me suis intéressé. Je suis beaucoup sur les jeux de combat, c'est vrai, mais les jeux de plateforme, l'univers de Mario, l'univers de Nintendo, c'est quelque chose que j'adore. Je connais vraiment très bien. Oui, Joko. Ouais. Il frotte un peu. Alors, je regarde, parce que c'est peut-être le mien. Ok. Moi, j'en... Tu sais, moi, j'ai pas passé mon câble dessous, ce qui est bête d'ailleurs. Ouais, attends, je vais le passer dessous. Tu me dis. Tu veux pas le sortir en chambre? Hein? Non, je vais pas trop montrer les tatouages. C'est bizarre, mais je suis tatoué sur tout le corps. C'est un peu étrange. Là, je ne me touche pas le torse, je cherche les mains. Hein. Bien sûr. Où est-ce qu'il est? Il est là. Il est là. Je sais pas. Sinon, on repart à la bouche. Voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon. Voilà. Tu nous dis ça, frotte je pense, encore. Je pense que c'était moi. Ouais. Voilà. Ça a l'air d'être bon. Ok. Et après, je précise juste un truc. Ouais. Bonsoir à tous, vous m'avez dans vos esgourdes. Il y a le bruit du ventilo, mais après, c'est si on élève le ventilo, on fond. Du coup, on l'entend bien le bruit du ventilo. On l'entend les amis. Un tout petit peu, mais c'est pour dire aux gens qui l'entendent, on préfère l'avoir que de mourir de chaud. C'est vrai qu'on stream ici avec des moyens, on va dire, artisanaux, hein, voilà, même si.
On essaie de faire au mieux. Et il n'y a pas de climatisation dans ce petit studio de stream qu'on a investi avec Joe. Et pour tout vous raconter, le ventilateur qu'on avait la semaine dernière nous a lâchés à une heure du stream. Et on a filé chez une grande enseigne d'électroménager qu'on ne va pas citer, puisqu'on a juste dû payer le ventilo, donc on ne va pas leur faire de la pub en plus. Ah voilà, c'est ça, c'est ça. Et j'ai essayé de l'avoir gratuit, je leur ai dit, bon, c'est pour un stream sur Mario. Oui, monsieur, ce sera, je ne sais plus combien c'était, 80 euros, ça va. Je m'ai dit que le vendeur était très professionnel quand même. Ah oui, carrément, on lui a demandé, est-ce que vous auriez un ventilateur spécial stream, s'il vous plaît? Et blague à part, on lui a dit, bon, les dB, vous avez les décibels sur chaque appareil? Et il est allé voir et il nous a donné les décibels sur chaque appareil. Donc au final, ça donne quoi dans le chat? Le son, ça va? Ok, c'est moi qui frotte. Ah, ouais, c'est chez toi. Bah écoute, hein, Pourtant, tu l'avais bien posé. Ouais, je vais essayer de bouger le micro, on verra. D'accord, ok. Ça va, le ventilo, il est discret, me dit Vatilde. Merci Marshmallow pour le raid d'ailleurs. Ça frotte un peu, je suis sur le ventilo. Salut Ken, salut Samuel, salut les gens, bonjour à tous, ça va. Voilà. Et Joe, je t'ai entendu, mais j'ai pas dit que t'étais là. Donc l'ami Joe, aux manettes, à la réalisation, la qualité de l'image, la qualité de la lumière. On n'a même pas. Toi, je ne vous ai même pas demandé. Joe, ça te va la lumière? Tu es content? Moi, je suis ravi, content d'être là, ouais. Juste un peu chaud, quoi. Et j'ai cassé ma salopette et ça me fend le cœur. Aïe. Parce qu'en fait, on a un ventilateur pour trois, donc on se l'est mis sur nous. Et Joe. Ouais, lui, il n'a pas le ventilateur. Il est au milieu des machines. C'est ça. Il est au milieu des machines. J'ai littéralement, je vais leur montrer, hein, j'ai littéralement tué cette bouteille-là en moins d'une heure. Il est, voilà. Il est au milieu des machines et il a très très chaud. Mais il est en débardeur, lui. Et il s'est fait, et il est arrivé chez moi, il était quasiment nu, Joe. C'est vrai. Parce qu'il s'est fait... Non, c'est pas vrai. Ouais, si. Oh là. Si, sa salopette était à moitié bouffée. Attends, mais je leur montre pas à eux. Voilà. Mais... voilà. Oh mon... Parce qu'en fait, Joe s'est fait attaquer par un chien dans le métro. C'est vrai. J'ai voulu caresser mon chien. Bon, c'était son chien. Fatal. Ah ouais. Et son chien lui a mangé sa salopette. Et il m'a envoyé un texto super bizarre. Il m'a dit, Sam, tu vas trouver ce message. Tout est vrai. Tu vas trouver ce SMS bizarre, mais est-ce que tu pourrais passer chez, elle me donne la marque de boutique, pour m'acheter une salopette parce que je suis dans la rue, je suis à moitié nu. Ok. Parce qu'en fait, il fallait récupérer des trucs, on avait des livraisons, je pouvais pas y aller. Enfin, c'était un bordel. Voilà. Donc, résultat, Joe n'a pas trouvé sa salopette, ouais, comme tu le vois. Et puis en plus, il a pas changé de frotte. Non, rien, si, hein, il est allé au magasin, mais il en avait plus. Alors, qu'est-ce qu'il a acheté? Des longs t-shirts. Pour pouvoir mettre par-dessus, pour pouvoir cacher, parce qu'en fait, il a le QNR. C'est l'aventure, quoi. Tu as vécu une quête de Skyrim, quoi. Ah, mais depuis ce matin, je loot des trucs, je perds des... Enfin, il faut du stuff, là. Incroyable. C'est là où on est content que tu portes des caleçons, parce qu'il y a, tu sais, il y a des gens l'été, ils ont rien. Là, tu serais mal. Là, t'aurais été arrêté, tu serais même pas là. Il y a Jean-Phil Desperles qui dit que j'aurais été le sif apparent. Et ben vraiment, Jean-Phil Desperles, je te remercie pour ce message. Donc c'est ça, ça me plaît, numéro 2, avec Ken Bogard, univers Super Mario. Et ça c'est important parce que tu m'as dit tout à l'heure, moi j'avais annoncé un peu Mario, tu m'as dit non Sam, pour être tout à fait précis, on va être dans l'univers de Super Mario. Alors pour te reposer le décor, je vais te parler un peu de Mario aussi évidemment, d'où il vient, c'est quoi ce personnage, pourquoi est-ce qu'il est là exactement. Mais on va parler de la série Super Mario qui est donc la série de jeux de plateforme. Tu vois, Super Mario, qui est particulière des jeux estampillés Mario, parce que Mario, aujourd'hui, tu as plein de trucs. Mario Kart, Mario Party, Mario Tennis, Mario Foot, Mario aux Jeux Olympiques, c'est pas des conneries, ça existe aussi. Donc Mario, il fait tout, tu vois, il mange à tous les râteliers, c'est un streamer Twitch, lui, il est impeccable. Mais Super Mario, c'est une série bien précise, voilà, développée quasiment tout le temps par les mêmes équipes chez Nintendo, et bien, c'est un peu... ce que j'appellerais le flagship, tu vois, de chez Nintendo. Et c'est un jeu qui a profondément changé l'histoire du jeu vidéo et qui continue de le changer encore. Et on va voir ce soir, étape après étape, en passant du premier Super Mario 85. Et en allant jusqu'au plus récent Super Mario Odyssey, d'accord, et bien, ce que Super Mario a apporté au monde du jeu vidéo et voir si... tu arrives à t'en sortir dans ces jeux-là. J'adore. Tu vois. J'adore parce que je crois que Ken m'a dit qu'on allait jouer un peu à 10 jeux différents ce ouais, soir. Ouais, en tout, il y a 9 ou 10 jeux, ça dépend. Ça veut dire que si on avait voulu embrasser totalement l'univers de Mario, Super Mario on n'a pas fini. Là, c'était des dizaines. On n'a pas fini, bah ouais. Déjà, faut commencer, faut compenser ouais, avec Wrecking Crew. Jouer à Donkey Kong aussi, ensuite jouer à Mario Bros, puis rejouer à Super Mario Bros. C'est infini. Mario, il est dans tellement de jeux.
Si tu connais le jeu Punch Out, c'est l'arbitre dans le jeu Punch Out, le petit jeu de boxe là, sur NES. C'est un personnage qui revient tout le temps. Il y a Dr. Mario, ça existe aussi, Dr. Mario. C'est un puzzle game que Nintendo a inventé et ils ont mis Mario en mode docteur. Docteur, il a fait tous les métiers, Mario. J'adore. En vrai, mais à la base, il est plombier, hein, mais il a fait tous les métiers. Donc c'est ça la proposition, ça me plaît. Vous avez un expert, parce que je pense que Ken, on peut te présenter comme un expert. Un expert, on parlera de ton parcours aussi tout en jouant, parce que tu as fait beaucoup de choses et des choses que je trouve extrêmement intéressantes. Et puis un non-expert, c'est moi. Et l'idée est de parler à la fois à un public de passionnés et de spécialistes, je pense que vous en êtes... pas mal dans le chat, et aussi un public de gens qui me ressemblent, c'est-à-dire de gens qui ont joué, parfois il y a très longtemps, qui n'ont pas joué depuis, et qui pourtant se disent qu'aujourd'hui il faut s'intéresser à cet univers et se demander pourquoi il passionne, pourquoi il occupe autant de monde, pourquoi il a pris cette place dans le paysage culturel aujourd'hui, pourquoi il est de plus en plus riche, artistiquement, sur tous les plans. Et donc voilà, deux regards, un guide, et puis un apprenti. L'apprenti, c'est moi. Le padawan. Je serai ton padawan ce soir. Exactement. Voilà, c'est le principe. Tant que tu ne vires pas du côté obscur de la force, ça, tout ira bien. Peut-être qu'un jour, je vais abandonner la télévision, femme et enfant, pour jouer H24 avec ma casquette Mario. Je suis assez fier du petit couple conforme là, avec notre casquette. Je pense que de toute façon, tu seras forcément amené à jouer avec tes enfants, quoi qu'il arrive, au bout d'un moment. Ah bah, je pense que c'est la suite logique. J'aime bien la question de chaque Spock. C'est quoi le côté obscur de Mario? Le côté obscur de Mario, c'est tous les jeux Mario qui ne sont pas très 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 bons, tu vois. Et c'est surtout beaucoup de jeux qui mettent Mario un peu dedans, mais qui ne font pas l'effort de faire des bons jeux. Et Nintendo... même s'ils ont pour habitude d'essayer de faire les meilleurs jeux possibles, n'ont pas toujours fait les meilleurs jeux avec Mario. Parfois, ils ont aussi prêté Mario à d'autres en mode « allez-y, faites un jeu Mario ». Et ça donne des choses pas très 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 bons, pas très réjouissantes, on va dire. Il y a plein d'époques, hein. On a traversé plein d'époques. Évidemment, Mario est très vite devenu un personnage extrêmement populaire. Et Nintendo a beaucoup eu du mal à savoir quoi faire avec Mario. En plus que c'est un personnage qui a été créé au Japon, tu vois, chez Nintendo au Japon. Mais Nintendo, ils ont une succursale aux États-Unis, ils avaient une succursale en Europe. Les marchés étaient très différents et généralement, Nintendo USA gérait le marché américain, Nintendo Europe gérait le marché européen. Bien sûr, il y avait un retour du Japon, mais t'imagines, on parle d'une époque où pour communiquer, il fallait sortir ton téléphone, que pour appeler les États-Unis, ça coûtait une fortune, etc. Donc, l'information passait moins bien. Donc, généralement, on laissait les Américains gérer leur marché et on laissait plutôt les Japonais gérer leur marché. Et tu vas le voir très vite, ça va donner des scissions, des embranchements dans l'univers de Mario. J'adore. On va le voir directement sur la première console, on va dire, grand public Nintendo, qui est la NES, où va y avoir des jeux Super Mario américains et des jeux Super Mario japonais. Et ainsi, il y a deux Super Mario Bros. 2. Il y en a deux. Il y en a un pour le marché japonais et il y en a un pour le marché américain. Et le marché européen, lui, aura le droit au marché américain. Nous, on est les miettes des États-Unis à cette époque. On est vassalisé. Aujourd'hui, ça va un peu mieux parce que la France, notamment, t'as un énorme marché pour Nintendo. Hein. Peut-être un des premiers marchés européens pour Nintendo. On est très très fan des produits Nintendo et très fan de Super Mario. Alors chez nous, le film Super Mario a cartonné hein, comme jamais. Le nouveau Zelda là, qui est sorti, ils en ont vendu quasiment 700 000 copies physiques. C'est inimaginable. Imagine vendre 700 000 copies d'un livre, tu te rends compte, hein, quel carton. C'est juste fou. Donc on prend du pouvoir et surtout ça nous permet d'avoir plus de jeux localisés chez nous, traduits en français notamment. C'est important aujourd'hui. Avant, c'était la vraie guéguerre. Si on voulait avoir les jeux, on avait soit les jeux qui étaient traduits en anglais, mal, très très mal, soit des jeux qui arrivaient en français, mais de façon catastrophique. Mais il y avait aussi des normes. Comme tu as fait beaucoup de télé, tu connais les normes. Chez nous, on diffuse en 50 images secondes. Oui. Ouais. Et les jeux vidéo, c'était pareil. Comme on avait la norme PAL, chez nous, et qu'aux États-Unis et au Japon, ils étaient sur un homme NTSC. D'accord. Voilà, donc ils étaient en 60 images secondes. Du coup, pour porter les jeux chez nous, ils devaient porter les jeux en 50 images secondes. Et la plupart du temps, il y avait deux méthodes. Soit
tu diminuais de 20% la vitesse du jeu. Donc, ouais. Tu avais un jeu plus lent de 20%. Parfois, les musiques plus lentes de 20%. Soit tu mettais des grandes bandes noires en haut et en bas du jeu. Donc, en réduisant de 20% l'écran, voilà, le taux de rafraîchissement de l'écran devenait équivalent pour la vitesse du jeu. Mais tu avais soit des jeux qui étaient écrasés, soit des jeux qui étaient ralentis. Quel enfer. Voilà, la norme PAL, ça a beaucoup fait de mal à des jeux vidéo aujourd'hui. Et d'ailleurs, la plupart des jeux, ils s'en rendent compte. Maintenant, quand ils proposent les jeux, ils vont les proposer dans leur version originale en NTSC, donc en 60 Hz, donc en 60 images secondes. Et ça, aujourd'hui, on peut jouer avec nous. Oui, on peut jouer avec nous. Mais si on rejoue au jeu dans les versions dans les versions PAL d'époque, si on rebranche une console de jeu d'époque, on va avoir un signal 50 images secondes, 50 Hz qui va sortir, qui va souvent ralentir les jeux ou qui va les écraser. Il faut que je remercie nos partenaires qui nous permettent d'être là ce soir, puisque pour ces deux émissions, ces deux premiers samplays là, de fin de saison, il me fallait un partenaire pour m'accompagner, me donner les moyens, notamment au matériel, de faire cette émission. Donc merci à Intel, merci à Aorus aussi, Intel et Aorus qui se sont associés pour permettre de mettre tout ça en place. On a le PC qui va nous permettre de jouer ici, voilà, le beau ici, et le magnifique écran sur lequel on va jouer. Merci Intel et Aorus. Et un peu plus tard, je vous parlerai des Intel Gamer Days qui arrivent. C'est dans quelques jours, là, des gros jours de promotion, voilà, avec notamment plein de marques associées à Intel, histoire d'acheter un PC portable ou un PC, ou de l'updater un petit peu avec des prix un petit peu foufou. Mais je vous en parlerai tout à l'heure. Et si on commençait avec un premier jeu ? C'est parti ! Parce qu'en gros, on en a 9-10 à explorer ce soir qui vont nous permettre de parler de cet univers, de parler du rapport de Ken aussi à ce jeu et aux jeux vidéo en général. Je pense que tu as 2-3 trucs à nous raconter. Oui, et puis à un moment, je vérifierai s'il touille. Est-ce que Ken, ah, merci. J'espère que Ken va touiller ce soir. Je vois que ton chat t'a prévenu quand même. Je sais pas si je vais avoir... Là, je suis dans une optique quand même de t'apprendre des trucs. Je sais pas vraiment si je vais avoir envie de touiller. J'espère que tu vas touiller. Ça va dépendre des questions que tu poses. Parce que mais il se peut que je réponde ironiquement ou à côté de la plaque. Tout le monde m'a dit beaucoup de bien de toi. Que tu étais... Les gens sont gentils. Quelqu'un qui avait un très beau parcours, qui avait eu une passion pour cet univers-là, que tu avais su la partager, que tu avais une vraie expertise. Et à un moment, j'ai dit, il a un défaut. Plus je sais que tu es sportif, tu es venu en vélo, tu as un vélo magnifique, il est là. Il a un défaut. On m'a dit, on l'appelle un peu Ken le Touilleur. Il touille. Et donc, je leur ai demandé de m'expliquer, mais on en parlera tout à l'heure. Voilà. Je n'en dis pas plus. Tout le monde est trop d'accord dans ce monde terrible. Du coup, si tu peux afficher du coup l'écran, tu vas voir. Donc là, on est sur le Nintendo Switch Online qui propose de rejouer aux anciens jeux de l'univers de Nintendo. Je vais te passer la manette dans quelques instants, juste pour te montrer. Tu vois, Mario, c'est un personnage qu'on va retrouver dans beaucoup de jeux. Tu vois, ça, c'est NES Open Tournament Golf. Ouais. C'est un jeu de golf. Ouais. Eh bien, ils ont mis Mario sur la jaquette. Et tu as vu, il a le drapeau américain. Ouais, sur le tu vois, costume. Sur son costume. Il est directement là. Dr. Mario aussi, c'est un jeu avec Mario dessus. Donkey Kong, si tu regardes bien Donkey Kong, le personnage que tu joues, c'est Mario. Donc, c'est ce que tu me disais, il a été mis à toutes les sauces. Et à la base, il n'y avait pas de jeu Super Mario. Oui, on utilisait Mario comme une mascotte et il était là. Donc Mario, il est dans Donkey Kong. Il a son jeu, donc le premier jeu estampillé Mario, qui est Mario Bros, l'original. C'est celui-là, là. Exactement, mais c'est un jeu qui n'a rien à voir avec Super Mario Kong. C'est un petit jeu où il faut globalement nettoyer des égouts. Okay. Voilà, donc tu as un seul écran, tu as des tortues, des insectes, des crabes qui arrivent depuis des tuyaux. Et globalement, il faut les dégager pour que les égouts soient clean. Quelle année on est à peu près là? Là, en 1983, je dirais. Okay. Voilà, 1983 ou 1982. J'avais 12 ans. Et 12 ans, ah ouais. Ah, quand même. Et du coup, le premier jeu, Super Mario qui arrive, qui fait de lui non seulement, tu vois, eh bien, un personnage à part entière de jeu, mais qui crée un jeu extrêmement riche et complexe, et c'est de lui dont on va parler, et c'est avec lui qu'on va commencer. Donc là, on est en 1985 sur NES, contrairement à tous les autres jeux que je t'ai montré, c'est un jeu qui est sorti uniquement sur console. Okay. Les autres, ce sont des jeux d'arcade qui sont portés directement dans la maison. C'est le premier jeu sur console avec Mario. C'est le premier jeu exclusif console, oui, ou un des premiers jeux exclusifs console avec Super Mario Bros. Tellement de nostalgie à voir ces jaquettes, nous dit. Ouais, c'est vraiment les jaquettes qu'on avait nous à la maison. Si on avait à les garder comme ça, conserver comme ça. Là, tu rappelles des souvenirs à plein de gens là. Ouais. Hein. Aujourd'hui, ça vaut beaucoup d'argent, hein, tu sais. Hein, si vous avez des jeux comme ça encore en état, on va dire proche du neuf, ça vaut énormément d'argent. D'ailleurs, je pourrais pas aller du marché du rétro, mais aujourd'hui, c'est peut-être c'est plus sûr que celui exactement
des NFT. Je t'invite à lancer Super Mario Bros, Samuel, et à te plonger dans le tout premier Mario. Voilà, appuie sur le bouton A, démarrer. Yes. Hop. Et te voici du coup dans Super Mario. Donc, dans Super Mario, il y avait un moyen de jouer entre guillemets à deux joueurs, mais en fait, on se passait juste la manette l'un et l'autre. Donc, il y avait Mario et Luigi, c'est pour ça que c'était sur Mario Bros. Bon, c'est pour Bros. Qu'est-ce que je fais là? C'est la démo, ne t'en fais pas, c'est pas toi qui joues. Tu merde, putain! C'est pas toi qui joues, c'est pas toi qui joues. Donc, je te rappelle, sur NES, il y a deux boutons, le bouton B et le bouton A, d'accord? Avec le bouton A, tu vas sauter, avec le bouton B, tu peux courir. Exactement. Tu m'apprends. T'as jamais joué t'as jamais eu une Nintendo dans la main? Une NES, la toute première, tu sais, avec les manettes rectangulaires. Moi, je suis d'après. D'après? Je suis d'après, j'avais déjà arrêté. T'avais déjà arrêté. Te moque-toi, Joe, c'est vrai. Mais au 19e siècle, il n'y avait pas tous vos diableries, là. Les diableries? Ah, il y en avait, mais on va dire, elles étaient un peu différentes. T'as pu commencer sur Atari. Il y a deux boutons, c'est B. Il y a deux boutons, BA, voilà. Et ensuite, après, tu peux bouger soit avec la croix directionnelle, soit avec le stick analogique. Bon, d'accord. C'est adapté au stick analogique. Donc, je t'ai invité à faire plus, c'est pour commencer la partie, donc faire start, et à faire le niveau 1-1, donc il y a un niveau d'école, donc plus, il est là. Le bouton plus est ici, donc tu appuies une fois. Ken se rend compte à quel point il faut tout me dire. Non, mais c'est pas grave. J'appuie. Et tu appuies un player game, voilà, replus. Le replus, voilà. Et là voilà, donc tu as 3 vies. Oula. Monde 1-1, ouais. Et c'est parti. Attends, ça c'est pour sauter. Voilà. Et ça, et le B c'est pour quoi? B c'est pour courir, donc en le maintenant enfoncé, le personnage va courir et aller un tout petit peu vite. Mais globalement, tu peux juste sauter. Je suis mort là. Bien joué. Ok, il fallait que je l'évite là. En fait, intuitivement, intuitivement, je ne te dis rien du tout. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Vas-y. Lui sauter sur la gueule, je pense. Comme je te dis, je t'avais dit un peu au début de cette émission, ce jeu, il est enseigné dans les écoles de jeux vidéo et dans les écoles de game design comme étant le prototype normalement du monde parfait. Mais je peux pas faire tout, je peux pas sauter sur le truc et... Non mais au moins tu sautes pour prendre la pièce. Donc on sent que tu es attiré par l'argent de base. Attends, maintenant attention, parfois le monde est semé d'embûches. Et Ken se dit, oh putain, en fait on va passer 10 heures juste le premier tableau. Non, c'est bon. On est bien. Mais t'as compris, il fallait lui sauter dessus au petit champignon. J'ai pas réussi. Eh bien c'est pas grave, restart, de toute façon on recommence au début. Hein. Dans ce genre de jeu, je veux juste voir le... Bon, attends, c'est... Mais c'est bien parce qu'on va voir... Le chat, encouragez-moi là, qu'est-ce que ça dit? Speedrun de Game Over. On va y arriver, j'y crois. On a dit 10 jours, ok, c'est bon. Encouragez-le. Donc, je dis, ce jeu... Pourquoi il dit batterie faible? Bon, parce que peut-être j'ai plus de batterie dans la console, t'en fais pas. On va brancher le cap que Kayane a... Attends, je prends mon élan là. Alors, vas-y. Saute sur le Goomba. Oh, voilà. N'est-ce pas satisfaisant? C'est bon. Donc là, tu vois que chaque fois que tu touches un bloc, il y a des choses qui se passent. Ouais. Donc là, en visant peut-être ce bloc-là, il y a un champignon qui arrive. Hop. En le prenant, tu grandis, tu vois. Ce qu'on appelle un power-up. Donc tu deviens, on va dire, un peu plus fort et tu peux prendre un coup. Alors justement, c'est pour t'apprendre le nuancier de saut. Comment faire pour sauter aussi haut? Accélérer. Voilà, exactement. Là, faut que je fasse gaffe, là, attends. Exactement. Et là, c'est encore plus haut pour accélérer. Waouh. Et là, faut que je leur saute dessus, eux. Tu peux... Et go. Ou les éviter. Reste pas là. Pendant que tu vibres, t'es encore invincible. Okay. Mais sinon, toi, t'as le droit, comme t'as mangé un champignon, t'as un power up, t'es un peu plus haut. Parfait. Faut que j'accélère. Comment je vais faire ça? Allez, laisse appuyer le bouton sauter et tu vas voir, t'as un nuancier de saut qui va t'emmener voilà, beaucoup plus haut. Comment t'as fait ça? Attends, j'essaie, c'est drôle. Plus tu laisses appuyer le bouton sauter, plus tu vas sauter haut. Ça, c'est un truc. Alors, je sais pas si c'est Super Mario qui a fait ça en premier, mais c'est un truc qui a révolutionné un peu le monde du jeu vidéo. Le fait déjà que t'aies une forme de scrolling, donc le niveau défile, tu vois, c'est pas juste une image, il défile devant toi. Oh, t'as vu, ah, t'apprends à jouer à la vitesse de la lumière, c'est incroyable. Alors, tu vois que quand t'es grand, tu peux détruire les blocs, t'as vu, les blocs se détruisent quand tu es grand. Joe qui rigole. Attends, qu'est-ce que je vais faire là? Attention, oui, tu as tapé une carapace et la carapace est revenue à elle là. Ah, saloperie. Elle t'a touché en dehors de l'écran, faire très attention. Ah ouais, c'est possible ça? Ouais. Alors là, il te reste moins de 100 secondes pour terminer le niveau, et c'est quand même un peu timé pour éviter qu'on prenne le temps. Faut que je fonce là un petit peu? Exactement, donc là c'est pour t'apprendre qu'il y a des trous dans le jeu. Donc là, le trou est pas létal, par contre là il l'est, tu vois. Faut vraiment pas tomber dedans. Parfait, impeccable. Ensuite, on continue là. Nickel, bon, quelle aisance, incroyable. Et là, t'arrives vers la fin du stage. On dépasse 100 secondes. Et faut toucher le drapeau. Terminé.
GG. Et là, je suis prêt pour les compètes ou pas là, Ah bah écoute, t'as terminé le 1 de Mario. Franchement, c'est une grande étape en fait, dans la vie de gamer de finir ce stage. Moi j'ai un défaut, c'est que je suis très appliqué, c'est-à-dire. C'est reparti déjà là ? Ah bah c'est 1-2, hein, c'est enchaîné. Hein. Ah bon ? Après c'est toi qui vois. Le 1-2, mon déchet. On peut faire pause, Fais start, le bouton start. Voilà, pause. Parce qu'en fait, moi j'ai un défaut, c'est que je suis très appliqué. C'est-à-dire que quand je déballe un truc, je lis la notice pendant 2 heures. Ouais, et, tout. Ouais. Et là, par exemple, quand t'as commencé à me dire, alors faut faire ça et tout, et je voulais vraiment voir comment ça marchait. Et c'est intuitif hein, quand même. Hein. Et en fait, faut peut-être pas tant réfléchir que ça. En fait, faut se laisser porter par le jeu. Ce qui est formidable dans Super Mario. Je suis félicité. C'est que le jeu, mais évidemment. Vous êtes super sympa. Hein. Après, je te jure. Hein, comment ça, Dark Souls, c'est pas pour tout de suite alors... C'est lui. Qui c'est Joe qui met ça. Non. Voilà. Alors t'en fais pas. Quel speedrun, oui. Après ce jeu-là, on va jouer à Dark Souls. Hein. Par contre, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, hein. Mais quel talent. Mais oui, bien sûr. Ça allait mieux sur la fin. Parce que Joko, il voit déjà de quoi je veux parler. Ah, mais... Là, on parle de Mario. Mais est-ce qu'on sait qui est le papa de Mario? Qui a inventé Mario? Shigeru Miyamoto qui a inventé Mario. Donc Shigeru Miyamoto, c'est un employé de Nintendo qui a inventé des tas de personnages. Pas un développeur de jeux vidéo à la base, mais il a inventé des tas de personnages. Donkey Kong, c'est son invention. Mario, c'est son invention. Zelda, enfin Link, c'est son invention aussi. C'est probablement l'un des plus grands inventeurs du jeu vidéo. Aujourd'hui, bah alors il a 71 ans, tu vois, il continue de travailler pour Nintendo. Et aujourd'hui, c'est à lui dont on doit les projets du film Super Mario, c'est à lui dont on doit les projets du parc d'attractions Super Nintendo World. Mais ça doit être un... Il a créé un nombre d'univers incroyable, Shigeru Miyamoto. C'est vraiment quelqu'un qui est très respecté dans l'industrie. Et surtout, bah, il a appris comment on faisait des jeux vidéo, grâce notamment à Donkey Kong. Le jeu Donkey Kong qui utilisait donc Donkey Kong et Mario, qui étaient ses créations. C'est pas Nintendo qui l'a créé, d'accord? Mais eux, ils ont regardé un peu comment étaient créés les jeux vidéo. Ils se sont dit, ah, tiens, c'est assez intéressant. Vas-y, on va essayer de refaire un peu ça. Et ils ont mis un peu les mains dans le cambouis. Ils ont créé la suite de Donkey Kong qui s'appelle Donkey Kong Junior. Et ensuite, ils se sont dit, ah, ça serait bien de garnir notre ludothèque pour notre console de jeu NES, voilà, qui était sortie, la Famicom. Au Japon, et se sont dit qu'on va inventer un truc novateur, un personnage voilà, qui se déplace dans des décors. Il faut créer un univers instinctif. Donc, il a créé les Goombas, les petites créatures que tu vois là. Il se dit, c'est des champignons, on va avoir envie de le sauter dessus. Donc, on a créé une mécanique avec le saut, comme dans Donkey Kong. Mais ce coup-ci, on va pouvoir tuer les ennemis, etc., etc. Il a créé Bowser, il a créé tout l'univers de Mario. Et tu me dis que pourtant, à l'origine, C'est pas un développeur de jeux vidéo, c'est non. C'est incroyable. Non, c'est un créatif. C'est fou. Mais il a appris à développer au fur et à mesure du temps. Et aujourd'hui... Mais c'est avec tout ce qu'il a inventé, c'est un dieu vivant un peu, non? Quel statut il a dans cet univers-là? Après, il travaille toujours en après, plus. Oui, il travaille toujours. Après, dieu vivant, c'est tout de suite un bien grand mot. Mais quand même, quoi, je veux dire. Non, mais en tout cas, il a inventé des trucs iconiques, quoi. C'est quelqu'un qui a changé le monde du jeu vidéo. Et surtout grâce d'ailleurs à Super Mario, donc avec The Legend of Zelda aussi, mais surtout grâce à Super Mario. Un pionnier, vous avez une légende. Ouais. Ouais, dieu vivant, c'est peut-être un petit peu. En fait, il y a vraiment des figures du jeu vidéo, des noms du jeu vidéo qu'il faut vraiment se rappeler. Shigeru Miyamoto, c'est vraiment un de ceux qu'il ne faut pas oublier. Connaître un peu sa biographie, savoir ce qu'il a fait, savoir ce qu'il a créé, c'est assez important si tu t'intéresses au jeu vidéo. Sa vie est passionnante, mais vraiment passionnante. Et surtout, comme beaucoup dans l'univers de Nintendo. Nintendo qui était une boîte de... Ils fabriquaient des jouets hein, à la base. Hein. Des fabricants de jouets et des fabricants de cartes à jouer. Ouais. Ils ont fait tout leur argent sur les cartes à jouer. Ils vendaient des cartes. Ils ont importé les cartes, c'est nos cartes de poker, nos cartes européennes. Ils les ont importées au Japon et ils les ont vendues avec la licence Disney. Okay. Et dans les années 50, 60, ils se sont fait tout leur argent là-dessus. Et puis ils sont diversifiés. Et ils sont diversifiés. Ils sont passés du jouet au jouet électronique avec les Game & Watch. T'as peut-être connu les Game & Watch, ces petites consoles de jeu de boutons qui faisaient aussi montre. Il y avait aussi donc les comptes dessus. Mais bien sûr. Une petite Game & Watch, voilà. Ah, c'est la folie, ça. Et exactement. Mais bien sûr. Bah, c'est avec ça qu'ils ont cartonné en premier. Ah ouais, mais j'ai eu ça en plus. C'est fou, j'avais même oublié. C'est des trucs qui remontent. Exactement. Et Joe, t'as pas connu ça, toi? C'est trop jeune. Les Game & Watch, quand même, ouais. Moi, je l'ai vécu, ça. Ouais. Mais c'était une folie, mais on était fous de ça. Ouais. Mais tu te rends compte de la révolution que c'était à l'époque? Ouais, tu pouvais les jouer. Les cristaux liquides.
C'était fou. C'est ça, avec les, exactement, avec les écrans à cristaux liquides. Et à la base, ces petites Game & Watch étaient inventées pour tenir dans la poche des salaryman japonais, tu vois, pour dans les poches de costumes, pour qu'ils puissent jouer dans le métro. Dans le métro. Voilà, qu'ils arrêtent de s'ennuyer dans le métro. Incroyable. Voilà. Et des Game & Watch sous blister, c'est encore recherché ou pas? Ah, mais si t'en as sous blister des originaux, mais ça vaut une fortune. Et je me rappelle, après, à un moment, il y en a eu des double écrans. Qui se pliaient. Exactement. Et c'est, ils ont porté le jeu Donkey Kong et Zelda sur Game et Watch. Ça, hop, exactement. Voilà. Et tu jouais sur deux tableaux. Mais on était fous exactement. De ça. Eh bien, tu vois, toutes ces idées-là, la croix, il y avait une croix directionnelle aussi sur Game Watch. Ce prototype de croix directionnelle, c'est quelque chose qui a été breveté par Nintendo. C'est eux qui l'ont inventé. On la retrouve ici. Et la croix Nintendo, elle est brevetée. Et il n'y a qu'eux qui peuvent reproduire cette croix-là. Exactement. Et ils l'ont breveté depuis le Game & Watch. Et c'est incroyable de connaître. Toi, tu préfères jouer avec la croix ou avec le joystick ? Sur les jeux qui sont, on va dire, ce que j'appelle les jeux qui sont numériques, à savoir c'est 0 ou 1, t'avances pas. Je préfère jouer avec une croix directionnelle. Les jeux qui sont plus analogiques, c'est-à-dire qu'il y a une progression continue des mouvements des personnages, je vais jouer plutôt avec des sticks analogiques. Mais. Peu importe, on peut jouer avec les deux. Mario se joue bien avec les deux. Ouais. Vous voyez quelques images de Game & Watch, ça c'est les nouveaux, ça, ils les ont ressortis pour fêter l'anniversaire justement avec Super Mario Bros. Du coup dedans, qui n'existait pas à l'époque. Il n'y avait pas d'écran LCD couleur. Enfin, je me demande si mes enfants pourraient la croix. Aimer ce truc-là ou alors ils trouveraient ça un peu. Ouais, Joe n'est pas sûr. Ouais. Nous, c'était une révolution. Ouais, c'est comme sûr, si tu donnais sûr. Un Tamagotchi aussi à un gamin aujourd'hui. C'est un peu en mode genre... C'est quoi ton truc, quoi? Mais franchement, nous, on se battait. C'est vrai qu'ils grandissent avec des téléphones directement. Tu peux me faire le deuxième tableau? Mais vas-y, let's go. Donc attends, j'appuie sur quoi? Alors, tu appuies sur le bouton plus. Hein. C'est toujours celui-là qui est ta pause. Ouais, c'est ta pause, toi. Alors, là, tu peux continuer. Alors attention, hein, c'est un niveau un peu plus compliqué. Donc là, tu es dans tout simplement un souterrain, une caverne. Ouais, bien joué. Et tu vas avoir des milieux un peu plus exigus, surtout beaucoup plus de trous. Voilà, tu vois, t'as en sautant sur la tortue, tu la transformes en carapace, et en touchant la tortue, tu envoies la carapace. Et tu peux t'en créer un projectile et tu peux attaquer avec des ennemis. Ah ouais. Ça aussi, c'est une idée qui n'existait pas avant Mario, c'est assez ouf de voir comment est-ce qu'ils ont fait ça. Toujours du mal avec les Goombas. Hein. Ouais, ouais. C'est-à-dire, je mesure très très bien mon... Je voulais monter là-haut, là, je me demande comment on pouvait monter là-haut, là. Eh bien, c'est intéressant que tu te poses la question, parce que c'est possible, sache-le. Et en fait, en montant là-haut, tu peux traverser tout le stage sans avoir à éviter les ennemis. Ah. Et ça aussi, c'est assez fou. Et il y a même... je veux monter là-haut, moi. Il y a même spoiler alert. Comment on fait pour monter là-haut? Ah, t'es pas encore au bon endroit pour pouvoir monter là-haut. Par contre, je t'invite à tester les blocs. Souvent, dans les blocs, il y a des choses assez intéressantes. En fait, tu vois, tout le niveau est en bloc en brique. Donc, t'as les blocs point d'interrogation, dont tu ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Ouais. Mais aussi, t'as les blocs briques. Et ces blocs briques, des fois, ils peuvent avoir. Ça, c'est un power-up. Si tu le prends, hop, tu grandis. Voilà. Donc là, tu deviens un peu plus fort. C'est cool. Grâce à ça, tu vas pouvoir à la fois prendre un dégât, mais tu peux aussi détruire les blocs. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Détruire les blocs, comment je fais? Il suffit que tu sautes sur un bloc, enfin dessous, tu vois, dessous, et tu détruis. Ah, mais ça, c'est un bloc avec des multiplayers. En fait, si tu sautes sur le bloc continu, tu vois, tu gagnes des pièces en continu. Au bout de 100 pièces, t'as une vie. Et plus t'as de vie, évidemment, plus tu peux perdre. Comment je monte là-haut? Alors, pour monter là-haut, il faut courir et sauter. C'est un peu technique. D'accord. Donc pour courir et sauter, il faut laisser tout le temps le bouton B appuyé. Ouais. Tu vois, donc nous, on avait l'habitude de jouer en crabe, comme ça. Oh, le freinage. T'es pas mort, cela dit, parce que t'avais un power-up. D'accord, ok. Oh. Ah, tu sautes un peu trop tard. Ouais. Pas très doué, hein. Bah, okay. c'est un jeu compliqué, hein. Super Mario Bros. Hein. C'est un jeu compliqué. Mais en fait, je pense qu'il me faut, un peu de pratique, quoi. C'est un jeu compliqué. Pratique. Mais au moins, tu as terminé le 1, tu vois à peu près à ce que ça ressemble. Alors, il y a plein de trucs cachés dans ce monde-là, et notamment, tu as une zone bonus, tu as une étoile qui te rend invincible aux ennemis aussi, qui t'a trouvé dans le niveau. Pendant un laps de temps, je suppose. Ouais, exactement. Pendant un laps de temps, il y a même la musique qui change. Ça aussi, c'était un truc assez révolutionnaire. En fait, la musique évolue avec le jeu. Tu vois, celui qui a écrit les musiques de Mario, il s'appelle Koji Kondo. Et il faisait évoluer ses musiques en fonction de la pression que tu ressentais. Si le timer était bas, la musique commence à s'accélérer pour t'expliquer qu'il faut que tu te dépêches, en fait. C'est pas naturel que la musique s'accélère. Et tu peux avoir des petits coups de pression comme ça, et des musiques qui sont différentes en fonction des niveaux et de l'ambiance du niveau. Ce que tu me disais aussi tout à l'heure, c'est que ce jeu, en fait, il était enseigné. Enfin, ce niveau 1-1, oui, il est enseigné. Et enseigné dans les écoles de jeux vidéo, ouais. Parce qu'en fait, il y a tout dedans. Exactement. En fait, c'est un tuto
Voilà. Où tout le tuto se fait avec le gameplay et ce qu'on appelle le game design, c'est-à-dire comment est-ce que le niveau est construit. Globalement, tu t'es posé cette question. Tu vois, quand tu es arrivé dans ce tuyau, tu es arrivé plus haut. Ouais. Comment je fais pour sauter dessus? C'est là où tu apprends le nuancier de saut, qu'en fait, tu peux sauter à plusieurs hauteurs. Le premier Goomba arrive, ah, c'est un ennemi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le tuer? Sauter dessus. Le premier point d'interrogation est là, fait ah tiens, si je sautais pour voir ce qu'il y a dedans. Donc, le jeu et le tuto. Le jeu et le tuto. Et ça, c'est une des grandes marques de fabrique Nintendo. Ah. C'est que plutôt de te mettre des lignes de texte avec appuie sur A, appuie sur B, appuie. Ils disent rien. Ils te lancent dans un niveau et le niveau t'apprend à jouer au jeu. C'est génial. Voilà. Bah oui, c'est génial. Et donc, du coup, à chaque niveau, t'apprends des petites subtilités du jeu, ce qui te fait progresser, te permet de passer. Exactement. Mais c'est génial, mais il faut savoir un truc, c'est que s'ils auraient pu mettre des textes pour expliquer aux gens, je pense qu'ils l'auraient fait. Le truc, c'est que dans ces jeux-là, il y a une telle limitation de taille pour mettre le jeu dans la cartouche, qu'à l'époque, c'était réellement à l'octet près que le jeu pouvait sortir. Du coup, pour limiter évidemment le nombre d'octets utilisés sur la cartouche, eh bien justement, ils étaient obligés de tricher. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec les jeux anciens, c'est comme ils avaient beaucoup de limitations techniques, tu vois, on ne pouvait pas faire tout ce qu'on veut. Imagine, c'est avant Internet, on se débrouillait, tu vois. Et bien là, c'est exactement pareil. Il n'y avait pas une puissance de calcul énorme. Il y avait des gros problèmes parce que le jeu ne peut pas afficher... tu vois, par exemple, le jeu ne peut pas afficher plus de 5,5 à l'écran. Ça, c'est un problème, tu vois, tu ne peux pas afficher plus de 5,5 à l'écran. Comment tu fais quand il y en a plus, tu vois? Et tout ça, c'est des problématiques que tu dois réfléchir quand tu crées ton jeu. Et du coup, ils créent des jeux avec des contraintes énormes. Et du coup, ils sont obligés de se dépasser et d'être génial pour avoir un jeu intéressant. C'est notamment pour ça que Mario a une moustache. Et c'est notamment pour ça que Mario a une moustache. En fait, pourquoi créer une bouche à Mario, c'était trop compliqué. Et du coup, en faisant une moustache, ils disent « Eh bien écoute, une moustache, ça nous évite de faire sa bouche. » J'adore. Et ça lui donne un air sympathique. Je vais pouvoir tellement me la raconter, tu sais, dans les petits dîners parisiens en disant « Tu sais pourquoi Mario a une moustache ?» Petit silence, genre, et là tout le monde, y compris les plus grands esprits de la table, « Putain, on sait pas. » Ben moi, je vais vous dire. Parce qu'on était à l'octet près, monsieur. Exactement. Si tu regardes bien le Mario, il a trois couleurs sur lui, uniquement trois couleurs. Donc, tu vois, son visage et ses mains, c'est une couleur. Oui. Sa salopette et sa moustache, c'est une autre couleur. Et sa casquette et sa salopette, c'est trois couleurs. Voilà. Donc, tu es limité à trois couleurs par sprite. Tu pouvais pas m'afficher. C'est génial. Les gens demandaient, Ken, que tu montres à Sam le plateau, comment tu le plies. Comment je plie le plateau? Vous voulez que moi je veux voir aussi. Je vais te montrer les subtilités du jeu. Comme toi, je vais mourir sur le premier Goomba, hein, c'est la base. Hein. Voilà. Alors je te regarde. Ouais. Donc tu vois ici normalement t'as ça. Donc tu as un power-up à récupérer. Ouais. Et là regarde, il y a plein de trucs de cachés. Tu vois, si tu cours assez vite, tu peux sauter de plateforme en plateforme. Okay. Et si tu fais des petites erreurs en testant, regarde. Ici, ouais. Tac. Oh, t'as un champignon qui apparaît, là t'as une vie. Il était caché celui-là. Exactement. Là juste après, il y a un truc pour t'apprendre que tu peux tuer un ennemi. Voilà, en tapant comme ça, tu vois. Si tu tapes un bloc là-dessus, tu tues un ennemi. Et pareil ici, il y a le deuxième power-up qui est la fleur. Et tu peux tirer des boules de feu. Ah, j'ai pas eu ça. Et avec ça, tu deviens de plus en plus puissant. J'ai pas eu ça. Là, on te met des ennemis, on te montre que tu peux les détruire avec les boules de feu. Trop bien. Et là, si tu t'intéresses à casser un peu les trucs, tu vois, hop, une étoile, la fameuse étoile de Mario. Là, tu deviens invincible. Et là, ensuite, après, bah, rien ne peut t'arriver. Tu te rends compte aussi que le scoring a tendance à monter pas mal. Et là, tu peux terminer le niveau très rapidement, tu vois. Hop. Et si tu cours assez haut ici et que tu termines. Alors, 6. T'as un bonus. 6, je crois que j'ai un bonus à 6. C'est quoi? C'est 3, 6, 9. Incroyable. Ouais, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tu termines avec le chrono qui termine par un 6, il y a des feux d'artifice et tu scores plus. Oh, c'est incroyable. Voilà. Et ça, tu le découvres en jouant. Exactement. Et tu découvres tout ça en jouant. Il y a plein de petits trucs cachés comme ça. Ça me rappelle, regarde. Et les MMG7F et les feux d'artifice. Et ouais, 3, 6, 9, oui. Les gens savent. J'adore. Voilà. Alors, vas-y, je te suis. Là quoi, ouais, tu veux que je te montre l'escape warp? Ouais. Donc tu vois là, en fait, il y a plein de trucs qui t'expliquent en fait qu'ici, quand tu as un power-up, tu peux détruire ces trucs-là. Et en détruisant, hop, tu peux monter. En fait, c'est à toi de créer ton escalier, tu vois. C'est Minecraft. Voilà, un peu ça. Ouais, bah avant l'heure, parce que tout est en bloc. Et en détruisant progressivement, tu vois, le haut là, comme ça. Tu vas pouvoir monter. Exactement, tu te crées un petit chemin. Hop. Pour pouvoir monter dessus. Et tu peux monter. Et là, hop, tu skips tout le niveau. Trop malin. Comme ça. Et ça, c'est bonheur, tu vois, t'as même plus à réfléchir quelque part. Hop là, alors là, il t'oblige à redescendre.
Mais ils t'apprennent que tu peux remonter. Et si tu remontes ici, hop là, t'as une warp zone. Et derrière, t'as une téléportation soit pour le niveau 2, soit pour le niveau 3, soit pour le niveau 4. Et pourquoi ils ont fait ça, d'après toi ? Pourquoi est-ce qu'ils permettent d'éviter le niveau ? Parce qu'en fait, dans ce jeu, il n'y avait pas de place pour faire des sauvegardes. Donc quand tu recommences... Toujours le problème de capacité. En fait. Exactement. Donc si jamais t'es mort au niveau 4 et que tu veux y retourner, excellent. Malheureusement, le seul moyen que t'as, c'est d'aller à ce niveau 1-2 et ensuite d'aller au niveau 4. Et ça, tu peux le faire même si t'as pas précédemment été au niveau 4. Il est assez facile à trouver. Oui, tu peux le faire même si t'as pas allé précédemment au niveau 4. Et là ensuite, il y a plein d'ennemis qui sont créés. Tu vois, donc le petit ennemi qu'on appelle l'Akitu qui envoie des petits ennemis porcs épiques. Donc là, évidemment, tu te dis c'est des porcs épiques. Oui. Tu sais que tu vas pas pouvoir sauter dessus, oui. Tu vois, parce que sinon tu vas mourir parce qu'il y a des pics. Tu vois tout ça, en fait, comment sont créés les monstres dans dessus, Mario. Si tu sautes dessus, regarde, si tu sautes dessus, hop, il y a des pics, tu vois, je perds le bonus. Et là, je perds même tous mes bonus. Donc, l'idée, c'est que le personnage en haut te met une pression de tous les diables, tu vois, et t'empêche de rester stable. Tu ne peux pas rester fixe dans les niveaux, tu es obligé de bouger. Et du coup, tu es sous pression sans arrêt. Il faut absolument pas que tu te rates du début à la fin du niveau. Et tu vois, ils mettent plein de trous et plein d'obstacles comme au saut de haie pour pouvoir t'empêcher de réussir le niveau. Mais j'ai encore les feux d'artifice, j'ai de la chance. Voilà, et il y a plein de trucs comme ça dans tous les niveaux. Il y a des trucs géniaux. Et à chaque niveau, il y a une nouvelle idée de game design. Il y a un nouveau ennemi qui apporte quelque chose. Et combien t'as de niveaux là, par exemple ? Il y a 8 mondes et il y a 3 niveaux par monde. Donc 3 fois 8, 24. Hein, je suis docteur en maths, mais je sais pas, 24. Voilà. Et ouais, voilà, en gros, Super Mario. Parce que je crois que c'est même 4 niveaux même. Là, tu viens de dire docteur en maths, parce que moi, je sais que t'as été prof. Ouais. Tu l'as peut-être même toujours, d'ailleurs. Non, j'enseigne plus depuis 2009. Prof de... 2010. Prof de... De maths. Prof de maths. Ouais. Et jusqu'à quel moment, jusqu'à quel âge à peu près ? J'étais prof de maths jusqu'à en 2010, donc jusqu'à mes 25 ans, je dirais. Et j'ai enseigné de 2006 à 2010. Bah, durant toutes mes études à partir, je dirais, de la... Nous, on disait maîtrise à l'époque. Ah, c'est ça. Du maîtrise au doctorat. Ok. Voilà. J'ai enseigné. Et ensuite, après, c'était soit le service public. Ouais. Soit tenter autre chose. Et je me suis dit, comme j'avais déjà les diplômes, que je pouvais passer mon agrég, mon CAPES un peu quand je veux, j'ai tenté autre chose. J'ai bien forcé dans autre chose. Et puis. Et l'autre chose, c'était Les jeux de combat. Ouais. Commenter les jeux de combat. Exactement. Rien à voir. Hein. Et finalement, tu t'es dit, je vais faire ça. Exactement. Et j'ai pu enseigner. Je suis resté quand même proche de mes collègues professeurs et de mes amis de fac qui sont tous devenus professeurs aujourd'hui. Et qui suivent tes aventures ? Suivent mes aventures, mais ils ont assez d'aventures, eux, comme ça, là, en ce moment. C'est clair. Force à tous les enseignants et tous les profs. Force à vous. Bravo. Franchement. Bravo. Donc voilà, premier Mario. On enchaîne avec la suite. 1985. Et là, on arrive en quelle année, là ? Alors là, on arrive à quelque chose d'un peu bizarre. D'accord. Donc, j'adore. Quelque chose d'un peu bizarre. Donc, je t'avais parlé de Nintendo, il y a le Japon, il y a les États-Unis. D'accord. Super Mario, au Japon, c'est un jeu qui a été extrêmement joué. Et, bon, ça paraît difficile. Mais au bout d'un moment, les joueurs trouvaient le jeu trop simple. D'accord. C'est incroyable de penser qu'ils trouvent le jeu trop simple. Mais c'est vrai, ils trouvent les jeux trop simples. Les Japonais, ils ont tendance à perfectionner les trucs tout le temps. Et du coup, est venue l'idée à Nintendo de sortir une suite à Super Mario Bros. Qu'ils vont appeler Super Mario Bros. 2. Mais, donc Super Mario Bros. 2, on va le trouver, il me semble... Alors, voilà, tu vois, il est marqué là, mais c'est pas lui, c'est lui. Ok. Notez chez nous Super Mario Bros. The Lost Level. Je vais t'expliquer justement pourquoi, mais tu vois, quand on va cliquer Super Mario Bros. 2. Qui est un jeu qui est sorti, alors, c'est un peu bizarre, mais qui est sorti sur une extension de la Famicom, qu'on appelle le Famicom Disk System, donc une année après. Globalement, tu sais, donc en 86, on n'avait pas Internet, rien du tout. Ouais. Par contre, nous, on commençait à avoir le Minitel, je crois, en 86, ouais, c'est ça. Bien. Donc le réseau téléphonique commençait à être élevé. Eh bien, au Japon, ils avaient des bornes branchées sur le réseau téléphonique dans lesquelles tu pouvais mettre des disquettes. Et grâce au réseau téléphonique, les disquettes s'imprimaient avec des jeux dedans. Et du coup, tu amenais ta disquette vierge, tu les branchais dans ta borne, ça imprimait un jeu, ensuite tu le ramenais chez toi et hop, tu jouais.
Et parmi ces jeux-là, il y avait notamment The Legend of Zelda, mais il y avait aussi Super Mario Bros. 2. Et Super Mario Bros. 2, c'est donc la suite directe de Super Mario Bros. Au Japon. Elle n'est jamais sortie chez nous parce qu'elle a été jugée trop difficile pour le territoire occidental. Donc c'est-à-dire que c'est un jeu que l'on ne méritait pas. Et nous, il a fallu attendre 1992 pour qu'on ait accès à ce jeu-là. C'est les Japonais qui ont décrété que c'était c'est trop les Américains qui ont décrété que c'était trop dur. Oui, qui ont décrété que c'était trop dur, il me semble. C'est intéressant. Et alors, c'est, je te préviens, c'est très dur. C'est un peu le Dark Souls de l'époque. Ah oui, mais non, mais attends, mais c'est voilà. Parti là. Donc, je voilà le 1-1. C'est le tout premier monde. Ça se joue exactement pareil. Je ne réponds à rien. Bien joué. Je ne réponds absolument à rien. J'avance. Ah, ça, c'est bien. Ok. Ça, c'est bien, le up là. Power up. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est un champignon qui donne la mort. Mais c'est pas marqué. Il a l'air super cool. C'est complètement exprès, c'est incroyable que même sur toi ça marche. Mais comment ça marche sur tout le monde, c'est incroyable. Mais, et là, c'est-à-dire que tout à l'heure, je les ai pas pris tout à l'heure. C'est fait exprès, ils ont mis des faux power-ups. Mais là, faut que je... Ah, là, c'est des vrais, ça. Ah, je sais pas ce qui est vrai, je sais pas ce qui est faux. Hein. En tout cas, je t'invite à pas faire confiance à tout ce que tu croises. Ouais. Si tu veux, on peut te dire, mais t'inquiète, c'est safe, y a rien à craindre. Et en fait... Mais comment on sait, comment on fait la différence? Alors, il est marron, d'accord? Donc okay. C'est un peu comme si c'était un champignon un peu pourri, tu vois? D'accord. Mais là, il est marron aussi, celui-là, là. Lui, en tout cas, il est marron. Il y a une petite évolution graphique hein, quand même sur ce jeu, comme tu peux le voir. Il y avait plus de puissance de calcul sur le Dix System. Lui, par exemple, il est bien. Exactement. Il faut que tu arrives à le faire sauter la barrière. Donc pour ça, il faut que tu restes sous un bloc et que tu sautes sur le bloc pour le faire sauter au-dessus. Voilà. Ah, peut-être le bloc d'avant. Allez, encore. Voilà, bien joué. Et là, tu cours. Voilà, et là t'as le power-up. Et maintenant essaye de finir le stage. T'as perdu le power-up, c'est pas grave. C'est ouais, je vais y arriver, je suis fou. Donc c'est un niveau avec beaucoup... Chaud comme la braise. Ah, y a l'invincibilité. Presque. Mais t'as appris où était l'invincibilité. Ouais, et je sens que... Retry. Retry ou continue te ramènera normalement exactement au même endroit. Donc là, c'est bon. Toujours le bouton plus, hein, le bouton plus. Celui-là. Voilà, le bouton plus. Non, allez, c'est bon. Si tu termines ce monde-là, ouais, franchement, personne ne peut t'embrouiller, t'es un vrai gamer. C'est vrai. D'accord? Ok? C'est marrant ça. Oui! J'ai compris. Et regarde, t'as compris l'idée de faire sauter? Ah, pas mal, t'es un peu trop tôt, ouais, donc il a sauté dans l'autre sens. Et hop là! Bon, là, presque. Ouais, y a que le bloc de briques que tu peux faire bouger avec ta tête. Bien joué! Oh! Et je saute et je cours! Voilà, faut éviter les plans de piranha. Alors évidemment, ils en ont mis partout, ils en abusent évidemment dans le level design. Plan de piranha, là, évidemment. Ouais, elle arrive sans prévenir un peu. C'est comme, les contrôles dans le métro. Et go. Alors là, faut éviter la tortue qui vole. Foiré. Bien joué. ça fait ressortir le meilleur de nous-mêmes, le jeu vidéo. Donc là, je te conseille de passer en haut parce qu'en bas, le trou est tellement gigantesque que si tu ne sais pas courir, tu ne passeras jamais. Essaye de passer en haut. Donc en sautant assez haut. Voilà. Évite le trou là. Ouais. Impeccable. Ah, attention. Je me méfie de celle-là. Voilà. Les tortues rouges ne tombent pas. Ouais. Elles changent de direction. Les tortues vertes tombent. Comment j'échappe à tous ces zouzous là? Tu vois, t'as vu quand il y a 5 ennemis affichés à l'écran, les ennemis commencent à clignoter. Tu as vu? Ils commencent à clignoter. Parce que la console ne peut pas afficher plus de 5 ennemis. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle en affiche un. Puis elle affiche l'autre, elle affiche un, affiche l'autre, donc chaud, en fait, ça clignote. Mais tu sais que tu peux te servir des carapaces pour pouvoir taper les ennemis. Faut sauter là, faut sauter là. Oh, et franchement, t'es quasiment à la fin du niveau. En étant prudent, hein. Oh là là. En étant très prudent. Attends la fin de la piranha. Je suis chaud. Attention. Je suis chaud bouillant. T'as terminé le 1-1 de Super Mario Bros 2. Et je vais faire le drapeau comme toi là. C'est assez incroyable. Là, il n'y a pas de piège, ils sont pas. Bravo. J'ai pas réussi le drapeau. Franchement, bravo. C'est le drapeau comme toi. Franchement, bravo. Ça va ou non? Ça va. Et ça c'est le niveau le plus simple du jeu. Là, j'aime bien voir le chat dans ces cas-là parce que les gens savent que je suis tellement nul et ils font « Ouais, bravo. Franchement, t'as terminé. Bravo, Papy Sam. Terminé le niveau 1-1 de Super Mario Bros, on ne veut pas dire que t'es nul. Donc, ce jeu s'appelle, chez nous en Europe, il s'appelle The Lost Level, les niveaux perdus. Okay. Parce qu'en fait, c'est les niveaux qu'on n'avait pas eu à l'époque.
parce qu'on ne les méritait pas. Tu vois, on n'était pas jugés comme étant des mais assez en, bons en vrai, à quel moment les Américains se disent les Européens ne méritent pas ce jeu, ils vont pas savoir jouer. Il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est le support sorti, donc c'est le disque système qui n'est pas sorti chez nous. D'accord, okay. Parce qu'il n'y a qu'au Japon où tu pouvais imprimer les cartouches sur donc le ça, réseau internet. Alors qu'on avait le Minitel, les Américains. Mais et vous faisiez moins les malins à l'époque. Exactement. Mais avec le progrès technologique, les cartouches de NES ont pu avoir plus de données à l'intérieur et du coup, ce jeu aurait pu sortir après. Mais ils ont préféré sortir ça différemment. La deuxième raison, c'est qu'en fait, on ne voulait pas effrayer les enfants. Parce que c'était beaucoup les enfants qui jouaient en Occident aux jeux vidéo, ce qui n'était pas le cas au Japon. Hein. Au Japon, c'est les darons hein, qui jouaient. Parce que ça joue à Space Invaders depuis des années et des années. Space Invaders, tu vois le jeu Space Invaders, le petit vaisseau où tu dois tuer les extraterrestres. Space Invaders, qui est un jeu qui a provoqué une rupture de pièces de 100 yens nationale. J'adore. C'est-à-dire qu'il fallait des pièces de 100 yens pour pouvoir jouer au jeu. Et les gens allaient retirer des pièces de 100 yens tellement en masse pour pouvoir jouer au jeu que la banque nationale japonaise n'en avait pas imprimé assez à cause d'un jeu vidéo. Je ne sais pas si tu te rends compte. C'est super. C'est incroyable. Et c'est à partir de ce moment-là où les gens ont commencé à comprendre qu'il se passe quelque chose. Space Invaders, c'est vraiment le premier jeu où les gens ont commencé à comprendre qu'il se passait quelque chose avec les jeux vidéo, surtout en arcade. Mais avec Super Mario Bros, moi, c'était des gens qui avaient déjà, toi, qui étaient déjà papa. De toute façon, il fallait pouvoir l'acheter, la console. Ça coûtait un peu d'argent. Donc, il fallait quand même travailler. Et donc, c'était les papas qui jouaient à ça. Et des gens qui avaient l'habitude de jouer en arcade depuis très, très longtemps. Donc, c'était bon. C'était plutôt bon joueur. Et c'est pour ça qu'on donnait ça. Aux États-Unis, c'était moins le cas. Enfin, les salles d'arcade étaient plus dissociées. On avait plus des jeux casus, de manière générale. Et dans les consoles de jeux, on simplifiait grandement les jeux, déjà pour les adapter au marché. Soit eh bien, on les lissait ou on les censurait un peu, parce que les marchés n'étaient pas totalement pareils. C'est pour ça qu'on n'a pas eu ce jeu-là à l'époque. Et notamment parce que pour un public qui chez nous était assez jeune et enfant, le niveau était trop… Alors, c'est ce qu'ils pensaient à l'époque. La véritable raison, c'est qu'ils ne voulaient pas montrer que Nintendo faisait des jeux hardcore pour ne pas perdre cette image familiale des jeux Nintendo, grand public. Accessible à tous. Ça, c'est pas un jeu qui est accessible à tous. Je te jure, je l'ai terminé. Mais je l'ai plié en deux. C'est une horreur. Je l'ai plié en deux. Même encore aujourd'hui. J'ai joué avec un doigt. J'ai pas c'est horrible. Je dois avouer que je suis pas ton meilleur allié sur ce coup-là parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un clip du fait que t'as mangé deux fois le même champignon. Ah ouais, ça c'est parti sur Twitter. Voilà. Ah ouais, ça j'avoue. Je peux rien dire de plus. C'est parti sur Twitter. C'est parti, je suis désolé. J'adore. Donc, chez nous en Occident, on a eu un autre jeu qui s'appelle Super Mario Bros 2. Celui que tu m'as montré tout à l'heure. Rien à voir. Qui est plus facile. Et je vais te montrer. Oh, excellent. Donc je vais sur Game Over. Donc tu fais ZL plus ZR en même temps, les deux gâchettes là. Hop. Ouais. Waouh. En même temps là. En fait, tu fais sélection de jeu, écran de sélection de jeu tout en bas. Tu appuies sur le bouton A. Tu descends. Oui, je l'ai vu, celui-là. Voilà. Alors là, tu vois, regarde. Tu es sur la jaquette, ouais. Mario, ouais. Avec la bouche. Donc là, on commence à être dans les années où Mario, c'est un vrai personnage, une vraie mascotte. Il a l'air bourré hein, sur le. Il a la garde des mascottes, exactement. Il a un pif comme ça, il est rouge. Il ça, c'est pour le marché français, en fait. C'est vrai qu'il a l'air un peu Rubicon, comme on dit par chez nous. T'es d'accord. Il a l'air bourré. Mais on va dire que le rouge, c'est un peu sa thématique. Et comme tu vois, il tient un navet dans les mains. Alors là, ouais. D'où ça sort ça ouais. Donc ça c'est le Super Mario Bros 2 que nous on a eu. On a toujours cru pendant des années que Super Mario Bros 2 c'était ça. Et que tout le monde a eu Super Mario Bros. C'est pas vrai. Ce jeu au Japon il s'appelle Super Mario Bros USA. C'est-à-dire, ils le considèrent comme le Super Mario Bros des Américains. Voilà. Tu vois le dédain ouais. Derrière ça. Donc nous Super Mario Bros 2, je t'invite à le lancer. Les gens sont trigger par le fait qu'il n'y a plus de manette, il y a plus de batterie dans la manette, ils te demandent de la brancher. Ah d'accord, OK. Bah, il y a le câble de Kayane. Il est où le câble de Kayane là? On l'a laissé? Ouais, il est là. Il est là ouais, il est toujours branché je pense. Mais je crois qu'il est toujours branché, non? Ouais, attends, je vais le brancher directement à la Switch. Ça me fait tellement plaisir de voir quelqu'un qui... Qui quoi? Qui quoi? Parce que Ken, c'est un vrai ancien des WebTV, donc il sait faire des séries. Bien sûr. Moi, je fais tout moi-même. Tu m'aurais demandé de faire pareil. Non, mais c'était même pas pour toi. C'est... le début des WebTV, c'était si t'étais pas ingé son, comment réalisateur, etc. Ça marche. Donc voilà, Super Mario Bros. 2 sorti en 1988. Donc là, on fait un bond dans le temps de 2 ans hein, quand même. Donc c'est-à-dire qu'entre Super Mario Bros. En 85 et ici en 90, il s'est passé 3 ans quand même. Mon petit frère venait de naître. Et là, une histoire apparaît.
Donc là, c'est en anglais, on n'a pas le droit d'ici. Mais toi, t'es bon en anglais, je pense. Je le lis. Pourquoi les Français, on est aussi mauvais en anglais? C'est terrible. Ah ouais, ah, c'est terrible. Mes enfants parlent mieux anglais que moi, quoi. Ah bah, c'est bien. Sauf qu'ils ont 7 et 3 ans, quoi. Mais bon. Donc, incroyable, After Awakening, Mario went to a cave, Nerby, End to his surprise, ISO, des trucs. Une histoire. Incroyable. Il y a une histoire, il y a un scénario. Et un truc incroyable, tu vas voir, quand tu vas appuyer sur Start, ce jeu propose la sélection des personnages. 1988. Ça, c'est nouveau, ça. Exactement. Et tu te dis, bah, c'est juste des skins. Ouais. Non, chaque personnage a un gameplay différent. Ah, c'est beau, ça. Et pour la première fois de l'histoire, tu peux jouer Peach, la princesse du royaume champignon, comme un personnage jouable à part entière. Et ça, c'est révolutionnaire. Ouais, ouais, vraiment révolutionnaire. Tu m'étonnes. Mais il y a un hic et je t'expliquerai c'est quoi après. Choisis le perso que tu veux. Tu me conseilles quelqu'un en particulier ou pas? En fait, Mario est le personnage qui a tous ses stats normales. Il court normalement, il saute normalement, il est plutôt maniable. Luigi va être un personnage extrêmement, comment dire, ample. Ouais. Il va freiner pas vite, il va sauter beaucoup plus haut, va avoir beaucoup de problèmes à être dirigé. Il est moins précis, par contre, il saute très haut. Todd, il saute pas très haut, par contre, c'est le plus rapide. Okay. Il fonce à la vitesse de la lumière dans le décor. Peach, elle est un peu au milieu de tout, mais elle a un pouvoir en plus, c'est qu'elle peut voler un temps dans le ciel. Tu vois, avec sa robe comme ça, elle reste en planning. C'est normal, quand t'as une robe, tu voles dans les airs. Bien sûr, bien sûr. Et ça t'évite de tomber dans les trous un peu bêtement. Donc Peach, c'est un peu le personnage facile, tu vois. Tu as utilisé le mot qui m'a convaincu. J'ai entendu. Facile. Ben voilà, joue Peach parce que ça fait plaisir. On est en 1988, il y a un personnage féminin jouable hein, dans un jeu vidéo. Alors, ça, c'est pas un des premiers Nintendo a déjà mis en place un personnage féminin majeur. Hein. C'est flippant là. Oui, alors qu'est-ce qui se passe? Ben ouais. Super Mario Bros 2 utilise le scrolling à la verticale. Donc on n'est plus à l'horizontale, on se passe de droite à gauche. Et c'est même mieux que ça. Ils vont utiliser des choses qui étaient déjà dans les Ice Climbers et dans Super Mario Bros, à savoir que les niveaux sont en fait des cylindres. Si tu vas tout à droite, tu vas te retrouver tout à gauche. En fait, tu t'en rends pas compte, mais tu es cylindre. Essaie de sauter tout à droite et tu vas voir, tu vas réapparaître tout à gauche. Regarde, t'as vu? Ok. Voilà. Et tu descends comme ça. Ah, je suis déjà mort. Ouais, tu as perdu le truc. Okay. Alors, petit personnage que tu vois là, c'est les Mascas. Oh. Tu vois, il y a des portes. Ouais. Alors, comment on passe une porte d'après toi? On appuie sur un bouton. Ouais, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour passer la porte? Voilà, le bouton haut. Voilà. J'ai pas fait exprès. Dès que t'appuies en haut, tu passes les portes. Ok. Donc là, Super Mario Bros. Je peux sauter dessus, lui. Saute dessus. Mais tu vas voir que comparé aux autres Super Mario, quand tu sautes dessus, tu passes un peu bizarre. Oh, t'as pris un navet. Et il faut pas? Si, c'est bien. Si, c'est très bien. Donc, particularité, tu vois, maintenant, on a ce qu'on appelle des checkpoints dans l'histoire du jeu vidéo. Un checkpoint, c'est un endroit où tu vas respawn si jamais tu meurs. C'est vraiment... Il n'y a pas moyen d'utiliser des anglicismes pour dire ça. C'est quand même incroyable. Là, ne vous moquez pas, c'était juste pour tester un truc. Oui, test. En fait, je me suis gouré entre les deux. La particularité de ce jeu, c'est que ce jeu ne se base plus sur le fait de sauter sur l'ennemi pour les tuer, mais se base sur le fait de pouvoir agripper des objets. Donc, quand tu vas sur les ennemis, tu peux les attraper. Tu peux les soulever avec le bouton B. Regarde, je vais te montrer, vas-y, avance, trouve un autre mascasse ou voilà ce petit pigeon volant. Saute-lui dessus, saute-lui sur la tête, n'aie pas peur. Okay, okay. Saute-lui sur la tête, saute-lui sur la tête, saute-lui dessus. Saute-lui dessus. Ta-ta-ta-ta. Game over, je pense. Éclate-le. Non, alors c'était juste un test. Je me permets pendant le reset, excusez-moi, je prends la parole pour vous dire qu'on est bientôt 10 000 en train de voir Sam se faire ratatiner. Les gens, je savais pas que vous étiez si nombreux. Là en fait c'était une blague, c'était pour vous faire rire. Et là maintenant je vais vous montrer la vraie. En fait, c'est très intéressant de voir jouer. C'est extrêmement intéressant. Appuie sur Start pour faire un continu. Alors, vous voyez, aussi... les gens, c'est ce bouton-là. Donc, juste. Je sais pas si t'as vu. Alors, je maîtrise et là, je vais choisir un joueur. J'ai l'impression que tu trouves le jeu plus compliqué que le précédent, non? Bah, en fait, le truc de vertical, là. C'est moins instinctif. Cela dit, même si donc, tu vas mourir au début, tu vas voir, le jeu est beaucoup plus simple en vérité et surtout, il y a des continus. Donc c'est-à-dire si tu meurs, c'est pas perdu. Tu as le droit à un deuxième essai, voire même un troisième essai. Et tu as ce qu'on appelle des points des checkpoints, comment on dit Joe Coco, checkpoint, hein. Des points de passage. Des points de passage, des points de sauvegarde, exactement. Et tu n'es pas obligé de te retaper tous les niveaux. Essaye de sauter sur ce mascasse, ça c'est un monstre qui s'appelle le mascasse. Ouais, c'est juste sauter dessus là. Saute-lui dessus et reste dessus. Juste reste, essaye de rester dessus, pose-toi dessus en équilibre. Bah,
Je suis dessus là. Ouais, mais tu avances un peu et tu glisses. Tu vois, tout le gameplay du jeu se base. Voilà, reste dessus, bouge pas. Ok. Et là, appuie sur B. Le B. Voilà, tu peux le soulever. Et tu peux t'en servir comme d'un projectile pour, taper et détruire les ennemis. Mais là, ça n'a pas trop marché. Non, ça n'a pas marché parce que tu l'as lancé à côté. Si tu prends les petites herbes, tu sors des navets. Il y en a des plus en plus gros. Et c'est ces navets-là qui vont te permettre, comme projectile, voilà, en les envoyant sur les ennemis, voilà. De détruire les ennemis. Plus tu détruis d'ennemis, plus il y a des bonus qui vont apparaître, etc., 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 etc. T'as des petites cerises aussi, des bonus à récupérer. Ouh, regarde ce que je fais. Et tu grimpes aux lianes, ça c'est comme dans Mario. Oh ta gueule. Oh, tu as fait apparaître une porte. Vas-y, prends la porte. Nickel. Oh oh. Vas-y, prends le champignon là. Oh. Ah, moi je t'ai sorti. Merde. Oh, j'ai plus de porte. Non, y a plus de porte. Le champignon t'aurait donné un point de vie supplémentaire. Et je pense que n'avais. Bien joué. Oh. Qu'est-ce que je fais là? Oh, la cerise. Donc il y a plein d'éléments de l'univers de Mario, ce pow là, c'est quelque chose qu'on retrouve dans Mario. Si tu le prends et que tu le lâches, tu vas voir, ça va détruire tout ce qu'il y a aux alentours. Je le prends, comment je le prends? B. B, c'est toujours la même chose, lâche. Et je lâche? Lâche-le. Voilà. Oh, j'aime le pow. Et donc tu vois, les niveaux vont être beaucoup plus verticales. Oh, tu fais un truc, stylé là. Mais tu t'en as pas rendu compte, t'as fait un truc stylé. Hop là. J'ai fait un truc stylé. T'as fait un truc difficile à faire. C'est vrai? Ouais, tu t'es arrêté dans un endroit qui n'est pas prévu pour être... Oh, Samuel! Si tu sautes et que tu laisses sauter appuyé, tu verras que tu voles avec Peach. C'est vraiment... Voilà. Qui peut te permettre pas mal, ça peut te permettre d'ajuster ton saut et pas de retomber non intuitivement sur... Et boum! Vas-y, ça. Il y a un petit cœur qui apparaît. Oh. En fait, plus tu détruis l'ennemi, plus il y a des cœurs qui apparaissent. Je dessine bien ce tableau. Vas-y, essaye. Arrête, Joe. Tu remarqueras qu'à part les lianes, à part peut-être les pans, l'univers que l'on croise dans ce jeu est totalement différent de l'univers que l'on avait juste avant. Hein. Là, on a des ennemis, des personnages que l'on n'avait pas là, trop avant. Bah, saute sur le champignon, saute dessus. Ouais. Presque, remonte à la liane, ah, t'es timé. C'est un jeu, faut aller vite. Allez, ça, on y va. Il n'y a plus de timer, mais hop, faut aller vite. On y va. Ah. En fait, plus tu vas vite, plus le jeu est simple. Et hop, là. Ils essaient de détruire tout ça, comme ça, il y a un cœur qui va apparaître probablement. Hop là, les petites cerises, ça donne des bonus aussi à la fin. Je me rends compte que Super Mario Bros 2, c'est pas un jeu facile en fait. Ouais, c'est vraiment pas un jeu facile. Ils vont me sauter sur la gueule. Attention, oui. Coquin ! En fait, les roses restent sur les plateformes. Voilà, c'est ça que t'as fait. Ça, c'est vraiment. Normalement, ça. Tu peux pas faire ça. Mais... Les roses restent sur les plateformes, les rouges tombent. Voilà, donc c'est les couleurs qui donnent ça. Et maintenant, dans la cascade. Je suis mort là ? Oui. Oui. Les... Dis-moi que j'étais à 2 mètres de la fin là. T'étais très loin. mais il fait 10 bornes le truc là. C'est un jeu pour marathonien. Ça te paraît long. T'as vu tout ce que j'ai fait? Ouais. J'ai pris des portes, j'ai pris des navets, j'ai sauté, j'ai fait des pas, j'ai pris des cerises. Et on est au début? On est au début. Ouais. Et j'ai mal à la main gauche. D'après toi, est-ce que c'est un des Mario les plus durs ou pas? Parce que non, en fait, le jeu. D'après moi, oui. Le jeu est plus simple, mais en fait, le problème de ce jeu, c'est que c'est pas. En fait, je vais vous expliquer, c'est pas un vrai Super Mario. Et c'est pour ça, en fait. C'est ça que je voulais dire. C'est pour ça qu'il est pas. Il est aussi compliqué. C'est parce qu'en fait, le jeu. À la base, c'est un jeu japonais qui n'a rien à voir. Ouais, mais ça, je l'ai senti ça. Qui s'appelle Doki Doki Panic. Ok. Ce jeu est sorti au Japon et Nintendo s'est dit « Ah, mais votre jeu est super sympa. Nous, on n'a pas pu adapter Super Mario Bros. 2 aux États-Unis parce qu'on jugeait le jeu trop dur. Ça serait sympa de prendre votre jeu, là, Doki Doki Panic, et de le rebrandé avec l'univers de Mario. Exactement. C'était d'autres personnages en fait. Exactement. Vous voyez Doki Doki Panic. Donc là, on revoit tous les personnages. Vous voyez les mascasses là que tu as vu ici, bien sûr. Les personnages du début, oui. Ils sont sur la jaquette. Oui, tu oui. vois, il n'y a pas Mario là. Non. Il n'y a absolument pas Incroyable. Mario. Donc c'est un jeu d'East System, ça s'appelle Doki Doki Panic, qui est là. Et en fait, ils ont pris ce jeu là, ils ont mis Mario, Luigi, Toad, Peach à l'intérieur et ils ont fait un jeu. Et en fait, tout l'univers qui va se retrouver dans ce jeu là sera a posteriori, absorbé dans l'univers de Mario. Mais à la base, c'était juste un jeu de commande pour répondre au marché américain parce que Super Mario Bros. 3, la vraie suite, le super jeu, n'était pas sorti et demandait trop de temps de développement. On n'y a pas joué. Le 3, on jouera après. Et du coup, c'est celui-là qui sort. Et c'est pour ça que c'est un peu bizarre. Le jeu, en fait, n'a rien à voir avec un Mario. Tu sautes sur les ennemis, ils ne meurent pas. Il faut prendre des objets pour envoyer. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Ils ont essayé d'adapter un peu avec les objets de Mario.
Mais en fait, t'es pas dans un Mario. En fait, c'est pas un Mario. Pour tous ceux qui nous ont rejoints, donc c'est pour ça que j'ai pas dit très fort là. C'est que, en fait, instinctivement. Sur un Mario, t'aurais été plus fort. Oui. Oui. Instinctivement, je sentais. Il y avait quelque chose qui vibrait en moi qui me disait c'est pas vraiment un Mario ça. Mais ce que je reproche à Doki Doki Panic, c'est toi, tu dis le niveau 1. En fait, le niveau 1, t'apprends pas trop de choses. Ouais. Tu vois, par le level design. T'as une porte qui apparaît, pourquoi faut appuyer sur où? Là, faudrait mieux lire le manuel, tu vois. Tu prends un AV, qu'est-ce que tu fais avec? Tu peux vraiment monter sur les ennemis, tiens, sauter dessus. J'ai une question. C'est compliqué. Avec ce que tu me dis, là, tu nous as montré le premier Mario tout à l'heure, ouais. Super Mario. Ouais, Super Mario. 1985, et tu dis ce qui est formidable, c'est que notamment sur le premier niveau, ouais. Je parle, ça va, tu me corriges. Hein. Ouais. En fait, tout est intuitif, et en fait, le tuto est un jeu, le jeu t'apprend naturellement à jouer. Exactement. Aujourd'hui, avec les jeux qui sortent, les gros jeux, les blockbusters notamment, est-ce que certains de ces jeux ont toujours cette qualité? Ah ouais. Ouais. Encore? Ouais, bien sûr. Ah, c'est incroyable. Bien sûr, il y en a qui le font encore très très bien. Comme par exemple, ça m'intéresse. Les jeux Nintendo sont très réputés pour faire ça. Eux, ils n'aiment pas te remplir avec texte. Le jeu qui t'explique vraiment comment jouer juste en jouant, c'est The Legend of Zelda Breath of the Wild là, ou Tears of the Kingdom justement récemment. C'est un jeu, t'es lancé, alors il y a une histoire, il y a une aventure, donc on te raconte l'histoire, on t'explique pas ce qu'il faut faire. T'es là, t'es face au monde qui est totalement ouvert, tu avances et en fait instinctivement tu vas comprendre que tu peux récupérer ci, tu vas comprendre que tu peux utiliser un pouvoir comme ça, tu vas comprendre que tu peux grimper au truc. Tout se fait naturellement. Dans Breath of the Wild, quand tu te réveilles et que tu sors de la grotte, tous les obstacles de la grotte sont là pour t'expliquer comment tu joues. Et il n'y a aucune ligne de texte. Et tout à l'heure, tu me disais, ça, c'est la marque de fabrique Nintendo. Ouais, ils aiment bien t'apprendre à jouer en jouant. Et alors, pas te remplir le cerveau moi, avec moi, je ne fais que découvrir la richesse de ce monde. Si on prend l'inverse, aujourd'hui ou dans l'histoire du jeu vidéo, ouais. un jeu, justement, qui n'est pas son propre tuto, c'est-à-dire où les choses ne sont pas intuitives et il faut lire ou voir comment les autres jouent. Là, on va prendre quel jeu? C'est le propre de quasiment tous les jeux occidentaux. Celui qui me vient directement à la tête, c'est Assassin's Creed. Assassin's Creed, tu tapes 5-6 heures de tutoriel, en fait, avant de pouvoir commencer. Ah oui. Au bout de 6 heures, tu ne connais pas encore toutes les mécaniques de jeu et on t'explique « Ah, mais n'oublie pas, tu peux faire ci, en marchant ici. N'oublie pas, tu as un gros message qui t'appuie. Appuie sur le bouton pour t'accroupir. Surtout, reste bien derrière l'ennemi pour faire le truc. » Mais beaucoup de jeux demandent ça. Et le public aussi demande ça. Je regarde ce que vous en pensez de ça. Demande à être guidé. C'est dur de te diriger aussi comme ça. Systématiquement. Il y a des gens qui préfèrent que ce soit comme ça. Hein, God of War. Ouais, God of War. Les jeux guidés l'enfer, me dit Asuno. Il y a des jeux, moi je sais, il y a des jeux, je pense à... Moi, celui qui m'avait choqué à l'époque, c'est Final Fantasy XIII. Final Fantasy XIII, j'adore la saga Final Fantasy. Final Fantasy XIII, il faut 10 heures pour avoir la fin du tutoriel du jeu. C'est au bout de 10 heures, on t'explique les dernières mécaniques de jeu et c'est encore des textes. Mmh. Encore des textes. Trop guidé, c'est insupportable, me dit-on, dans le chat. Mais souvent, c'est un peu comme ça. Tu crois que tu pars à l'aventure, mais en fait, on me dit que League of Legends, c'est ça aussi? League of Legends, oui. Après, là, c'est un peu différent. C'est des jeux d'une complexité, d'une richesse telle qu'il faut quand même un peu aider. Je me rappelle, il y a quelques temps, il y a Chap qui avait essayé de me montrer. En l'espace d'une heure, comment fonctionnait LOL, et je comprenais rien. Après, sachant qu'on s'était fait un call avant pour commencer après. je fais pas de catégorie, hein. Il n'y a pas un c'est bien, l'autre c'est pas bien, tu vois, c'est pas bien, ça dépend du feeling des joueurs. Mais c'est évidemment bien plus difficile d'apprendre un joueur à jouer sans lui expliquer textuellement comment jouer que de le faire avec des lignes de texte. Et les jeux qui font ça se creusent la tête et essayent justement d'avoir un petit côté génial et font vraiment travailler ce qu'on appelle du game design, du level design, des compétences créatives de créateurs de jeux. Il y a des gens qui voulaient que tu fasses le... Tu veux que je fasse le niveau? Ouais. Oh, je suis désolé. Vraiment, ça c'est peut-être un peu dur. Bah non, mais je trouve intéressant de voir... ce que donne un béotien comme moi qui découvre tout et te voir jouer, tu vois, c'est ça, c'est ce parallèle qui est intéressant. Voilà, Mario Bros 2, mais moi je mourrais comme toi, hein, je suis nul. Mais... C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Exactement. Voilà, alors théoriquement, normalement t'es censé, quand tu descends là, tu apprends le scrolling et t'es censé tomber, voilà. Le jeu est censé. C'est ce que j'aurais dû. Voilà, le jeu est censé être designé pour que tu tombes sur l'ennemi et que tu te rends compte que tu ne le détruis pas
et que tu aies l'idée d'appuyer sur le bouton pour pouvoir le prendre. Voilà. Et une fois que tu le prends, ensuite après, tu vois, tu peux le balancer et tu te rends compte qu'il fait le tour du truc, etc. Là, tu vois un petit truc, une petite touffe. L'idée, c'est de prendre le navet derrière ça. Voilà. Et bon, c'est censé t'expliquer ça. Bon, personnellement, je trouve que c'est relativement à le fait. Tu vois, là, tu peux faire un double rebond d'ennemi si tu veux dessus. Pas mal. Voilà, en prenant un peu les devants. Hop. Tac. Oh. Et en allant dedans, tu vois, si jamais tu vas là et que tu fais ça, je vais avoir un power-up. Et là, en prenant des pièces, ça va me donner des pièces qui, à la fin du niveau, vont me permettre de lancer une petite roulette. Chose qui serait totalement interdite évidemment aujourd'hui. Ah oui ? Ah oui, pas de jeu d'argent, s'il vous plaît, dans les jeux vidéo. Enfin, il n'y a pas d'argent à gagner, mais ce que je veux dire, la roulette, dès qu'on met une roulette ou dès qu'on met un casino dans un jeu, je crois qu'il y a une certification Peggy pour ça. Et donc là, il faut monter sur les rouleaux, je vais mourir. Ah, qui descend ? Exactement. Incroyable, je suis passé. Donc là, tu vois, ça t'invite encore à tout détruire. Tout est détruit, normalement, voilà, il y a un cœur qui monte. Ce cœur, il me redonne de la vie, tu vois, mes petits prismes là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ça fait, hop, c'est comme la France, donc c'est hexagone, c'est ça. Hop là, eh bien, oh, regarde, je tire une bombe. Ah, qu'est-ce que je fais? Oh non, mon Dieu! Vite. Voilà, faut l'envoyer, ça fait boum. C'est bon. Regarde, une tortue. Ils ont mis exactement les tortues comme dans Mario. Hop, tu les balances, et c'est comme dans Mario Bros, tu as vu, elles continuent. Excellent. Et si tu détruis assez d'ennemis, il y a une étoile qui apparaît. Donc ils ont mis quand même des éléments de Mario, tu vois, dedans. Et tu vois, le niveau, tu peux le continuer, mais tu pouvais aussi aller dans la grotte juste derrière. Une des particularités de Super Mario Bros, c'est que tu peux retourner en arrière, ça c'était pas possible à faire avant. Quand tu rentres dans le niveau, tu vas tomber des trucs un peu plus. Des niveaux un peu plus verticaux, mais tu vois, tu peux vraiment monter sur tous les ennemis. C'est vraiment la particularité de Mario Bros 2 et tu peux te servir d'eux pour monter. Autre chose, si tu laisses baisser, tu vas briller et hop, tu vas faire un super saut. Ok. Bon, ça, faut lire le manuel aussi. Tu vois, rien ne t'explique ces trucs-là si tu lis pas le manuel. C'est ça que je reproche beaucoup à ce jeu, c'est qu'il n'est pas intuitif. Là, tu te dis, je vais continuer à droite, c'est plus intuitif. Mais on sent qu'il y a une plateforme là. Aïe. Donc, on va essayer d'y aller, tu vois. Ah, ben, on y va, il y a une plateforme, en effet, on va gagner. Il y a peut-être un truc ici. On va voir. Là, je peux pas sauter, je suis pas saut. Donc, on va se baisser, on va passer là. Et là, alors là, attention, parce que là, c'est instinctif. Hop, bon, j'y arrive. Regarde, tu as vu là, il y a des blocs qui semblent pas être identiques aux blocs d'avant, d'accord? Tu peux les péter. Je peux les péter, et pour ça, il faut utiliser les bombes. Oh, mais comment tu sais qu'il y avait une bombe? Ouais, c'est parce que j'ai fait le jeu. Et là, je tire, et tu vois, et en tirant, tu vois, j'ai détruit le truc. Il faut bien calculer, en fait, le timing. Il faut bien calculer. Et là, c'est encore pire, parce que là, je peux passer que baisser. C'est passionnant le jeu vidéo. Parce qu'il va se relever? Voilà, il se va se relever. Il ne faut pas qu'il se relève. En fait, il ne peut pas se relever, il n'y a pas la place. Okay. Et là, j'arrive à la fin du niveau, okay. Mais de l'autre côté. Et à la fin de chaque niveau, il y a un boss qui sera lui aussi canonisé dans l'univers de Mario, qui s'appelle Birdo, le voilà. C'est un boss qui t'envoie des petits projectiles. Et du coup, tu peux le battre uniquement avec les projectiles. Le but, c'est pour ça que c'est très dur, il faut aller sur le projectile, lever, tirer, et il faut faire ça 3 fois. Tu te rends compte la difficulté du truc, en fait? 3 fois. Ça, tu me fais les figurines de noces, quoi. Oui, mais c'est parce que j'ai l'habitude de jouer au jeu, mais c'est très dur. C'est très très dur. En prenant la petite sphère, tu rentres dans l'oiseau. Ça veut rien dire, hein, ce que je dis, hein, mais c'est le jeu vidéo. Et ensuite, tu vois, j'ai eu des pièces et du coup, je bonus gagne. T'as de la chance, Ouais. Ouais. Vas-y, ouais. Appuie sur A et essaye de casser la banque. Appuie sur A. Là, c'est le hasard. Hein. Si tu arrives à avoir 3 fois la même forme. Mais c'était sérieux, t'as un œil bionique ou quoi? Ah ouais, d'accord. C'est pas possible. Tu vois... Navet. Et toi, là, c'est moi. Si t'arrives à 3 étoiles, ça te donne des vies en plus. T'as encore un essai. T'essayes vraiment de l'avoir? Oui. En fait, moi, je suis concentré en tout. Voilà. Et donc, le jeu, tu peux le faire avec tous les persos. Et dès que tu passes un niveau, tu peux changer de perso. Chaque perso change son gameplay. C'est fou parce qu'à chaque... Ça redéfinit les niveaux. Plus on progresse dans le temps et plus on voit apparaître des trucs. Là, tu vois, par exemple, là, les personnages, par exemple. Exactement. Clairement. Exactement. 1988, là, donc Super Mario Bros. 2 ou Super Mario Bros. USA. 85-88, ok. Ok. On passe au 3? Yes. Allez, c'est parti. On passe au 3. Donc ça, je te dis, c'est le faux Mario. Le vrai Mario, c'est lui. Super Mario Bros. 3. Donc pareil, sorti sur NES. Hop là, incroyable. Donc lui c'est... Joe bon, incroyable c'est... Ah, c'est considéré comme étant l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Ah bon? Attends. Pardon, mais il avait des petites oreilles bizarres là. Ouais, je vais t'expliquer. Donc tu as vu dans Super Mario Bros 2, il y avait les personnages qui changeaient les gameplays. Mon préféré, le banger, le meilleur incontestablement. Ouais. Gros banger, une tuerie le 3. Ouais, il est incroyable. Alors là, je suis très curieux de comprendre pourquoi il y a cet enthousiasme. Bon déjà... C'est le jeu, me dit-on. La jaquette, l'intro.
c'est pépite. Déjà, pour un jeunesse, c'est incroyable. Je sais pas si tu as vu, mais le jeu se met en scène. Donc, tu as... c'est un théâtre. Tu vois, ça, c'est des décors fictifs de théâtre. Et tu vois, le jeu, il ouvre... Je te l'initialise pour que avec tu montres. Avec plaisir, avec plaisir. Tu as un rideau et... Tu ouvres le rideau, joli. Et là, tu as les personnages principaux qui sont introduits, Mario et Luigi, et hop, le nom du jeu qui apparaît. Et même avant, on te montre, regarde, il y a une petite feuille qui descend, et quand tu prends la feuille, tu te transformes en Tanuki. Ça aussi, c'est une légende japonaise, hein, les petites feuilles que tu te mets dessus peuvent te permettre de te transformer en Tanuki. Et mais le Tanuki, il a des pouvoirs. Il y a toute une intro, là. Ça, c'est... Exactement. C'est... Et ce jeu va introduire, du coup, les costumes. Et si tu regardes bien le 3 oui. de Super Mario Bros., tu vois un petit Tanuki oui. derrière en ombre. C'est pas l'ombre du 3, c'est l'ombre du Tanuki derrière. Et ce jeu va non seulement introduire les power-ups d'avant, donc tu vas retrouver la fleur, etc., mais aussi les costumes qui vont complètement changer ouais. le gameplay de Mario au fur et à mesure du jeu. Et ce jeu va reprendre aussi le truc instinctif du niveau 1 à 1 qui t'apprend à jouer instinctivement sans avoir à faire quoi que ce soit. On va voir ce qui arrive 1988 aussi, hein, en tout cas, hein, au Japon, il me semble. Ce qui est incroyable, j'ai poncé le jeu machin et je suis pas le seul à avoir remarqué, enfin, qui avait jamais remarqué que t'avais un Tanuki derrière. Ah ouais, vous aviez jamais j'avais vu J'avais jamais vu. Alors, ce jeu est incroyable. Je jure, ce jeu est vraiment incroyable. Mais je devais te montrer des trucs assez fous sur le jeu. Donc, start. Bouton plus, hein. Voilà, plus encore. Hop là, pour commencer. Et donc là, c'est parti. Et voilà, incroyable. Oula. Il y a une map monde, quoi. Et tu te déplaces toi-même de niveau en niveau. Donc là, j'ai fait un, logique. Ouais, là, t'as pas le choix. Mais tu verras, quand tu arriveras à 2, il y a des embranchements. Excellent. Et tu peux choisir les niveaux que tu veux. Allez, c'est parti, le 1-1 de Super Mario Bros 3. Donc là, tu connais, c'est le champignon, faut sauter dessus. C'est les blocs interrogation, ouais. faut les casser, tu vois, tu arrives direct. Les blocs, faut sauter là-dessus. Il y a la fleur, voilà. elle envoie du feu. Attention à la fleur là. Exactement, elle envoie du feu, mais globalement, je peux tu connais. Ou pas manifestement non. Mais t'as testé. Ok. T'as testé. Bon, ok. Je t'invite à fouiller tous les blocs. Souvent, ils mettent le power-up au début, tu vois. Tac. Ça, je peux. Voilà. Ça, je peux. Je monte là, la fleur, je l'évite. Essaye les autres blocs, essaye de taper les autres blocs. Ceux-là là. Ouais, ceux-là. Souvent, il y a des trucs cachés dans les blocs. Si c'est directement au début, mais hop, à gauche, voilà, pas mal, le ça, pas mal, ça. Champignon. Tac. Bien joué. Go. Voilà, donc là déjà, t'es un peu plus puissant. Maintenant, faut éviter la fleur de feu. Alors, hop là, le pattern, impeccable. Yes. Et là, tu vois, t'as plein de blocs pour te surélever. Ouais. Ça aussi, c'est très important. Hey une, oula, vas-y. Ah, j'ai cru qu'il allait faire. Il y a un truc avec les blocs blancs très particulier dans le jeu. Ah, oui je te montrerai après. Carapace, tu te souviens, les carapaces, c'est quelque chose que tu peux envoyer oui. sur les décors. Faut que j'aille dessus. Exactement. Saute sur la carapace. Voilà. Et il y a un truc que tu peux faire dans ce jeu. Ah, excellent. C'est que tu peux attraper les carapaces. Ils t'ont donné la capacité d'attraper c'est quelque quel chose. Bouton, c'est quel bouton? C'est le bouton B. Il faut laisser B appuyé pour pouvoir attraper la carapace. D'accord. Et tu vois ici, il y a un bloc de point d'interrogation. Ouais. Tu peux pas le toucher. Non. En fait, il faut envoyer la carapace dessus. Ah. Et le jeu t'invite à envoyer la carapace dessus. Et pour ça, faut débloquer. Mais alors là, t'as vu, il y a des ennemis un peu plus riches et complexes. Tu peux sauter sur lui ? Ouais, tu peux sauter, même s'il a des ailes. Les ailes montrent juste qu'il a un petit pattern comme ça. Tu l'as raté, mais c'est pas grave, hein. Tu peux lui refaire sa fête. Revanche, après, revanche. Bien sûr, revanche. Tu vois, il a des patterns un peu compliqués. Alors là, attention. Oula. Et là, regarde ce qui se passe. Tu as vu, il y a des. Elles sont très hautes. Ouais, il y a des pièces. Qui disent, tiens, c'est bizarre, ouais. tu peux monter. Il y a un truc là. Il y a un truc, mais tu peux pas le débloquer malheureusement parce que t'as perdu ton power-up. Donc essaie déjà de sauter. Déjà. Nickel, impeccable. Hop là. Fais attention, tu vois, t'as des comment oh, attends. Qui arrive. Oh. 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 Parfait. Tu vois, c'est beaucoup plus facile. Oh. Oh. C'est beaucoup plus facile que Mario 2, hein. On est d'accord. Je suis vraiment à fond. Oui. C'est beaucoup plus facile parce que le level design est meilleur. Là, je vais le faire en mode. Franchement, c'est trop intéressant de te voir jouer. Maintenant, je fonce. Alors, n'oublie pas les power-ups, d'accord ? Tu sais où ils sont. Donc, utilise ta connaissance, ton savoir pour devenir plus fort. Ah oui, d'accord là, j'en ai raté un peu. Là. Exactement. Ouais. T'avais un power-up, mais je crois que tu peux retourner y a sur Joe tes qui pas. Rigole. Ah, tu crois ? Je peux y aller ? Oui, tu peux retourner sur tes pas. On va chercher le power-up. Ah oui, il y a l'autre saloperie là. On va chercher le power-up. Hop là, nickel, tu sais où il est ? Pas là. Très certainement pas là. J'adore parce que la semaine dernière déjà il rigolait beaucoup. Alors les power machin. Ouais, power. Tu sais où il est le champignon, tu te souviens. Il est là, il est là. Tu te souviens, voilà, il est là. Allez, prends le champignon. Là. Voilà, viens. Impeccable. Viens, petit champignon. Là, t'es plus fort. Ouais. Maintenant, on va essayer de faire quelque chose après. Tiens. Donc vas-y, passe la plante. Ça ne te pose plus de problème. Ouais, bah, oui. Voilà. Toi, t'as plutôt la main verte. voilà. Tape la carapace et essaye avec le bouton B de l'attraper. B, maintiens B enfoncé, tout le temps, laisse tout le temps enfoncé, voilà.
sautes, il faut que tu laisses et que tu sautes en même temps. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Et là, tape là-dedans, lâche. Bon, trop tard. Fallait faire ce B. Alors, je vais t'expliquer un truc. Alors, ouais. c'est vrai que c'est un peu chiant. Donc, il y a deux choses. Juste te montre. Oui, ok, je te retire pas la manette. Hein. Tu as deux possibilités pour maintenir B et A en même temps. Soit tu joues en crabe, c'est-à-dire avec les deux boutons là. Soit tu utilises ton pouce au milieu. D'accord. En inclinant ton pouce sur la gauche, tu maintiens B, d'accord. Et tu peux toujours sauter, tu vois, en inclinant vers la droite. Oh. Comme ça, tu vois. T'as vu comme c'est sensuel un peu. Ouais, c'est subtil surtout. Ouais. Moi, j'aurais pu passer deux semaines. Je t'invite, regarde. Et on dirait, hey, comment on fait? T'as vu ça, c'est beau. C'est beau. Hein. Ah ouais. Et c'est comme ça qu'on joue à Mario, tout le temps. En fait, le bouton B, il est quasiment tout le temps appuyé. Voilà. Et ensuite, t'appuies sur A quand il saute. C'est le bouton de vitesse. C'est le bouton de course, ouais. Et le bouton de vitesse. C'est pour ceux qui vont vite, quoi. C'est pour ceux qui vont vite. Mais t'es un triathlète, t'as fait des Ironman, tu vas vite. Non, justement, c'est un sport de la lenteur, tu sais. Oh bah Non, là, c'était pour vous faire rire. Concentration. La concentration. Là, on se met en mode. Non, là, par contre, faut vraiment que tu termines le niveau parce qu'il est vraiment facile. Non, mais bien sûr. Bien sûr. Allez Samuel. On se motive. Alors lui, on lui saute sur la gueule. Voilà, bon, c'est pas grave. Là, le champi. Il est là. Il est pas là. Il est là. Bravo. Le champi, je vais le chercher. Je vais le chercher, je l'attrape. Attention sur la petite boule là. Note d'ailleurs que tu peux choisir dans quelle direction va le champignon. En fait, en fonction de la position dans laquelle tu tapes dans le bloc, le champignon il va soit à droite, soit à gauche. Alors tu retentes la carapace, c'est très important de prendre la carapace. Hein. Hop. Il saute lui dessus, trop tard. T'as perdu la fin d'invincibilité. C'est pas facile de juger les sauts. Hein. Game over, mais t'as un continue, c'est pas grave. Non, pas game over. Vas-y, monte, continue. Fais start. Hop là, tu retournes là. 4 vies. Hein. D'ailleurs, il y a une vie de plus, il me semble, dans ce jeu que dans Super Mario Bros. Mais il me faut au moins ça, moi. Mais t'as vu, t'as des petites portes avec des serrures dessus. Ça ouvre des raccourcis. Il y a plein de choses dans ce jeu, dans les mondes. Est-ce que je. Gagne en maîtrise, oui, c'est pas mal. Tu gagnes c'est propre, c'est propre. Une pièce, deux pièces. On monte, hop, le champi, hop, on va le chercher, on descend. Okay. On fait attention à la petite boule. Voilà, on est bien, la petite boule, elle est là, on y va. La plante, elle vit sa vie, je saute. Plus tu cours, plus tu vas sauter loin, n'oublie pas. Donc, essaye de laisser B tout le temps appuyé. Alors, vraiment, c'est un conseil. Dessus. Voilà, hop, dessus. Presque. Ouais. Parfait. Hop. Vas-y maintenant. B. Oh, ok, trop tard. Raté, c'est pas grave. C'est pas grave. Essaye de taper là. Tac. C'est pas grave. Tac. Et tac. Allez, on évite tout et maintenant on avance. Tac. Genre, il t'a touché n'importe quoi. Trop tôt. Ah, tu l'as vu tout de suite. Ouais. En fait, ça passe si tu cours. C'est pour ça que je te dis, il faut vraiment que tu mettes ton pouce au milieu et En fait, j'ai peur d'aller trop vite. T'as senti ça. Mais c'est bizarre, mais parfois. Il vaut mieux aller trop parfois, vite. Parfois, ouais. Il vaut mieux parfois, la vitesse te sauve la vie. Tu sais, quand tu te fais courser. B. Et pour sauter, c'est OK. Hop, on fait bien, t'as vu la hauteur du saut. Et hop là. Ah ouais d'accord, ouais. Ok, mais c'est. Oh oui d'accord, oui, ça en effet ça va vite. Champignon, droite ou gauche. Voilà, tu vois, il est de l'autre côté. Oh merde. C'est pas grave, tu peux aller le récupérer comme en bas. Hop. Alors note un truc, si jamais tu colles le tuyau, la plante, je pense, ne peut quasiment rien te faire. Ça c'est prévu pour. Allez, on retente la carapace. Sans l'attraper, si tu l'envoies vers la droite. En shootant dedans comme un footballeur, CR7, vas-y. Je fais B. Vas-y, avance. Voilà. Et là, récupère ça. Vite. Oh. Parfait, la tanuki. Bouge pas. C'est quoi là? Voilà. Lorsque tu appuies sur B, t'as vu, tu donnes des coups de tanuki. T'as vu, tu donnes des coups de queue. Oh. Et ça tape, regarde. Oh. T'as vu? Oh putain, Royal. Et celui aussi? Tu es plus fort. Mario est plus fort avec sa queue, sache-le. Voilà. Et là, il y a une particularité, donc retourne de l'autre côté. Là. Voilà. Là. Exact. À fond. Le niveau, il est designé pour ça. Ok. Laisse B appuyer. B à fond. Et cours. Et là, tu vois, tu as une barre de power. Et saute. Et appuie sur sauter tout le temps. Et tu vois, tu sautes super haut et tu peux voler. Ouh. Tu peux voler avec le tanuki. C'est pas mal ce que il j'ai peut fait, t'envoyer. C'est super, hein, t'es quasiment à la fin du niveau là. Voilà, attends. Alors sache que tu peux détruire tous les ennemis avec le tanuki. Tu l'as perdu, c'est pas grave. Le jeu est plus généreux, hein. Allez, d'ailleurs, go. Il te remet pas baissé. J'attends. Il réapparaîtra jamais si tu colles le truc. La plante n'apparaît. Pareil, là, c'est fait pour envoyer la carapace dans les blocs pour que tu détruises tout. Comment je fais pour monter là-haut? Aha. Le truc que tu m'as montré tout à l'heure, là? Non, ça marche que dans le 2. Ici, ça marche pas. Pour monter là-haut, il faut le tanuki et t'envoler pour atterrir ici. Donc là, je peux plus? Non, tu peux plus. Donc je vais à droite, là. Exactement. Alors attention, le passage est. Un peu. Il aurait fallu que je descende. T'avais joué au jeu Flappy Bird à l'époque? Tu sais, c'est le petit oiseau où tu dois passer entre les tuyaux là comme ça. C'est un jeu mobile où il est juste à plus. Je crois pas. Même pas, jamais entendu parler de Flappy Bird. Non.
Tu vois, là, tu as deux tuyaux comme ça où tu dois passer entre. En fait, il ça fait beaucoup inspiré Flappy. En le faisant doucement, ça passait. Tiens, tu me le termines. Non, je suis... Alors là, Samuel, je te termine rien du tout. Là c'est toi qui finis. T'étais à la fin du niveau, hein. Sérieux? Ah, bah oui. Là, tu te manquais un écran, c'est fini. Je vais vous faire flipper, mais après, on a le temps. On a le temps. En une heure et demie, vous aurez fait pour le moment deux plateaux. Ah, oui, d'accord, ok. C'est pas mal, c'est pas mal. On est très bien. Regarde. Non mais regarde la vitesse à laquelle il progresse aussi, c'est abusé. Mais c'est ça l'apprentissage, on apprend par l'erreur, hein. c'est vraiment ça le jeu vidéo. Ça a toujours été comme ça. Hein. Ouais. B. Ouais, pas mal, fonce. Eh, hey, la feuille, baby. Oh là là là, la feuille, baby. Le coup de queue, Coup de queue, exactement. Le coup de queue. Ah, si je pouvais sampler Samuel, dire coup de queue, je pourrais sampler. Donc là, t'as pas réussi, mais réessaye. Regarde, si tu cours et qu'ensuite après tu sautes et tu fais que sauter, tu vas voir que tu vas t'envoler. Cours. Saute et encore. Et t'as vu, il y a des niveaux. Mais c'est une dinguerie. Mais bien sûr que c'est une dinguerie. Et là, t'as vu, tu peux planer comme ça. Mais je sais même pas où je suis. Mais c'est pas grave. Ça rend quand même les choses plus faciles. J'ai cassé les trucs. En gros, ils ont donné un peu le pouvoir que Peach avait dans Super Mario Bros 2 grâce à ce pouvoir du tanuki. Alors, faut passer entre. Donc, faut sauter, juste sauter. Non, recule. Oh, c'est bon, là, le niveau, tu le termines. J'étais là. Là, tu le termines. Tu passes ça. C'est la fin. J'ai eu du bol, là. Et t'as vu comment c'est cool de s'envoler avec Mario? Ah, c'était bon, ça. Non, c'était assez fort, là. J'étais free as the bird. Et hop là, sur ta gueule, là. Il n'y a plus rien à apprendre. Moi, je pense que Super Mario World va être du coup beaucoup plus facile. Ah, il va revenir, tu m'as dit qu'il revenait. Exactement. Je le prends, okay. Je saute. Je saute là. Tu apprends que si tu touches le tuyau. Et je saute là. Je vais chercher la tortue. Voilà, on va la faire comme ça. Ouais, parfait. Voilà. Dans le mauvais sens. Allez, c'est pas grave. T'as pas le power-up, mais tu peux terminer le niveau tranquille. Tu crois? Mais oui. Ok, d'accord, ok. T'attends. Goulot d'étranglement, pas mal comme stratégie. Tu les fais venir un. C'est bien. On prend les difficultés les unes après les autres. Là, je suis. Là, il est en balade, Mario. Comment je vais faire ça, là? C'est pas grave, tu peux pas voler, mais tu peux sauter, bien sûr. Okay. Ah, les émirs apparaissent dans ce jeu. Parfait, n'oublie pas le nuancier de saut. Avance. Ah, trop tard. Faut jamais que tu restes sur l'ennemi quand tu te fais toucher, sinon tu prends deux coups. Vous le voyez pas. En même temps, mais Joe, il rigole. Mais comme une balette, il rigole comme une balette. Il essaie de se retenir, il arrive pas. Quoi, Samuel, c'est une étape dans une vie de gamer. Mais tu crois que je peux y arriver? Mais bien sûr, évidemment. Attends, faut que je boive un peu de coca. Oh, je me suis mis du coca dans l'œil. C'est sans sucre, t'auras, ça ne te donnera même pas d'énergie. Let's go. Ah. Samuel, déjà, il faut pas louper la feuille. Tu vois pourquoi faut pas louper la feuille. C'est vrai que la feuille aide grandement, mais tu peux terminer le niveau sans la feuille. Tu peux terminer le niveau. Je gagne en précision quand même. Hein. De ouf, je veux dire. De ouf. En fait, tu... Instinctivement, tes mains ressentent les mouvements et la physique du jeu progressivement. Et c'est d'autant plus facile que les jeux vont évoluer. En fait, la physique dans un jeu vidéo, c'est quelque chose qui est très important. Ça dépend évidemment beaucoup du moteur et de comment il est programmé. Et notamment, chaque personnage que tu bouges vont être définis par son propre poids. Ouais, c'est bon ça. C'est bon ça. Tu te dépêches pour aller récupérer la feuille. Trop tard. Non, c'est bon. Et du coup, ce qui différencie un bon d'un mauvais jeu de plateforme, ça va être énormément ça. Cette capacité à gérer la physique. Oh, bien joué. Là, je saute là. Je vais là, fond, là. Ouais, mais attention, j'ai peur qu'il y ait un ennemi qui va réapparaître. Voilà, c'est ça. Oh, bien joué. Tape dans le bloc qu'il y a là. Ok, un coup ça. Il y a un bloc juste avant. Ah ouais, t'as pas le temps en fait. C'est bon, je vole. Ouf! Et t'as vu, donc là, tu l'as mis de dos, donc tu peux attraper la carapace en courant. Ouais. Ah, là, c'est la vraie. La technique tombe. Donc là, c'est ton match-up. C'est chaud là. Faut que tu passes. Je le fais d'en bas ou je le fais du rose? Tu cours et tu sautes et ça passe. C'est ouais. Tout. Tu cours et tu sautes. Sam. Là, le saut, c'est ça et je saute. Bien oh joué. Oh oh voilà. Allez, le niveau est fini. Non! Si, je te jure, regarde. Tu tapes là-dedans. Terminé. T'es un bon prof, hein. Oh, t'es peut-être un des meilleurs profs d'ailleurs. La vache! La vache!
Et tu gardes tes power-up et ensuite après t'as voulu dans les niveaux, etc. Tu montres que tu, comment tu me donnes sur un niveau, toi? Sur un niveau, ouais. Bah, je peux te montrer, il y a quelques trucs assez sympas, ouais. On peut plus trop faire les... En fait, une fois que t'as le pouvoir Tanuki, le jeu est... Je vous préviens, vous n'aurez pas la même fluidité, là. Vous n'aurez pas le même... Mais c'est bien aussi. Le monde 2 est très intéressant parce qu'il te montre un des nouveaux pouvoirs que t'as dans le jeu. En appuyant en bas, hop, t'as vu, Mario descend sur ses fesses. Et il va plus vite. Et il va plus vite et il tape et les ennemis, tape tu les vois. Ennemis. Ah, exactement. Pas mal. Tu vois, et ça, c'est très fort. D'ailleurs, Tanuki, parce que t'as pris la feuille. Exactement. La feuille donne le Tanuki, mais c'est pas le seul pouvoir qu'il y a. Tu vois, c'est qu'il descend avec les fesses. Ah oui, il y a d'autres. Y a des quand, et il faut. Tu descends ton joystick pour descendre avec les fesses ou il y a. Exactement, tu descends ton joystick, c'est instinctif. Tu sais, ça se baisse. Et tu te dis, si je me baisse, eh bien, c'est exactement ce que je fais. Comme je te dis, encore une fois, c'est l'apprentissage par le level design. Mario, ça a toujours été un truc comme ça. J'ai joué avec la croix parce que j'arrive pas à me baisser. Voilà. Ici, toi, t'as un P-Switch. Et en fait, c'est un accessoire qui te permet de changer les pièces en blocs solides pour te permettre d'atteindre des autres endroits. Et là, tu vois, j'atteins un bonus stage, tu vois, qui te donne des pièces. Au bout de 100 pièces, t'as des vies. Et surtout, ça me donne des raccourcis dans le niveau, tu vois. Et hop, j'apparais ici, raccourci. Incroyable, enfin, on va le faire tourner en arrière, hein, ça raccourcit rien du tout. Mais tu vois, pareil, des blocs pièces avec dessus, ça joue de la musique. Et tu peux rebondir dessus, tu vois. C'est des notes, ouais. Ça prend la musique aux jeunes. Tu vois, ils étaient très fans de musique. D'ailleurs, les musiques sont calibrées pour être justement collées avec les niveaux, leur ambiance, mais aussi leur univers. Ah, tu l'as déchiré le niveau là. Et ensuite, après, t'as le choix. C'est ça qui est incroyable. T'as le choix de où est-ce que tu peux aller. C'est ça. Là, je peux aller au niveau 3, qui va me donner la maison de Todd et la possibilité d'avoir des petits bonus. Ou je peux aller au niveau 4, ou je peux ne pas aller au niveau 4 et faire des niveaux spéciaux comme ce niveau-là. Regarde, on a Mario en Tanuki face à Todd et il lui explique « Ah, mais j'ai un prix spécial pour toi si tu arrives à faire les trois trucs en même temps. » Oh, j'adore. Alors ça, vas-y, essaye. Le meilleur, c'est l'étoile, d'accord. C'est quelle lettre? C'est le bouton A. Je vais te donner l'astuce, d'accord? Ah oui, oui. Lorsque l'étoile arrive ici, au milieu de l'écran, il faut que tu appuies sur le bouton. Donc le haut de l'étoile, le milieu de l'étoile et le bas. Faut d'abord commencer par le haut. Faut commencer par le haut, c'est le haut qui s'arrêtera en premier. Donc dès qu'elle est au milieu, t'appuies sur A. Raté. Réussi. Réussi. Pareil pour ici, faut que quand elle soit au milieu, t'appuies sur A. Réussi. Raté. Raté. Un poil trop tard. Ok. Et la dernière, essaye le bas de l'étoile. Ah, bien joué. C'est ça le secret. Oh, t'es pas loin là. Ouais, ouais. Ah non. Le secret, c'est qu'il faut anticiper une figure avant, tu vois. En fait, il faut voir la figure d'avant. Ah. Quand tu vois la figure d'avant, t'as le réflexe. Temps de réflexe humain, tu la prends au code de la route, t'as ton permis? Oui. Voilà. Et ton temps de réflexe humain, c'est on va dire une demi-seconde si t'es un peu éméché. Bon, en vrai, c'est quoi? C'est un tiers de seconde. Temps de réflexe, t'appuies sur le bouton et hop. Donc là, il fallait anticiper un peu. Anticiper un peu. Un petit peu. Donc là, c'est Super Mario Bros. 3. Et il y a plein de niveaux. Et tu te balades dans tout le royaume champignon. Ça définit le lore de... Et tout à l'heure, quand on en a parlé dans le chat, ça a été « Waouh, c'est le jeu, ouais. C'est le... » Alors, pourquoi ce succès? Il y a une map. Qu'est-ce qu'il a? La map. Le Tanuki et la map. C'était incroyable. Tu te baladais. T'as plein de façons de jouer différentes. Le jeu est d'une richesse. Il y a énormément de niveaux. Mais il n'y a pas que ce stage-là. Tu te balades de royaume en royaume. Chaque royaume a ses univers. T'as des boss qui sont uniques dedans. C'est peut-être un des plus gros jeux NES, hein, d'ailleurs, à proprement parler, parce qu'ensuite, après, on va aller sur Super NES, donc on va changer de génération de console avec une console plus puissante, plus riche. Tu vas voir, les décors n'auront plus rien à voir, ça sera beaucoup plus beau. Et c'est le plaisir de jeu aussi. On est sur une console extrêmement limitée techniquement. C'est la même console que le tout premier Mario que je t'ai joué. Hein. Tu vois la différence qu'il y a, les décors qui bougent, mais, la richesse des décors. Comment ils ont fait d'ailleurs progresser comme ça Ils ont augmenté progressivement, ils ont augmenté la taille des cartouches. D'accord. Les ROM pouvaient avoir plus de mémoire dedans et rajouter de la puissance de calcul dans les cartouches. Okay. Pour justement essayer de pallier au manque de puissance de la machine. Super, on reçoit. C'est parti. Bravo. J'en profite pour... tout à l'heure, je vous ai promis de vous parler d'une opération qui est là. Qui est les Intel Gamer Days. Donc littéralement, les jeux des joueurs d'Intel.
littéralement. Intel Gamer Days, hein, non, les journées pour les gamers Intel. C'est ça. Voilà. Journée Intel pour les gamers. Exactement. Parce que je vous rappelle que Aorus et Intel sont les partenaires de ces deux belles émissions de fin de saison là, de Simplay. Et en fait, donc, ça arrive dans quelques jours là. Et puis, pour tous ceux qui, comme moi d'ailleurs, ont envie de s'équiper un petit peu, donc c'est Intel Gamer Days qui arrive précisément dans 4 jours et qui vont durer 5 jours. En fait, ça va être plein de produits PC portable. Composants aussi pour améliorer, booster éventuellement votre PC à des prix voilà, assez attractifs. Et il y a plein de marques, je suis allé voir, qui sont associées en fait. Donc il y a plein de sites différents. Je suis allé voir, il y a la Fnac notamment. Ils ont les infos dans le chat. Hein. Voilà. Ah oui, c'est vrai, vous avez les infos dans le chat. Si vous allez sur ma bio d'ailleurs, vous verrez sur ma bio, j'ai mis le petit visuel, vous cliquez. Et puis vous avez le bot qui, toutes les 15 minutes, vous met toutes les infos. Vous avez juste à cliquer dessus. Et en vrai, c'est plutôt pas mal. Et encore merci à Intel et à Rus pour le soutien pour cette émission. Merci beaucoup. Donc là, quatrième jeu. C'est parti, quatrième jeu. Que l'on appelle Super Mario Bros. 4, mais qui s'appelle Super Mario World et qui est, pour une des premières fois de l'histoire, un jeu de sortie d'une console Nintendo. Donc là, on est en 1991. La Super Nintendo vient de sortir. Super Nintendo. Donc avant, c'était quoi? La Nintendo. NES, voilà. Avant, c'était la NES. Nintendo Entertainment System. Et là, c'est la Super Nintendo. Super NES. Ou Super NES. Exact. 91. 1991, exactement. Donc c'est une console qui arrive relativement tard par rapport à la concurrence, mais qui arrive avec le jeu vendu avec, qui est flagship, Super Mario World. Et là, tu vas reconnaître peut-être un personnage qui restera dans l'univers de Mario quasiment tout le temps, Yoshi. Le petit dinosaure. Cela, Mario Venture. Il apparaît là, exactement. Il apparaît là et ensuite, après, tu le retrouveras dans tout un tas de jeux. Alors là, attention, graphiquement, ça n'a plus rien à voir. Hein. Ouais. Oh là là. Ah ouais. Ah ouais, le gap. T'as vu le nombre de couleurs qu'il y a, la richesse, la luminosité. Et là. C'est toujours des cartouches? C'est toujours des cartouches. Voilà, on passe de 8 bits à 16 bits pour la puissance de calcul. Tu vois, l'histoire du jeu vidéo, c'est intéressant par rapport à moi, ce que je suis aujourd'hui, parce que moi, j'arrête de jouer aux jeux vidéo en 88. Ok. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, on voit que c'est là que ça commence à décoller en fait un petit peu. 88, ouais. On est d'accord. 88, et moi, je m'arrête là. 88, c'est le grand boom du jeu vidéo et là, ça devient la guerre. Tu parlais des concurrents qui avaient un petit peu d'avance à l'époque. Sega Mega Drive, hein, 1989, la Mega Drive aussi, console 16 bits qui arrive avec Sonic, hein, Sonic le Hérisson, exactement. La Mega Drive était bien plus performante que la NES qui était là, qui était vraiment vieillissante. Mais le génie, en tout cas la chance de Nintendo, c'est qu'ils ont réussi à pallier ce temps entre la NES qui est sortie très tôt en 85 et en 1990 la Super NES avec une console que tu dois connaître qui est le Game Boy. Ouais. Donc leur console portable. Et grâce à cette machine, Nintendo a occupé le marché des portables de 1989, est sorti quand la Game Boy, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est toujours le leader du marché des consoles portables. Et on dit le Game Boy. Le Game Boy, la Game Boy. On dit pas la Game Boy. Moi, je dis le Game Boy parce que ça a tendance à trigger le chat et du coup, ça fait plus d'implications. D'accord. Voilà. 89, c'est bien ça. Mais c'est intéressant parce que moi, j'ai l'impression que ma génération fait qu'en fait, j'ai découvert la préhistoire du jeu vidéo, on va dire, et que je me suis arrêté au moment où ça commençait à décoller fort. Ouais, alors après, franchement, si t'as connu la Nintendo et la NES, t'as vraiment déjà connu... En fait, mes copains avaient ça, moi. T'as connu... Moi, je me suis arrêté à la Atari. Ouais. Atari, c'est vrai qu'on est prêt. En fait, c'est vraiment pour moi Super Mario Bros. Qui est vraiment lent, hein, parce que t'as des niveaux différents, c'est pas juste un tableau. Ouais. T'as un scrolling, t'as des transformations, t'as un jeu, quoi. Mmh. Un jeu qui est long, un jeu qui se construit. Finalement, après, ça n'est que l'évolution de tout ça. Il va y avoir un gros gap, ça sera l'arrivée de la 3D. Si t'arrives à terminer les niveaux de ce jeu, on va passer à la 3 dimension après. Et là, je te préviens que... Et là, c'est quelles années, là? Ça va pas être facile. 3 dimensions, 1995, je dirais. Là, 91, on est d'accord. Hein. 90, 91. 90, Super NES, ok. Voilà, 90 au Japon, 91. Graphiquement, là... C'est beau, hein? Wow. Bah oui, c'est bon. Ouais. Bah oui, c'est beau. Et même aujourd'hui, c'est beau. Moi, je trouve ça beau. Et on retrouve toujours la musique. Exactement. Voilà, il y a des trucs... Koji Kondo aussi derrière. Toujours les mêmes. Hein. Shigeo Miyamoto qui invente l'univers, qui invente les persos, qui crée les designs. Et Koji Kondo derrière qui gère les musiques.
Et pareil, cette mise en scène comme dans Super Mario Bros. 3, théâtrale avec le théâtre ici, t'es une fenêtre, tu es l'acteur toi-même de ton propre jeu. C'est parti, je t'invite à appuyer sur le bouton plus pour pouvoir commencer, tu vas voir la particularité de ce jeu. Alors vas-y, fais une case empty. Alors une des grandes nouveautés de ce jeu-là, c'est que contrairement aux autres jeux, il y a enfin la place pour faire des sauvegardes. Oh. Donc on va pouvoir conserver sa progression. Pour la première fois pour, dans Mario en tout cas. C'est vrai? Oui. On va pouvoir conserver sa progression et pouvoir, ça, même si tu perds, énorme, tu gardes. Et là, un petit scénario. There's a land in a strange land, we find that princess to... Ah, is missing again, looks like brother. Bon, par contre, c'est encore la princesse toute saoul qui a été kidnappée. Il y a Bowser, là. Il y a Bowser qui est encore derrière le mauvais coup, évidemment, du kidnapping de la princesse toute. On apprendra plus tard pourquoi est-ce que Bowser kidnappe systématiquement la princesse. Il est amoureux, peut-être. Il est amoureux. Bah ouais. Il est amoureux. Mais toi, t'as compris tout de suite, en fait. Mais j'ai jamais kidnappé... Non, t'as jamais... Quand t'es... Non, voilà. Je te... Non, parce jamais. Que c'est pas... Hein? Ouais, je voudrais préciser, parce bien que... sûr. Non. Non. Jamais. Attends. Non. Non. Ça va alors. Non. Je mais ne le faites pas. Hein, non. D'ailleurs. Non, mais non. Voilà. Exactement. Mais c'est pour ça que c'est le méchant, ouais. Bowser. Mais oui, il est perdument amoureux. Est-ce que je me suis fait kidnapper, moi? Non plus. Non plus. D'ailleurs, ouais. Non, d'ailleurs. T'as bien de la chance. Ouais. J'espère que ça t'arrivera jamais. Quoi qu'il arrive. Donc, un petit scénar se met en place. Bienvenue sur Dinosaur Island. Donc, c'est une nouvelle étape, enfin, un nouveau monde du royaume champignon. T'appuies sur les boutons, tu passes tout ça. Et là, vas-y, tu peux appuyer sur les boutons. C'est pas comme si c'était intéressant l'histoire en Mario. Et là, tu arrives dans une map. Et pareil comme dans Mario Bros 3, tu peux choisir directement l'endroit où tu vas. Soit tu vas à gauche et on te dit c'est Yoshi's Island 1. Soit tu vas à droite et on te dit c'est Yoshi's Island 2. Mais il n'y a pas l'air d'avoir de mauvais choix et de mauvaises réponses. Sur un plan politique, ça n'implique rien. Sur un plan politique, ça n'implique rien. Mais tu ne vois pas le reste de la map. Ouais. Cette map, elle a l'air grande. Allons à gauche. Elle est très grande. En vérité, elle est très grande et il y a plein de façons de sortir du niveau. Allez, on fait le 1 et on commence. Et là, c'est parti. Tu vas voir que le monde a pas mal changé. Donc ça, c'est un Koopa Troopas. Je peux sauter dessus? Sans carapace, évidemment. Ah oui, tu as directement trouvé. Alors, les boutons ont changé. On passe maintenant d'une manette... Personne n'a vu. Non, t'as pas vu. On passe d'une manette... T'as pas vu. À non, c'est deux parce qu'il boutons y a eu un bug. À une manette à 6 boutons. Quoi? Donc maintenant, tu as beaucoup plus de boutons actifs. Pour sauter, tiens, ce n'est plus ce bouton-là. Là, tu fais un spin jump, c'est le bouton B. Voilà, tu retrouves ton saut classique. C'est quoi, ça? C'est un spin jump. Ça, ça c'est un saut vrillé. C'est un saut qui va avoir une nouvelle propriété qui va te permettre de détruire des blocs particuliers, surtout sous toi. Avant, Mario pouvait détruire des blocs en sautant vers le haut. C'est bon, ça. Maintenant, il va pouvoir détruire des blocs en sautant vers le bas. Alors, tu vas voir, il y a des choses qui vont arriver. Un immense Bilba. Normalement, il est là pour te montrer que tu peux passer en dessous, tu vois. Mais c'est pour te montrer que le monde est hostile, d'accord? Donc, non seulement il y a ça, mais il y a d'autres types de monstres. Regarde, des dinosaures. On dit c'est Dinosaur Island. Bien sûr, c'est Mario. Mais quand tu sautes dessus, t'as vu, tu l'aplatis et il meurt pas. Pareil, maintenant, il y a des blocs qui volent. Eh oui, si tu veux le récupérer, il y a le Bilbal qui va t'attaquer. Bloc qui vole. Voilà, impeccable. Le power-up classique, donc ça, t'es en terrain inconnu. Et pour courir, maintenant, il faut appuyer sur le bouton Y. Ce qui rend les choses un peu plus faciles. En fait, le moment, tu vois, le moment... Alors, je regarde le bouton Y et je ne vois pas le monstre. C'est ça d'être vieux. Alors, t'as vu ce qu'il a fait? Il a dit, et t'as le bouton Y, qu'est-ce que je fais? Je regarde le bouton Y. Ouais, c'est normal. Ça. T'as remarqué un truc sur les manettes Nintendo ou pas? Regarde comment sont marqués les boutons. Donc, X, Y et A et B. A, B, X, Y. Il y a rien qui te choque. Ça n'a aucun sens. On est d'accord. Oui, on est d'accord, c'est A, B. C'est pas rangé dans l'ordre alphabétique. Bah non, A, B, C, D, à la rigueur, quoi. Ouais. Ouais, ils sont trompés, Nintendo. Et du coup, ils ont gardé ça. Non. Si. C'est pas la vraie histoire. Ah bah si. Si. C'est-à-dire à l'époque de la NES, ils ont mis B à gauche et A à droite. Et ils ont laissé ça comme ça. C'est voilà. Drôle. C'est tout. C'est un hasard. Alors que tout le monde avait bouton 1 à gauche, bouton 2 à droite, hein. Mais eux, ils se sont trompés. Et du coup, ils se sont dit, bon, on reste. Et du coup, Nintendo, comparé à tous les autres constructeurs, ont les boutons et ça n'a rien à voir avec le fait que ça vienne du Japon ou non, c'est... Écoute, je connais pas l'histoire exacte, mais je sais qu'à un moment, ils se sont plantés, ils ont gardé ça. Voilà, quand tu fais un spin jump, t'as vu, tu tues l'ennemi en un seul coup. Donc t'apprends que t'as des sauts qui sont un peu plus forts. Ah. Les power-ups sont là, donc tu peux toujours te baisser. Ah ouais. T'as vu, c'est fort, hein. Oh. Pareil, t'as un nuancier de saut, parfait, impeccable. Là, tu montes, c'est dur. Tu peux toujours glisser comme dans Mario Bros 3, si jamais t'as l'habitude. Mais maintenant, t'as des plateformes qui sont vraiment, t'as vu, inclinées, avec des bonus. Oh, je l'ai raté, celui-là. Dans les niveaux. Mais c'est pas grave, là, tu peux revenir en arrière comme tu veux. Il y a tellement de puissance de calcul. Ouais. Tu peux même retourner au début du stage. Il y a aucun problème hein, dans ce jeu. Vraiment aucun problème. C'est bien les plaques dorées, là, c'est important? Ça ne sert littéralement à rien. Oh, dommage. Ça donne des points, mais c'est un des trucs dommages. Ça, dans les prochains Mario, ensuite, ils changeront beaucoup ça. Maintenant, t'as des plantes piranha qui volent. Mais bon, c'est des ennemis que tu connais déjà, ça. Donc, cool. Voilà. Et là, regarde. Ah, donc là, t'as des blocs. Vas-y, va vers les blocs.
Maintenant, avec ton nouveau pouvoir, le saut vrille, le spin jump, tu peux détruire ces blocs. Voilà. Et là, en appuyant en bas dans le tuyau, bah, tu peux accéder à un bonus stage. Ah. Voilà. C'est instinctif, tu te baisses pour descendre dans le tuyau. Et là, dans ce bonus stage, voilà, t'as des pièces qui vont te donner des vies après. T'as une autre pièce ici, donc maintenant tu sais comment faut faire. Tu te mets là, tu détruis. Ouais, il est vraiment bien pensé le monde 1 de Mario World, c'est abusé. Tu vois, tu meurs pas en fait. C'est vraiment bien. Et là, hop, t'es envoyé. Checkpoint. Donc là, tu réapparaîtras là si tu meurs. Et maintenant, on te donne un truc. Tu vois, il donne quand même des conseils. T'es pas obligé de les prendre, mais donner des conseils. Tu peux avoir un objet en plus avec toi. Cet objet, il est là, d'accord? D'accord. Pour l'avoir, si jamais un jour tu te fais toucher, ça arrivera pas. Mais si jamais un jour tu te fais toucher par un ennemi, tu vas rétrécir. Et t'as quand même un champignon qui est disponible dans ton stock. T'auras juste à appuyer sur le bouton moins, le champignon, il tombera du ciel. D'accord. Et pourra te permettre de reprendre le power-up. Donc tu vois, tu te sens plus puissant qu'avant. Ouais. Tu te sens moins dans l'insécurité. Un petit joker. Tu vois, exactement, un petit joker. Voilà, tu peux passer la fenêtre de dialogue. Hop là. Excuse-moi. Ouais, ça c'est les fenêtres de dialogue tout le temps. Et continue le niveau, tranquille. Donc là, tu vas avoir plusieurs types d'ennemis qui vont se balader. Là, si tu montes tout en haut, tu peux faire le toboggan. Ah, bien joué, bien joué. Ah oui, il appuie sur moins direct. C'est amusé. Allez, saute, saute, saute. Et là, si tu appuies en bas, tu glisses. Voilà. Baisse-toi, 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 baisse-toi. Bravo. Continue à avancer. Tu peux, comme dans l'autre, attraper les... tu peux attraper les carapaces. Pour ça, il faut maintenir Y. Voilà. Et les carapaces, tu peux les lancer dans le sens que tu veux dans celui-là. D'accord. Donc tu aurais pu appuyer en haut et lancer. Ah, t'es pas dans le petit trou, du coup t'as forcément pris. C'est pas grave, continue. Oh, c'est quoi les trucs? T'as vu les petits... Ouais, il y a des petits, pointillés dans le niveau. Je t'explique juste après ce que c'est, tu vois. Oh, c'est quoi ça? Ça, c'est un bloc qui tourne. En fait, ces blocs-là, tu peux pas les détruire quand t'es petit. D'accord. Ils vont tourner. Attends qu'ils aient fini de tourner et top le point d'interrogation. Quel point d'interrogation? Tu vas sur le bloc. Ouais. T'as un point d'interrogation là-haut, tu vois. Un bloc point d'interrogation. Ah, oui, oui. Et là-dedans, à mon avis, il y a un bonus, je pense. Voilà. Hop là, faut tenir sur les plateformes. C'est un jeu d'équilibriste, hein, Mario. Hop là, voilà, tu vois, il y a un bonus. Oh, c'est souvent ça, tu vois. On te récompense, cours vite. Hop là. Parfait, on continue d'avancer. Et là, voilà. Voilà, il te donne la plaque pour te dire que tu peux l'éviter aussi par au-dessus, évidemment. On retourne pas, sinon le Bilbal va encore te tirer dessus. Il reste plus que 50 secondes. Hein. On a 50 secondes pour terminer le stage, donc là, il faut activer un peu la surmultipliée. Pas comme ça. Allez, t'as juste à passer cet ennemi-là qui est un footballeur américain impeccable. Et c'est bon. J'ai réussi, là. Et oui. Hey. Et voilà. Joe. Beaucoup plus facile, hein. Donc là, c'est... Celui-là, il s'appelle... Super Mario World. Super. Qui est le 4, en fait. Qui est le 4. Qui est le 4. Qui est le 4. On est en 90-91. 90-91. D'accord. Et c'est le jeu, le premier jeu. Franchement, avec la Super NES. Ouais, ce jeu, il est considéré encore aujourd'hui comme un des meilleurs jeux de plateforme 2D de tous les temps. C'est vrai. Exactement. Perso, je pense bon que j'ai mérité un gâteau. Ouais, c'est mon Mario préféré. J'ai mérité un gâteau. Je comprends. Tu as mérité un gâteau. Attention à ton petit mon bloc. Chef. Et je vais te montrer un truc. Donc, une des particularités de ce Mario, c'est qu'on a une map donc dans laquelle tu peux te déplacer comme ça. Et en fait, les niveaux vont changer avec ta progression. Si tu rentres dans ce niveau, regarde. Il y a marqué Mario Start. Et en appuyant sur le power, ah, puis switch, oh, incroyable, regarde, je récupère plein de pièces. Donc ça te donne des vies, c'est super. Très bien, j'aurais pu continuer à faire tout le tour. Mais surtout, en continuant à la fin de ce stage, c'est un stage qui n'a pas vraiment de fin. Le but, c'est d'appuyer sur ce gros interrupteur jaune. Et quand tu appuies dessus, hop, tout, tu vois, tu avais remarqué ces blocs pointillés. Et bien maintenant, tous les blocs pointillés deviennent des blocs solides, point d'exclamation. Et en fait, ça va t'ouvrir des lieux, des niveaux, des warp zones dans les niveaux. Et tu peux refaire les niveaux avec d'autres chemins possibles grâce à ça, tu vois. Tu peux sauvegarder aussi, ce qui est assez fou. Voilà. Et ça, c'est une des grandes particularités de Super Mario World, c'est que les niveaux ne sont pas juste faisables comme ça. Ils évoluent avec le temps. Tu vois, tu as même la petite Yoshi House, tu peux y aller. Donc ça, c'est tu reviens en arrière après. Voilà, exactement, tu reviens en arrière. Et ensuite, alors, le plus important, c'est de faire ce niveau-là, donc le niveau 2. Parce que le niveau 1 et le niveau 2 sont en fait les deux niveaux tuto. Et là, tu vas apprendre à utiliser le Yoshi, qui est la capacité du coup du jeu. Donc maintenant que tu es devenu invincible, je pense que ça va aller. Alors fais attention, tu vas voir, il y a une carapace vide, mais souvent les Koopa Troopas qui n'ont pas de carapace ont envie d'aller chercher les carapaces. Donc soit tu choisis, t'attrapes la carapace le plus rapidement possible. Avec le Y, exactement. Et là, tu peux les envoyer sur toute la rangée, là, tu vois. Si tu leur avais tiré dessus,
On peut la rattraper là ? Non, celle-là, elle a été envoyée à Péta. Et ça, je peux rien faire avec ce truc-là ? Tu pourras faire quelque chose avec les pomelos, mais il faudra Yoshi. C'est lui qui peut les manger. Il adore les pomelos, Yoshi. Continue d'avancer. Tu vois, regarde, il y a un bloc qui vient d'apparaître et hop, ça te donne un bonus. Ça, ça aurait été rien si t'avais pas activé les blocs d'avant. Continue de taper dans les blocs invisibles. Ah ! Oh ! C'est quoi, c'est quoi ? C'est Yoshi. Donc Yoshi, c'est ton nouveau partenaire. Trop bien. C'est un fidèle destrier. Il va aller là-haut ? Oui. Alors lui, il a beaucoup de propriétés intéressantes et une de ses propriétés très intéressantes, c'est qu'il peut gober les ennemis. Vas-y, saute dessus. Et hop, tu peux jouer Yoshi. C'est stylé, hein. Et alors, attends, attends. Hop, alors Yoshi, tu vois, il peut... Spin jump, ça, je connais ça. Ouais. Faut faire spin jump pour sauter du Yoshi, tu vois. Là, si tu tires ta langue avec le bouton Y... Oh. Ouais, ça te saute déjà. Allez, tu manges le pomelo, tu vois. Oh. Et tu peux manger les ennemis aussi. Oh. Ah, c'est pas... Les boutons, c'est pas facile, j'avoue. Y. Voilà, comme ça, Y. Attends, moi, je voulais faut faire... Faut sauter et faire Y. Presque. Presque. Mais tu vois, ce pomelo, il est exactement là pour t'apprendre à faire ça. Et toi, je peux te manger, lui? Ouais. Ah, fais-moi le malin, là. Et là, tu peux le recracher, et c'est ça qui est très oh fort. Oh non. Yoshi le garde. En faisant quoi? Un peu comme... Avec le Y? Ouais, attends qu'il y ait un ennemi. Attends qu'il y ait un ennemi avant. Attends, ah oui, il a la bouche pleine. Il a la bouche pleine, ouais. Et là, vas-y, tire dans ta gueule. Voilà. Oh, j'adore. Et comme c'est rouge, comme la carapace était rouge, quand tu recraches la carapace, ça fait des boules de feu. Oh, j'adore. Alors, hop, et hop là. Hop, hop. Oh, 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 oh. J'adore, j'adore. Attends, qu'est-ce qu'il fait, lui? Attends. Bah, lui, il a pas de carapace. Je peux le manger, lui. Ouais, tu veux tout, peux te manger. Vite, vite, va courir. Cours, chercher Yoshi. Yoshi. Appuie sur Y. Où est-ce qu'il est? Cours. Mais pourquoi il est parti? Yoshi. Samuel, cours. Voilà, et ressaute dessus. Voilà, c'est mort. Je pense que Yoshi, il est parti. Ah, c'est bon, Yoshi, il est parti. Je commençais à m'amuser bien. J'adore le... C'est incroyable, là, ils ont rajouté des trucs, tu peux bouffer des trucs. C'est incroyable, non? Je peux refaire ça? Tu peux manger des trucs, tu peux sauter, t'as différents types de sauts. Faut aller... Là? Ouais, retourne dans le niveau, tu vas le recommencer. Appuie sur A. Ou Y, ouais, ça marche aussi. Attends, c'était trop bien, ça. T'aimes bien manger des trucs, toi? Ah non, mais j'ai adoré. Non, parce que... Alors, attends, ça, il faut que je... Attrape ça, Tu attrapes la carapace. Ensuite, tu sautes là-haut et tu relâches. Ah ouais, mais il faut que je lâche le... Non, t'as pas besoin de lâcher. En fait, avec ton pouce, tu appuies avec ta phalange pour sauter. C'est le B? Ouais, c'est le B. Voilà. Regarde, tu l'as même envoyé en haut et t'as détruit des carapaces comme ça. J'ai fait n'importe quoi. Il y a tellement de choses possibles avec ça. Faut bien maîtriser ses doigts. Comme tu peux envoyer les carapaces en haut, tu peux les récupérer ensuite en l'air. Pour accélérer, je ne sais même plus comment on accélère. C'est toujours Y. Mais vraiment, si je te donne une astuce, faut toujours Yoshi. Oh, bon, c'est bon. Ouais. Yoshi. Alors, Y, ça, c'est la langue. Ça, je kiffe ça. Ça se mange, ça ou pas? Tac. Le bloc? Non. Tac, tac. Tac, 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 et tac, tac, ah ah! Ce qu'il fait, il fait avec le pouce, tu vois, le haut du pouce, et il fait une touche par une touche. La difficulté sur les manettes de jeu, c'est d'appuyer sur plusieurs touches en même temps, c'est vraiment bien. Ouais, il utilise le bout du pouce, et il appuie sur une touche par une touche, ouais. C'est très... Ah oui, attends. Voilà, en appuyant sur les deux en même temps, t'as vu, tu sautes et tu tires la langue simultanément, tu vois. Si tu récupères cette carapace, c'est pas des boules de feu que t'envoies, c'est la carapace normalement. Et là, c'est pour la relâcher, c'est quoi, Y? C'est Y aussi. Là, j'attends un ennemi. Vas-y, attends un ennemi. Je lui mets tellement dans la gueule. Bon, attention, il y a un petit saut à faire là. Ouais, encore saut. Toi, c'est pour t'apprendre à garder un truc dans ta bouche. Ouais, impeccable. Tire, voilà. Au bout d'un moment, il gobe. Hein. Tu sais, quand t'as du pain dans la bouche, c'est dur de le garder comme ça. Je peux rien faire avec ce truc là, ça m'intrigue ça. Ouais. Ça c'est quoi? Ça vous saute par-dessus? Non, ça c'est toujours les petits trucs qui t'indiquent les zones. Mais regarde, si tu recules, je vais t'expliquer quel est l'intérêt de cet endroit là. Tu vois, tu peux tomber. Et pour récupérer ça, il y a un truc à faire, c'est qu'il faut que tu sautes avec Yoshi et ensuite que tu quittes Yoshi. Donc saute avec Yoshi. Reste en bas. Mets-toi sous la petite pièce. Tu sautes et t'appuies sur A. Tu sautes, donc tu appuies sur B, puis voilà, et tu vas sauter très haut. En fait, c'est pour t'apprendre que Yoshi, tu peux l'abandonner pour t'en servir comme une plateforme pour sauter encore plus haut, tu vois. Il y a des trucs dans ces machins. Bon, faut pas abandonner son Yoshi. Hein. Oh, voilà, alors là, il y a normalement, il y a un autre Yoshi si tu le perds. Oh, il y a des patopes qui sortent des niveaux. Hop. Elle aussi, tu peux leur sauter dessus ou les manger. Voilà, bon, maintenant tu as compris que tu peux manger les trucs, c'est impossible. J'adore comment il est en balade, c'est trop stylé. Oh, attention. Parfait, qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
pour un power-up. Alors là, il se met en haut. Il me laisse jamais requin. Hein. Ah bah c'est un peu ça, hein. c'est toujours ça. Oh non, il y en a un autre là. On est toujours agressé dans Mario. Mais il a toujours le sourire. Ah il est mort, je me change face la langue. Sourire avec la moustache. Oh. Note que même ça, tu peux le manger, hein, si tu veux. Il mange les plantes, ouais, lui, il fait pas de distinction. Tu l'as mangé, c'est bon. Tu vas manger. Oh. Tu peux faire tomber ça si tu veux. Et en appuyant dessus, voilà, tu crées une plateforme qui te permet de monter pour aller à la fin du niveau. Ah, Yoshi ! Fin du niveau. Alors là, je t'explique. J'ai réussi. T'as réussi, bravo. Bravo. Eh, j'ai pas trop merdé sur celui-là. Ouais, ça va. Et t'as abandonné ton Yoshi. Exactement. Bon, tu vois, à la fin du niveau, t'as une barre qui monte et qui descend. Globalement, c'est un peu comme du saut en hauteur. Si t'arrives à la toucher le plus haut possible, t'as plus de points et t'as même une... Là, j'étais plutôt... Il est bien, le jeu, hein. Il est très addictif. T'as envie de jouer, de rejouer. Ouais. Et il est... Ouais, il a un côté très souriant, ludique, je sais pas, il y a un truc... Et on est d'accord que tu le trouves plus simple que les jeux d'avant. Oui. Ouais. Et c'est normal? C'est normal parce qu'en fait, la jouabilité est beaucoup plus précise qu'avant. Parce que la console est plus riche, donc c'est plus facile de faire des nuanciers de sauts beaucoup plus importants, beaucoup plus facile de travailler la physique. Il y a aussi une expérience, c'est comme les artisans. Mmh. Ceux qui faisaient des jeux vidéo, ils ont créé les jeux vidéo au début, comme ça, avec leur petit marteau, leur burin, ils créent. Et ensuite, après, ils affinent. Et Nintendo, c'est comme ça. C'est des petits artisans. Et au fur et à mesure des années, ils apprennent. Ils disent, ah, ça serait mieux si ce soit comme ça, si la physique ressentie est comme ça. Et ils améliorent. Et à la fin, après, c'est très japonais. Hein. À la fin, ils sortent des produits absolument incroyables. Si jamais on a la chance d'arriver à Mario Odyssey, tu vois, la différence entre Super Mario 64 et Super Mario Odyssey, mais c'est... Mario Odyssey, c'est le 9, c'est le 10. C'est le dernier, il n'y a pas vraiment de numéro. Mais... Voilà. Mais là, on est au 4, par exemple, c'est ça. On est au 4, voilà. Alors, ce 4 a une séquelle qui s'appelle Yoshi's Island, Super Mario World 2. On n'est pas vraiment obligé de la faire. Moi, je trouve que c'est un jeu extraordinaire. Mais c'est un jeu où tu joues que Yoshi. Voilà. Et ton but, c'est de... Comment on dit convoiter Non, pas convoiter, conquérir, c'est... Conquérir. Non. Tu as quelqu'un sur toi et tu dois l'emmener quelque convoyer. Part. Convoyer. Merci beaucoup. C'est de convoyer bébé Mario... Trop chou. ...jusqu'à la bercerie. Voilà. Oh, trop chou. Et du coup, tu prends bébé Mario sur ton dos. Et si tu te fais toucher bébé Mario, bah tu le perds, donc tu dois aller le récupérer. Et les Yoshi doivent prendre soin de Mario et ne jamais les abandonner et traverser les stages. Et tu joues que Yoshi. Et c'est assez formidable. Mais si tu veux, on peut l'essayer vite fait. Ouais, avec plaisir. Genre, le jeu est magnifique. Fais ça, moi. Tu fais, ouais, c'est Z et L. Ah, c'est un peu compliqué parce que c'est l'émulateur. Et il est juste à côté, voilà. Donc Super Mario World 2, voilà, tu peux lancer. Donc ça, c'est considéré comme étant un vrai Mario. C'est bien ce que j'ai fait. Non, pas du tout. T'as dû faire voilà. Avec, je pense. Ça pour moi, c'est un des jeux les plus beaux de la Super Nintendo qui existe. Le logo Nintendo. Déjà, ça c'est joli ça. Ah bah, je crois que la cinématique d'intro dure 10 minutes, hein, par contre. Sérieux ? Ouais, ouais. Donc il t'explique, il y a longtemps, c'est une story à propos de bébé Mario et Yoshi. Oh, c'est trop mignon. Voilà. On apprend aux enfants que les enfants, eh bien, c'est la cigogne. Malo, il aimerait tellement jouer à ça, attends. Il kifferait. La musique est incroyable. Oh. Le petit dessin pastel. Attends, c'est beau quand même. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est vraiment beau. Là, toujours, on est dans les mêmes années. 1995, il me semble. 95. Si je dis pas de bêtises. Donc, on est quand même 5 années plus tard. C'est joli. Il faut savoir que Miyamoto a mis énormément de temps avant de refaire un Super Mario. Parce qu'en fait, entre-temps, il y a un jeu qui est sorti qui s'appelle Donkey Kong Country. Ouais. Qui utilisait une nouvelle technologie qui était révolutionnaire pour l'époque, qui s'appelait la digitalisation. C'est le fait de créer les personnages en 3D et ensuite de les modéliser en 2D dans ton jeu. Et en faisant ça, tu crées des graphismes qui sont d'un réaliste incroyable alors que tu as un jeu 2D. Donc sur une machine très limitée techniquement, tu vois un peu Mortal Kombat, tu vois Mortal Kombat, sur Ah oui, je vois, je vois. Mortal Kombat, c'était de la stéréographie, donc les personnages étaient pris en photo. Et ensuite, après, ils étaient mis dans le jeu. Eh bien, ils ont fait le même type de procédé, mais avec des modèles 3D. Donc, qui fait ça? C'était Rare à l'époque, donc une boîte anglaise s'appelait Rare Software, qui utilisait littéralement les machines de Pixar, tu sais, ceux qui faisaient Toy Story et tout. Oh, sérieux? Donc, une puissance de calcul hallucinante pour générer des modèles 3D ultra complexes pour les années 80. Ça a coûté une fortune. Ouais. Mais ça coûtait tellement une fortune que même certains gouvernements se disent, mais...
vous en avez de la puissance de calcul, là, c'est pas normal, vous n'êtes pas censé posséder des trucs comme ça chez vous. Et on commençait à s'intéresser aux fabricants de jeux vidéo, mais qu'est-ce que vous pouvez bien faire avec autant de puissance de calcul chez vous? C'est louche, tu vois. Et... on fait juste des jeux, en fait. Ouais, on faisait juste... voilà, on faisait juste des jeux, voilà, on faisait juste des jeux. Et les jeux étaient sublimes, et Miyamoto s'est dit, bah moi, je voulais aller vers ça. Et si tu regardes un peu ça, en fait, ça, c'est des modèles 3D, tu vois, qui sont ensuite bah, repixelisés en 2D. Le jeu, tu vas voir, va pas ressembler du tout à ça, mais à la base, il voulait faire ça. Le truc, c'est que il avait une petite fierté de créateur. Et il se disait, j'ai pas envie que mon jeu il ressemble au jeu Donkey Kong que tout le monde aime. Moi, je veux lui donner une direction artistique qui lui est propre, et je veux lui donner son propre style. Ah, c'est cool. Et il a kill Super Mario World 2, et il a recommencé de zéro pour faire le jeu avec ses capacités graphiques. Capacité graphique que la Super Nintendo n'est même pas capable d'encaisser, donc ils ont dû créer une cartouche exprès pour pouvoir, pouvoir faire en sorte que ça marche. Enfin, c'est sérieux. Ah, c'est un foutoir complet. La cartouche était améliorée à la console, quoi. Tout ça parce que Mario devait être tout simplement le jeu qui faisait waouh. Et c'est ouf parce que donc 1995, donc le jeu il a 30 ans. Mais ça va vite quand même, tu vois l'amélioration à chaque fois, et c'est fou, quoi. Ouais. Et toi, tu vois ça et tu fais. Waouh. Ouais, ah bah oui, carrément. Et tu vois ça, bah... T'imagines, t'as joué pendant... Tu vois, à chaque fois, on parle de gap de 2, 3, 4 ans à chaque fois. Ouais. T'as joué pendant 2, 3 ans à fond un jeu, tu vois arriver la suite et tu vois toutes les améliorations. Et effectivement, tu fais waouh. Mais je pense que Miyamoto te verrait jouer comme ça tous ces jeux. Il serait content. Ouais, je pense qu'il serait content. Il serait content ça fonctionne, hein. Parce qu'il ça se fonctionne. Dit, putain, bah, ben, j'ai pas perdu 3 ans. En fait, là, on vit ça rien, en... Tu vois. Là, on vit ça en accéléré, mais je me mets à la place, effectivement... Non mais c'est horrible parce que en même temps ils travaillent sur leur nouvelle machine qui est la Nintendo 64. Moi j'avais 8 ans. Et tu jouais? Alors t'entends plus. Joe disait qu'il avait 8 ans quand il jouait à ça. Et comment tu l'as vécu? En fait ce qui était fou c'est que moi je voyais mon cousin au début jouer. Après j'ai eu la chance de récupérer sa vieille console. Donc tu sais je jouais avec du retard. Donc mes parents petit à petit ils me faisaient rattraper le retard. Ok. Et du coup, je voyais les jeux s'améliorer et devenir plus complexes. Enfin, tu vois, le Mario d'avant. Et ça devait être super sympa à vivre, ça. C'est le jeu, je pense, c'est le Mario auquel j'ai le plus joué, tu vois. Ouais. Tu vas voir le prochain. Mais le prochain, c'est, quand t'arrives de Mario World... Au prochain, tu deviens fou. Tu pètes un câble. Ah ouais, littéralement, t'es hystérique. Ah, mais j'adore de... C'était j'adore incroyable. Cette idée, en fait, ouais. Ah ouais. Je que ça allait te plaire. Et du coup, bon, à l'époque, en plus, peut-être que peut-être que médiatiquement, en plus... c'est l'avancée, les nouvelles créations de jeux vidéo n'étaient pas aussi suivies qu'aujourd'hui. Oui. Donc il n'y avait peut-être pas la couverture médiatique en plus qui, avant, t'annonçait tout, quoi. Non, et puis en plus, c'était tes potes qui t'en parlaient. En plus, ouais, c'était à la cour de récré, tes potes. C'est fou, tu vois. Il n'y avait pas. Crois-moi, là, à cette époque-là, la couverture médiatique, elle est folle. Tu sais pourquoi elle est folle en 1995? Parce que qu'est-ce qui arrive en 1994? Baladur. C'est vrai. Et avec Baladur. Qu'est-ce qui arrive en 1994 sur le marché du jeu vidéo et qui veut justement aussi se frayer une place? Sony et la PlayStation. Et le truc, c'est que tout le monde ne parlait plus que de Sony, la grande entreprise Sony qui se lance dans le jeu vidéo. Alors, je pourrais te raconter même comment ils se sont lancés dans le jeu vidéo. Ça a à voir avec Nintendo. C'est passionnant, c'est absolument incroyable. À la base, Sony devait développer un accessoire qui rajoute un lecteur CD à la Super Nintendo, cette console que l'on voit là. Ok. Et Nintendo a vu le prototype et tout, et a préféré travailler avec Philips pour produire une console avec un lecteur CD. Cette console, c'est la Philips CDI, tu connais peut-être la Philips CDI, hein, ça s'appelle comme les trucs dans les collèges. Et Sony l'a tellement mal pris que Nintendo n'ait pas choisi justement... Qu'ils ont sorti leur propre Sony. Console. Ils ont dit, eh bien écoute, je vais les... Voilà, d'accord, tu comprends? Et je vais faire ma console. Et avec tout le savoir qu'ils avaient en audio, la PlayStation 1 est une console qui a un son incroyable dans le lecteur CD et bah, aussi un tout petit peu avec les composants électroniques. Toi, Sony, bien c'est sûr. Une grande marque de tech. Quoi. C'est énorme. Ils ont pendu la PlayStation et leur génie, c'est de faire ça sur le lecteur CD avec une capacité de mémoire incroyable. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils partent de zéro, du coup, eux. Sony, ouais. Ils partaient de zéro, mais ils essayaient de prototyper déjà des consoles avant. Et s'ils ont fait la PlayStation, c'est uniquement pour emmerder Nintendo. J'adore. Ils y sont tellement arrivés, ils ont failli tuer Nintendo. Parce que la console Nintendo qui sortira après, la Nintendo 64, déjà elle sort après la PlayStation, et ensuite elle sort toujours avec Attends, un support. Attends, redonne-moi les dates, donc là, 94 en fait, c'est Sony qui arrive. Mmh. 94, c'est Sony qui arrive. Alors, et ce jeu sort, alors que la PlayStation, tout le monde en parle. En fait, ça c'est un jeu 2D, mais sur PlayStation, il y a des jeux en 3D déjà, tu vois, il y a des jeux fous. Mais il est quand même bien accueilli. Tout le monde trouve ça ringard à l'époque.
Ça, c'est intéressant. Moi, je trouvais pas ça ringard. Ouais. Parce que derrière, les jeux PlayStation, je vais te dire honnêtement, la plupart des jeux qui sortaient en 93, sur 94, 95 sur PlayStation, c'était fou. C'était nul. Au niveau de la jouabilité, c'était en 3D, c'était incroyable. Tu parles de la jouabilité, du plaisir du jeu, des surprises, des découvertes. Exactement, nul. Ça, c'est attends, je vais dans le chat pour voir si tout le monde est d'accord avec ça, toi. Ça, c'est l'apogée, parce que l'apogée des gameplay, du gameplay 2D. Vous êtes d'accord avec ça? C'est vachement intéressant, ça. J'adore. C'est réel. C'est en 3D, mais c'est nul. Rien à dire. Je dis pas que tous les jeux 3D sont nuls. Hein. Je dis qu'au début de la PlayStation, les premiers jeux qui sont c'est vachement intéressant. Franchement. Tu vois, il y a Asbel qui me dit j'étais team Sega à l'époque. Et je pense qu'il y avait des camps, sans doute, des teams. On était ça. Là, tu nous montres quelques images de GoldenEye sur Nintendo 64. Ouais, c'est ça. Mais justement, c'est ça l'idée, c'est que la PlayStation, quand elle est sortie, en fait, c'est une console qui est très mauvaise, en fait, pour faire de la 3D. Faut vraiment savoir, c'est une console. Mais les premiers jeux 3D, c'était pas ouf, me dit. Non, les projets 3D, c'est Mini. Sauf le jeu auquel on va jouer après, qui juste. Qui est pas mal. Qui juste pour le. Joe, le premier jeu 3D de Nintendo, il met. Tout le monde d'accord. C'est vrai. Et je pense que c'est des plus grosses claques, genre pour les gens de Nintendo, genre. Ouais. Je pense rarement inégalé en vrai. Genre. Moi je trouve ça fascinant de voir. Tu testes un peu le jeu là? Oui. Juste teste un peu. Alors, start. Hein. Comme d'habitude. Parce qu'on sait maîtriser. Donc voilà. Écoute la musique. T'entends la musique? J'aime bien. Ça c'est la musique de la Super Nintendo. La richesse de la musique, je te dis, ils ont poussé la console au maximum pour qu'elle puisse rendre des musiques qui sont quasiment. En fait, elle te met dans un univers déjà, en fait. Ouais. T'es bien. Moi toutes mes connaissances musicales, je les ai grâce aux jeux vidéo. Avant, je m'intéressais pas à la musique. Si j'ai appris à jouer au piano, c'est parce que j'écoutais les musiques de Final Fantasy, tu vois. Let's go, vas-y, fais nouveau, vas-y. File ? Ouais, File 2. C'est ça, hein. Exactement. Let's go, donc tu vois, donc t'es bébé Mario, t'es tombé dans la forêt des Yoshi. Regarde le graphisme. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est trop mignon. Oh, je suis bébé Mario, je suis entouré de Yoshi. Bah ouais, les Yoshi sont là, non, il y a bébé Mario, mais faut le reconduire dans sa. Chez lui. Et Yoshi, sympa, hein, c'est très japonais ça. Si tu demandes ton chemin aux japonais, ils vont toujours t'aider. C'est vrai, j'ai noté ça. Ils vont toujours t'aider. Je me suis perdu un peu en Tokyo et les gens s'arrêtent toujours. Exactement. Alors, comme ils parlent pas anglais. Et que tu parles pas japonais, t'es pas plus avancé, non. Mais il s'arrête. Exactement. Mmh. Et ben là, bébé Mario, c'est le gaijin perdu au Japon. Et là, t'as les Japonais, ils sont là, ils vont le ramener chez eux. Pourquoi tu peux passer l'histoire. Elle est extraordinaire. Ah oui, ils tombaient du ciel. Exactement, ils tombaient du ciel. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Bah oui, ils tombaient du ciel, la cigogne. Il est. Et donc c'est inversé là. Il a été percuté. Non, c'est pas inversé. Il prend ça, et Yoshi prend bébé Mario, tu vois. Oui, d'accord. Et hop, il va partir de l'autre côté. Une fois que t'auras fini. La boîte de dialogue. Dis, c'est quand même loin, mais c'est pas grave, on va y aller. On fera un relais. Ah oui, d'accord. Tu vois, on fera un relais, tu vois. On se passera de Yoshi en Yoshi. Yoshi's des. Ça va aller. Ah oui, Yoshi. C'est un H ou c'est un K? C'est Yoshi, ouais. C'est Yoshi's au pluriel. Bon, là, par contre, dans ce jeu-là, le jeu est 100% linéaire. C'est-à-dire que tous les niveaux s'enchaînent, il n'y a pas d'embranchement de trucs, c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3. Mais dans chaque niveau, il y a des idées. Yoshi pourra se transformer en hélicoptère, en voiture, en ballon, entre. Oui. Il a plein de façons de changer. Et là, donc, c'est le premier niveau tuto. Alors, c'est pas le vrai niveau 1. Là, on va t'expliquer un tout petit peu comment on joue. Donc, on dit attention, si jamais tu perds Mario, il y a un timer qui apparaît, il faut le récupérer avant la fin du timer, sinon il est perdu. D'accord ? J'ai genre combien de secondes ? Bah, tu verras, je crois que c'est 10 et tu as des petites étoiles qui t'augmentent ce nombre de secondes. En fait, tu as plein de trucs pour augmenter ça. Tu vois, plus tu as d'étoiles et plus tu as de temps. Toi, c'est 10 ça là. Je sens qu'il va falloir que je me chope des étoiles moi. Parce que. Alors, je saute là. Ouais, tu sautes là, ouais. Tu tires là, ok. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est pour lancer un œuf, on verra ça après. Et le A, ça sert à rien. Le X, ça sert à rien. Tu remarqueras ce qu'on appelle l'UX, donc l'utilisateur design. Regarde, tu vois, tu te souviens cet ennemi ou pas? C'est celui qu'on voyait, non? Ouais. Dans quel jeu? Au début là. Au début là. Au tout début. Ouais, t'essayes de le mind-gamer là. Dans le premier. dans le premier. Dans le 2, dans Super deux, Mario Bros. 2. Exactement, c'est le Maskass. Les Maskass sont devenus, alors qu'ils venaient de Doki Doki Panic, un peu. Tout ce que j'ai fait. Tu les as détruits. GG. J'ai pas fait exprès. Donc là, il y a des pièces, impeccable. Il va t'apprendre un tout petit peu comment jouer au fur et à mesure, mais tu vas voir, c'est instinctif, c'est comme Mario. Ça saute ça. Ouais, tu vois un bloc différent. Bah oui. Le bloc grossit quand tu tapes, donc tu peux aller monter dessus. Ah oui, d'accord, ok. Hop là, donc tu peux placer la plateforme. Je recommence, donc je le fais grossir ici. Maintenant, il fait que courir. Voilà. Alors, Ah oui. Dans ce jeu-là, il me semble qu'il n'y a pas de bouton pour courir, donc tu es tout le temps en train de courir. Donc ce qui fait très très vite.
Autre chose, Yoshi a la capacité de planer dans les airs. Si tu maintiens le bouton saut, tu vas le voir, il va faire ce qu'on appelle un gepo. Oh, c'est intéressant ça. Un petit pas lunaire. Et c'est cette technique-là. By holding B down, you can... Ah, c'est ça, là, qu'est-ce qu'on a fait là, d'accord. Exactement. Donc tu vois, ils mettent quand même un peu du texte pour expliquer le jeu. Plus, là, oui. Plus, c'est guidé, mais tu dois quand même expérimenter les choses. Oh. Alors, ici, tu as un petit rebond, c'est comme la note dans Mario 3. Si tu appuies sur sauter quand tu es dessus, tu vas sauter haut. Boum, boum. Excellent. Plus c'est gros. Ça, c'est bien ça. Plus tu sautes haut. Boum. Oh. Qu'est-ce qui... Oh. Laisse bien le bouton saut appuyé. Quand t'es en bout, voilà. Ah, j'ai compris. Voilà, et tu veux sauter très haut. La langue. Si tu manges et que tu appuies sur bas, tu peux créer des œufs avec Yoshi. Avance dans le stage, tu vas aller dans la deuxième partie de stage. Hey, j'ai réussi le premier là. Bien joué, bien joué. T'as passé le tuto et maintenant on commence le niveau 1. Ah, c'est tuto. Ouais. Donc tu vois ce petit effet pastel. J'étais tellement là. Fier de moi. Ah, le vrai niveau, le vrai niveau, il est là. Là, je vais. C'est 1, voilà. Clique sur le 1-1. Là, là. Avec ton doigt. Non, ça c'est 1, ça veut dire la map. Pardon. Tu peux rechanger. Appuie sur la map là. Oh. Voilà. Et va sur le 1-1. Il est où le. Là. Ouais, il est grisé. Et hop, niveau 1. Là, c'est Donc, tu vois, 1-1, 1-2, 1-3, château. 1-1-1-5-1-6-1-6, château, voilà, c'est tout le temps comme ça. C'est parti. Regardez ce jeu, moi je le trouve incroyablement beau. C'est toujours la Super Nintendo. Hein. C'est poétique même, je dirais. Oui, complètement. Alors là, Making Eggs. Voilà, donc, comment tu fais? T'absorbes et t'appuies en bas. Donc t'absorbes et au même moment t'appuies en bas? En fait, tu te vois que t'as absorbé, que t'as le truc dans la bouche, t'appuies en bas. Et là ça fait un œuf. Et il transforme tout en œuf. Exactement. Et qu'est-ce que je fais avec l'œuf? Avec l'œuf, après tu pourras l'envoyer, je vais te montrer. Donc voilà, un ennemi, on va essayer. Alors, ok. La langue. Approche, mange et appuie en bas. Pouf. Je fais un œuf. Et tu peux cumuler ça. Tu peux avoir plusieurs œufs derrière toi. Et pour l'envoyer, c'est A. Si tu as, pour l'envoyer, ce sera A après. Ouais. Je peux l'envoyer sur la tête, lui. Si tu veux, mais fais un autre œuf. Hein, on en verra après, tu verras. Hop là. Tu l'as craché, t'as pas vu. Essaye de choper celui qui est en haut là. Oh. Ah, donc là, quand tu appuies sur A. Je fais quoi? Quand tu appuies sur A, tu déclenches le lancer d'œuf. Donc là, tu as un petit curseur qui apparaît. Ouais. L'œuf va se lancer dans la direction dans le curseur E. Mais tu peux bouger en ce moment. Tu peux bouger. Regarde, tu peux bouger. Hop là. Attends, tu vois le curseur, ça te donne la direction. Et j'appuie sur quoi? J'appuie sur quoi? Le même bouton que tu as fait. C'est le A? Ouais, je crois que c'est le A encore. Et ça va lancer l'œuf. Bien joué. Et avec l'œuf, tu peux créer des rebonds. Et tu peux, grâce à ça, atteindre des zones inatteignables ou récupérer des pièces ou taper des bonus que tu ne peux pas récupérer avant. Là, si tu appuies en bas, par exemple, tu vois, et que tu choisis... Ah oui, il y a aussi un saut rodéo. Quand tu sautes et que tu appuies en bas... C'est mon jeu de la l'œuf. Tu fais un saut rodéo. Là, si tu tires sur la fleur, vas-y, essaie de tirer sur la fleur. Tu fais le bouton A. Attends. Mange-le, lui. Oh, oh non, je fais n'importe quoi. Et tu tires sur la fleur avec le curseur. Oh non. Raté, pas grave. Prends l'autre, là. Mange-le, lui, Mascasse. Vas-y, mange-le avec la langue. C'est où la langue déjà? C'est ça. Voilà. Ah voilà. Appuie en bas. Alors, là en bas. Là, je fais l'œuf avec le A. Ensuite, A. Impeccable. A de nouveau. Et là, tu vises la fleur. Donc, il faut que le viseur soit plus. Bien joué. Et tu récupères la fleur. Voilà. Et la fleur, c'est quoi? La fleur, c'est un bonus. Il y en a 5 dans les niveaux. Et pour faire le jeu à 100%, il faut que tu récupères toutes ces fleurs-là. T'as vu, il y a une grosse. Il faut aussi que tu aies toutes les pièces rouges dans les stages. Il y a des pièces rouges dissimulées partout. Et il faut en plus que tu aies maxé le timer de ton petit personnage. D'accord. Donc là, on est vraiment dans un jeu qui se complexifie beaucoup. Oui. Si tu veux vraiment faire le 100%, il y a énormément de conditions et il faut ce qu'on appelle dans le milieu du jeu vidéo powerplay, c'est-à-dire jouer à la perfection pour trouver tous les endroits, tous les niveaux. Tu l'as recraché, mais c'est pas grave. Lui, quand il est recraché, ça va pas loin. Il te faut absolument des œufs pour passer cette zone-là. Donc pour ça, il faut que tu manges des mascasses. Donc sache que tu peux sauter là, voilà, mange le mascasse. Tu l'as mangé? Oh, je suis con! Je crois que le petit. Il fait quoi là, le petit truc? Est-ce qu'il donne des œufs lui là? Saute, celui qui parle là, le petit bloc qui parle. À gauche. Où ça? Ah oui? Ouais, il y a un petit bloc qui parle. Saute lui en dessous là. Allez, saute. Tu crois? Saute lui en dessous, ouais, saute. Voilà, il dit quoi? Il dit ok, tu peux en lancer des œufs, d'accord. C'est le tuto, très bien, pas grave. Hop là. Bah, il me faut des. Vas-y, mange ça et appuie en bas. Oh, Samuel. Bah, tu es passé. Tu peux quand même passer. Je pense que tu peux passer. Ouais, la fleur, c'est trop gros pour être mangée. Mais tu peux passer, je pense. Avance, juste avance. Quoi? N'aie pas peur, sans peur, sans reproche. Le pénitent le passe. Voilà, impeccable. Donc là, il y avait un tuyau. Je pense qu'il y avait un bonus et que tu pouvais tomber dedans, à mon avis. N'hésite pas, plutôt que de relâcher les mascasses, fais toujours un œuf. Comme ça, t'es armé, tu vois. Tu peux te défendre encore plus. Il y a beaucoup de boutons, hein, c'est vrai. Là, j'ai un œuf, là? Non, t'as pas d'œuf. Tu vois, il n'y a rien qui te suit. Rien qui te suit.
T'avances, tu tires la langue là. Et t'appuies en bas. Oh, ouais. Mais je relâche tout de suite. Tu relâches tout de suite. En fait, j'appuie deux fois, moi. Tu laisses appuyer, c'est ça. Faut que j'aille en bas un petit peu, là, non, tu m'as dit. Tu peux aller en bas, il y a un tuyau, tu vois, il y a un bonus stage dans le tuyau. Avance, sans sauter, avance. Voilà, saute sur le tuyau et appuie en bas, au centre du tuyau. Voilà, dans Mario, souvent les tuyaux, il y a des bonus. Wow. Et tu vois ici ces petits blocs-là, là, en forme d'œuf. Ouais. Lorsque tu les tapes, ils vont te donner plein d'œufs. Tu peux en récupérer directement. Donc t'as juste à aller les taper en dessous et tu vas récupérer plein d'œufs. Par-dessous ? Ouais, par-dessous, ouais. Comme dans n'importe quel bloc de Mario. Ah non, encore, voilà. Comme ça, tu peux maxer tes œufs, voilà. Là, c'est bon, t'es max. Oh. Et avec ça, t'as plein d'œufs et tu peux tirer sur tout ce qui bouge. Celui qui est en haut, faut que j'aille le chercher ou pas ? Exactement. C'est le chamboule tout. Oh non. La foire fouille. Tu peux annuler en appuyant en bas. Ah, en bas ? Comme ça ? Normalement, si tu te baisses, tu te baisses, t'annules. Ah, trop bien ! D'accord ? Qu'est-ce que je peux faire là ? Là, tu peux viser tous les petits ballons qui volent. Tu vois, il y a un masque qui vole. Tu peux le viser dessus. Voilà. Essaye de le tirer. C'est le A toujours. Ouais, regarde bien l'écran. Tu peux viser d'aussi loin, t'es un sniper ? Sniper. Ok. Là, en poussant le bloc, tu peux rouler sur les ennemis. Tiens, passe-toi de l'autre côté de bloc et pousse. Bon, tu vois, il va rouler, roule. J'adore. Et là, boum ! Voilà, t'as détruit tout et ça te permettra de passer. C'est bon, ça. T'as vu, à gauche, il y avait One Up de marqué. C'est quoi ça ? Ça, c'est un truc, si jamais tu mets un œuf dedans, ça va te donner aussi des bonus. Essaye de taper le One Up là, avec un œuf. Ah oui ? Ouais. Alors, attention. Raté, c'est pas grave, on recommence. Yes ! Et là, t'as gagné une vie. Maintenant, je vais t'expliquer un truc. T'es fort au billard ou pas ? Pour annuler, j'appuie sur A. T'appuies sur bas. Bas. B. En bas. Ouais. Voilà. T'es fort au billard ou pas ? Ah, j'ai joué au billard. T'es joué au billard. Donc regarde, retourne sur tes pas. Cette fleur-là, il faut mettre un œuf dedans. Ouais. Le seul moyen, c'est de faire une bande. Une bande. D'accord. Donc faire un ricochet sur le mur du haut pour que le truc arrive dedans. Donc, tu fais ta bande par la droite ou par la gauche, mais il faut réussir à faire une bande. Presque. Presque, hein ? Ouais. Récupère l'œuf, t'as encore le droit à un essai. Pas facile, hein ? GG, et voilà. Et là, ça te drop des petites étoiles. Et ça augmente ton timer. J'adore. C'est super. Ah, c'est génial. Let's go, tu peux sortir. Là. En appuyant en haut. Tu sautes et t'appuies en haut, tu vas prendre le tuyau. C'est vachement bien fait. Ouais, c'est ouf. Là, les fleurs, récupère toutes les fleurs que y a sur ton passage. Faut que je les mange ? Non, récupère-les. Passe juste dessus, tu vas les récupérer. Comme ça ? Hop, voilà. Ça te donne des bonus à la fin. Hop là. Et maintenant, faut parcourir le niveau. Donc, faut aller en haut et éviter les obstacles. C'est Mario, quoi. Mais ça, c'est un bloc dur. Tu peux pas le traverser. Ah, donc, il faut que tu escalades. Voilà. N'oublie pas que tu peux maintenir sauter. Oula, vite, il faut que tu ailles chercher bébé Mario. Qu'est-ce que je fais ? Alors, passe la poule de dialogue. Il te dit, faut que tu ailles rattraper bébé Mario. Et où bien possible avec le timer. Et où je sais même pas où je suis. Voilà, là, Mario. Mario 10 secondes. Oui, Mario, oui, c'est bon, je l'ai là. Mario, mais si je l'ai attrapé Mario, là. 7 secondes. Mais si, mais qu'est-ce que Mario, je fais ? Mario 6 secondes. Non. Mario 4 secondes. Mario va mourir. Mario, non. Kidnappé. Ouais. Mais attends, à un moment, je l'ai attrapé. Fallait que je fasse quelque chose ? Fallait que j'appuie. J'espère que tu t'occupes mieux de tes enfants quand même. Tu es un peu distrait. Mais au bout de 2-3 jours, on me les ramène, j'ai remarqué. Parce que avec une rançon, c'est ça. Ils ont le numéro de téléphone dans la poche. Bon bah t'es parti pour recommencer, faut au moins que tu termines ce niveau. Yes. Alors si on veut avancer vu qu'il est bientôt 22h30. Déjà. Et ouais, en fait moi j'ai peur qu'on... J'adore. Qu'on ira jamais. Le temps passe tellement vite. C'est impossible. Alors tu me montres. Ouais, je te montre. Tu me montres. Donc globalement... Et je reprends un gâteau. Vas-y, reprends un gâteau. Globalement dans ce jeu... Je te mets quelque chose à boire ou pas ? Là moi je suis T'as bien. Ce qu'il faut ? Joe, t'as ce qu'il faut ? Bah dans ce jeu ce qui est bien c'est que tu peux voler tu vois. C'est ça qui est assez intéressant. Tu vois, si tu tapes les trucs comme ça, hop là avec tes œufs, t'as des bonus qui s'ouvrent, hop là, il y a des nouveaux endroits qui sont à découvrir. Tu montres, regarde, il y a plein de pièces, il y a des fleurs, c'est incroyable. Tu vois, tu peux voler et le petit palunaire, ça t'évite de retomber trop rapidement sur le sol, tu vois. Et même en étant en l'air, t'as vu, tu peux être en l'air et tirer, enfin tu peux tellement faire de trucs. En fait, tu peux voler, être en l'air, annuler le vol, t'en aller faire comme ça, ce rodéo, récupérer le bébé qui pleure. Voilà, c'est de mon esprit quand même. Eh oh ! Alors ça par contre, t'entends beaucoup des bébés pleurer. Hein. Si t'as une angoisse des bébés qui pleurent... Pourquoi tu le perds quand ? Quand je me fais toucher par les mascasses.
fait, tout ça, c'est des ennemis. Dès qu'ils me touchent, je les perds. Il y a un petit tuyau là-dedans. Dedans, il n'y a rien. Voilà. Oh. C'est juste pour te dire qu'il n'y a rien. Ok. C'est bien, des fois, les endroits où il n'y a rien. Hop là, on est tranquille. Regarde, là, par exemple, je peux pas monter, mais si je tire là, hop, il y a une graine. Et hop, c'est le haricot magique, la légende, tu vois. Et hop, power up, je remonte, je remonte, je remonte, hop, je peux voler. Tac, tac. Voilà, puis là, on va aller directement à la fin du niveau. Regarde, si je pousse ça, je vais écraser tout le monde. Alors, c'est un peu le génocide, mais bon, c'est le jeu vidéo, hein, c'est pas la vraie vie. Hein. Hop là. Et là, hop, je passe ça. C'est trop mignon. Petit goal et passe le relais. C'était très fluide. Et tu faisais plein de trucs en même temps, tu sautais, ouais, tu tirais. En vrai, ce jeu, c'est un des jeux les plus complexes en termes de gameplay. Tu peux aller tellement vite, faire tellement de trucs. Il y a tellement de choses qui sont annulables. C'est très agréable. En fait, pour moi, je sais pas pourquoi, mais depuis tout à l'heure, le jeu il me parle pas parce que moi j'ai l'impression d'y avoir joué sur GBA. Ouais, ouais, le jeu et est pas, sorti et sur, pas sur, pas sur il est sorti sur GBA ouais. aussi. Dans une version GBA. Mais pour moi, dans ma Game Boy Advance. Ouais. Pour moi, c'est un jeu de Game Boy Advance et c'est pas un jeu de NES. Tu vois, j'ai appris que c'était un jeu de NES, tu vois. J'avoue. Allez, on passe à la suite et donc on a terminé l'ère 2D. Là, en période, on était en 1995. On est en 1995 et en 1900, enfin fin 95, je crois, début 96, sort leur prochaine console, la Nintendo 64. Là, c'est là où on va, là. Et là, maintenant, c'est 64. Le début de 64 l'ère. Pour 64, quoi. Bits. Pour 64 bits. Hein, c'est ça, hein. Bits, je me rappelle de ça. Exactement. En soi disant, plus t'avais de bits de calcul, plus t'étais puissant. Oh, putain, les gaps de fou, on est en quelle année là? Ça a changé, on est en 1996, il me semble. Ah, mais c'est 80, là, c'est marqué 97. 97, très bien. Non, mais c'est 97, mais 1992. Mais ça s'accélère, là, 90. Nouveau. On est exactement. Deux ans après. Exactement. Nouveau ah ouais, Super Mario, Super Mario 64. La vache. On quitte la 2 dimensions pour la 3 dimensions et c'est le premier grand jeu de plateforme Mario. Putain. Totalement 3D. Quand je te dis totalement 3D, c'est full en 3D. Et tu vas voir, bah, tout change. Maintenant, il va falloir que tu gères une caméra. Tu pourras être complètement libre de te déplacer absolument partout. Et tu as une quantité de mouvements folle. Regarde là, tu vois. Donc, en fait, le jeu, ils voulaient montrer qu'ils avaient créé un moteur 3D vraiment stylé. Donc, tu as le visage de Mario qui est défini en super bonne résolution. Jamais ouais. On l'avait vu aussi détaillé. Qui est fou, ouais. Mais il faut savoir que tu peux, si tu bouges, il me semble, le stick. On est loin de la moustache qui cachait la bouche, là. Hein. Exactement, exactement. Il me semble que si tu bouges, voilà. Tu appuies sur A, regarde. Bouge le stick ici. Regarde, il suit le doigt. Non. Si, je te jure que si. Regarde, si tu le passes devant, essaye de l'attraper avec le bouton A. Essaye de le. Appuie sur A, bah, taquine-le, attrape-le. Voilà, tu vois, toi tu peux le gribouiller, tu peux attraper son nez, le bouger, regarde, t'as vu, il suit ton nez, regarde, t'as vu. C'est mon technique, tu peux l'attraper la lèvre aussi, l'embêter. C'est un peu comme Astérix, hein, finalement. T'as vu ça? La casquette. Je pense que tu peux l'attraper un peu plus haute. Voilà, regarde. Hop, Joe. La 3D. Ah, c'est génial. Est-ce que, comment est la concurrence à cette époque-là par rapport à ce jeu? Ouais, Joe et Didier. Ouais. En vrai, en termes de 3 dimensions, le jeu met tout le monde à l'amende. En fait, le problème des jeux d'époque en 1997, c'est qu'ils gèrent très mal la caméra. Mais tu rigoles, mais quand t'as le jeu, que tu, quand t'es gamin, là, t'as 10 ans, t'as ouais, ça, tu ne fais que ça. Tu fais que ça pendant des heures, tu fais ça. Mais moi aussi, je fais ça pendant des heures. Ah, c'est génial. 97. Ouais, il faut savoir qu'il va falloir attendre très très longtemps avant que quelqu'un... C'est le jeu de sortie. Hein, de la... On est d'accord que le jeu, c'est ça. Il n'y a rien après. Bien sûr que si, t'appuies sur plus et normalement, il y a un truc. Mais ça, j'avoue que c'est marrant. Plus, moi, plus. Ouais, plus. Oh, j'adore. Okidoki. Donc vas-y, on prend une sauvegarde vide. Et là, incroyable, on va découvrir... Peach est en 3D. Elle tente de laisse tomber les graphismes. La lettre. Oh, en français. Ouais. Elle a fait un gâteau. J'adore les gâteaux, je toi. Je kiffe, moi. Bah voilà. Et Mario se dit, il y a des gâteaux. Eh ben vas-y, gros, on y va. Tu te souviens de Lakitu? C'est celui qui m'a envoyé des porcs épiques, là, ouais. Dans Super Mario. Ah, il est de retour. Il est là, et maintenant, l'idée de génie, c'est qu'en fait, c'est Joe Coco, ce man. Il tient la caméra. Et... Nintendo. C'est vrai que je trouvais qu'il y avait un petit air d'ailleurs. Miyamoto s'est posé la question, comment on fait un jeu en 3D, sachant qu'il y a une caméra qui va être loin et qu'il faut la gérer. Eh bien, on va la personnifier, cette caméra. On va l'humaniser avec un personnage. Et en fait, tu comprends vite qu'en fait, tu bouges un personnage quand tu bouges la caméra. Et c'est ce personnage qui te filme et qui te fait être l'acteur
de ta propre scène et de ton propre jeu. Alors, je t'avoue, pour l'instant, je ne vois pas encore comment ça fonctionne, la caméra, là. Alors, c'est normal, c'est parce qu'il faut juste passer la ligne de texte. Ouais. Passe la ligne de texte. On t'explique que tu peux sauter. Et voilà, maintenant, tu es libre. Alors, et attends. Regarde. Bon, là, c'est mon personnage. Ah, c'est la caméra qui me... C'est, et là, la, c'est caméra la caméra qui me filme, là. Exactement. Et tu vois, là, t'es en mode Lakitu, et Lakitu suit tes pas. Suis ton mouvement. Ah, c'est une claque. Et là, tu peux passer où tu veux. Et tu vas. Ah, mais tu sais que j'ai jamais joué à ça. Tu es complètement libre. Tu sais que pour il y a des gens qui nous regardent pour c'est de l'histoire. Mais moi, c'est une découverte là. Ah, j'avoue que le jeu il fait vieillot, mais le sentiment de liberté que dans Mario 64, il est incroyable. Mais d'où l'intérêt de le faire comme on vient de le faire, c'est-à-dire chronologiquement. Ouais. Parce que du coup, je ressens les, du coup, les... Ah bah là, tu vois la diff, hein, ça c'est sûr. Alors, je vais là, par exemple. Ouais, bah elle t'a invité au château, c'est le château. Donc t'as toute la cour du château. Tu peux passer la tour du château. Essaye les boutons, tu vas voir. Tu peux sauter, tu peux te baisser. T'as plein de trucs que tu peux faire avec Mario. Là, sauter. Tu peux sauter. T'as, wow. t'as même un double saut. Si tu fais sauter puis ressauter, double saut, tu peux bouger, sauter, tu peux te baisser, je crois, si tu appuies sur des gâchettes. Oh, maintenant, il y a des gâchettes. Coup de t'as un coup de poing. Mario a un coup de poing, c'est vrai, dans ce jeu. Il a un coup de poing. Ce n'est pas une idée qui sera reprise dans beaucoup de Mario. Non, celui-là, oh, j'ai une porte qui s'ouvrait plus ou moins. Si tu cours et que tu appuies sur coup de poing, ça fait des choses. Tu peux ouvrir les portes du pénitencier. Bonjour, et là, qu'est-ce qu'on apprend? Il n'y a personne. Le rire maléfique de Bowser, dégage moustique. Ah, donc en fait, ici, il y a quelqu'un ici. Voilà, Bowser a pris possession du château. C'est quoi, il y a un truc là? Il y a un petit Toad. C'est un fantôme. T'es Toad, si tu peux lui parler, il va te dire des choses. Hein. Mario, c'est toi, je suis heureux de te voir. La princesse, comme nous, a été emprisonnée. Bowser a volé les étoiles du château, il les utilise, leur puissance, pour créer un monde dans les tableaux et les murs. Oui, parce que tu te dis, comment est-ce qu'on fait des niveaux maintenant qu'on est en 3D? Eh bien, l'idée, c'est de faire des niveaux dans les tableaux des murs. Tu vas visiter un musée, là, bientôt, il y a pas mal de tableaux. Ça fait le musée d'Orsay. Bah, imagine, le château de Peach et le musée d'Orsay. Il y a des tableaux partout. Et dans les tableaux, il y a des mondes. C'est formidable. Entiers. Et donc là, tu as un nombre d'étoiles. Plus tu as d'étoiles, plus tu ouvres les portes du château, plus tu vois de tableaux. Donc, il faut trouver les étoiles d'abord. Il faut trouver les étoiles. Les étoiles t'ouvrent les tableaux qui sont les plateaux. En fait, exactement. Tu vois, dans les portes, il y a des numéros, 3, ouais. Rien. Donc là, instinctivement, c'est beau. On te montre les portes 1, 2, 3. Tu peux te balader partout. Mais là, je peux pas aller dans les portes, là, si. Il y a des portes dans lesquelles tu peux aller. Tu as des portes 0 étoiles, là. Tu vois. Hop. Là. Oh. Là, un tableau. Un tableau. Je regarde un peu la pièce, OK. Bon bah, c'est une invitation, ça fait. C'est l'invitation, tout à fait. Oh, t'as vu le tableau, il vibre. Oui, oui. Qu'est-ce que t'as envie de faire? J'appuie. Vas-y, saute. Oh, c'est génial. Mais là, j'avais pas d'étoile pourtant, moi, là. Ouais, dans ce niveau-là, c'est le premier niveau, t'as pas d'étoile. Première étoile, donc chaque niveau a maintenant des missions, des objectifs. Le but, c'est d'aller tuer le roi bonbon au sommet d'une montagne. Oui. Et donc, tu vas rentrer dans le niveau 1 du jeu. Tu es libre. Tu peux aller où tu veux dans ce niveau-là, et le but, c'est de gravir la montagne. Ok, faut que je trouve la montagne, que je la gravisse. Alors là, c'est... Je fais quoi avec ces zouzous, là? Bah écoute, tu peux interagir avec eux, ne pas interagir. Globalement, le premier monde est fait pour te faire, justement, tester un peu tout ce que tu peux faire avec... C'est pas des ennemis, eux. C'est pas des ennemis, non. C'est pas des ennemis, ils sont gentils, regarde. Fais attention, si tu te promènes par ici, tu risques de te faire embrouiller par une bombe à eau. C'est vrai qu'il y a des gens qui tirent des bombes à eau. Ah, et c'est bon de savoir, ça. Et c'est vrai que les gens disaient que c'est la première fois qu'on entend Mario aussi. Oui, c'est la première fois qu'on entend Mario. On l'entend pleurer dans Yoshi's Island. Là, il y a un truc là. En passant. C'est un canon, ça. Exactement. Alors, c'est la montagne, il faut que je monte alors, let's go. Faut que tu montes, c'est parti, let's go. Faut que je fasse attention à eux. Ah, c'est des Goombas, tu les reconnais, non? Ouais. Quand même. Je pense que je peux passer à côté. Donc, eux, il y a deux solutions pour les tuer. Bien. Comme d'habitude dans Mario, soit tu leur sautes dessus, ouais. Maintenant t'as un coup de poing. Ah, tu veux dire que. Tu peux taper. Oh! T'as vu ce que j'ai fait? Ouais, quand t'appuies sur course plus coup de poing, tu glisses. Alors, pour leur donner des coups de poing. Le coup de poing. D'ailleurs, tu peux enchaîner, il y a un 3 hit combo, je crois. Coup de poing. Voilà, ça. Oh oh! Aïe. Donc maintenant, t'as une barre d'énergie. Quand tu récupères une pièce, tu récupères de l'énergie. Ah oui, j'ai perdu de l'énergie, je vois là. Ouais. Et l'énergie, c'est bah, un petit. J'ai sauté dans la pelouse. C'est le trivial poursuite, l'énergie. Oh oh, c'est les bombes à eau, Ouais, ils t'avaient prévenu, hein, de toute façon, qu'il y en avait. Hein. Il y a l'étoile rouge là, il y a une étoile là-haut là. C'est assez ouf le sentiment de liberté qu'on a en ce moment. Oh oh, qu'est-ce que j'ai. C'est. J'ai repris l'énergie là. Exactement. Oh oh oh! Merde, le con! Et donc voilà, donc à l'ère de la 3D, Nintendo envoie une réponse
Personne ne pensait vraiment qu'on pouvait faire des jeux de plateforme en 3D parce que le problème, c'est la caméra. En fait, quand tu es en 3D et que tu rajoutes une dimension, c'est très difficile de savoir où est ton perso dans la perspective. Mais grâce à la gestion de la caméra avec l'Akitu et grâce surtout au système d'ombre, tu vois ton ombre en dessous de toi. Ton ombre, regarde, saute. Elle ne quitte jamais le sol. Et elle t'indique exactement la position que tu as dans le monde en trois dimensions, tu vois. C'est ta position sur les axes X et Y, tu vois. Peu importe où tu es sur l'axe Z, tu seras toujours quand même certain que Mario est à l'endroit où est son ombre. Donc, tu n'as pas une gestion d'ombre avec la lumière, tu vois. C'est pas la lumière qui va poser l'ombre de Mario. L'ombre, elle est là pour te dire que Mario est à cet endroit-là, pour que tu ne te trompes pas et que tu n'aies pas de problème de perspective. Le chomp, tu l'as évité. C'est pourquoi il y a un chomp ici ? Non. Miyamoto déteste les chiens. Il y a des chiens qui l'ont poursuivi un jour, il a été traumatisé par ça. Et du coup, il a mis un ennemi qui ressemble à un chien qui fait waf waf. Deux bombes à eau. Ouais, ça c'est des bombes qui essayent de te tuer. Et c'est ultra instinctif le chemin qu'il faut faire en fait, c'est abusé. Il met des petites flèches. Je peux pas m'en rendre compte parce que moi je connais le jeu par cœur. Tu vois, il y a des pièces rouges. Pareil, pièces rouges, t'as vu, il y a un nombre, 3. T'as un nombre de pièces rouges à récupérer dans chaque niveau. Là, j'ai du mal à monter parce que la pente est... Ah, tu vas quand même réussir à monter ? Ça monte ? Non. Attends, j'ai jamais vu ça. Non ! J'ai jamais vu ça. Ah ouais ! C'est pas censé faire ça ? Non, ah, le en fait, cardio de ouf. Normalement, t'es censé faire le tour. Bah, en fait, c'est parce que je savais pas que c'était possible. Parce qu'en impossible, fait, normalement, tout le monde court et en fait, quand tu commences, tu cours et tu glisses. Et tu glisses, ouais. Je sais même pas comment t'as fait pour monter. Mais ouais, en fait. il a glitché. Je pense que le jeu a compris que j'étais. Premier glitch de Sam. Comment t'as fait pour monter ? Je pense que le jeu a compris que j'étais nul et il m'aide en fait. Donc, ça, je suis en haut de la montagne, quel est l'objectif ? D'accord ? Donc, faut plutôt monter. Monter. Donc il y a plusieurs choses. Attends, juste en passant, personne n'y croit dans le chat. Hein. Ah ouais, mais moi non plus. Tout mais le monde est en mode musique. Tu montes le esprit d'honneur. Bah là, t'es censé glisser comme ça. Et alors, où est-ce que je dois monter là ? Alors, juste te montre un truc. Dans ce jeu, tu as maintenant les gâchettes qui font des choses. Ah bah vois. Oui, je voulais te demander quand ça. Quand t'appuies sur les gâchettes, ici, tu vas changer. Quand t'appuies sur une gâchette, tu te baisses. Regarde, d'accord. Tu peux marcher à quatre pattes. Ah, très bien ça. Tu vois, ça te rappelle des choses. Hop. Et ça, c'est très important parce que tu peux, grâce à ça... Alors, je te déconseille de mettre cette caméra-là parce qu'elle est vraiment insupportable. Laisse-la qui tout, voilà. Par contre, avec cette gâchette-là, tu vas pouvoir faire plein de trucs très intéressants. Comme par exemple, ici, tu sautes. Oh là, t'as vu, il fait un saut en arrière. Et t'as vu, après, il fait la réception du gymnaste. Classe. Bah, il a une médaille d'or, Mario. Hein. Classe. Voilà, pareil, tu sautes et tu fais sauter, tu fais le saut rodéo. Si t'appuies sur sauter et ensuite la gâchette, boum, saut rodéo. Et là, tu peux taper les ennemis aux alentours. Ça te permet aussi de tomber droit sur un saut. Si tu sens que t'as mal timé ton saut. Est-ce que je monte là, à ton avis là ? Monte. Je monte là ? Escalade la montagne, bien sûr. Oh, Mario, il a un cardio incroyable. Il y a un petit trou. C'est vrai qu'il y a genre en vrai. Il y a un trou. Oh, il y a un trou. Oh ! Ah ! Oh le con ! Si tu tombes de trop haut, tu perds des vies. Sam. Les boules. Donc je remonte. Ouais, remonte. Et là, tu prends le chemin conventionnel là. Rien. Sache que ce sont les pièces qui te redonnent de la vie. Mario aime bien l'argent. Hop. Ça, il frôle les murs. Pourquoi c'est passé pas bien. Mais parce que c'est parce que nous, on en a sué pour faire ça. Bien joué. Il y a les pièces. Alors, t'as vu, là, deux chemins. Soit tu as le petit, soit tu peux sauter et passer à la plateforme, soit tu as une petite plaque en bois, une petite planche. Ça se tente. Voilà. Alors note que tu as des déplacements qui ne sont plus maintenant numériques, mais analogiques. Donc, si tu es doux avec le stick, essaye d'être doux. Là, j'ai été doux, là. Non, là, tu fais par à-coup. Ah. Essaye, voilà. Oh, voilà. Incroyable. Tu te déplaces en fonction de la direction et de la force que tu donnes sur ton stick analogique. On fonce. Oh non. Tu peux sauter. Mario peut s'accrocher aussi pour éviter de tomber. Ça aussi, c'est une grosse nouveauté. Ça rend le jeu moins frustrant. Des cœurs pour te redonner de la vie. Impeccable. Ah, faut remonter. On y croit, voilà, Samuel. C'est mon enfance. Voilà, ça je longe, je longe. Oh, c'est super. Et je saute. C'est ouf comment la caméra suit bien le perso. C'est abusé. Tu vois là au détour d'une réelle. Je saute et je longe. Et je me cache et je saute. Attention, je vais prendre le cœur. Oh. Panique pas. Il est où le cœur ? Faut être doux avec le stick analogique, n'oublie pas. Et je fonce. Parfait. Et là, tu vois, t'as le roi bonbon qui t'attend en haut. C'est le premier boss du jeu. Et quand je le. Aha !
Moi, je te dis rien. Là, je te dis rien. Je sais qu'il a un point, mais... Je te dis rien. Il a un point faible, en effet. Mais va lui parler. Faut que je lui parle. Va lui parler. Oh, la tête. Alors, qu'est-ce qu'il te dit? Je te félicite d'être arrivé jusqu'ici, petit. Si tu veux l'étoile de puissance, il va falloir me jeter au sol. Es-tu capable de soulever mon royal fessier en garde-moucheron? Écoute bien ce qu'il dit, hein. Faut soulever son royal fessier. Donc, comment tu soulèverais son royal fessier? Par derrière. Avec quel bouton? Samuel Etienne soulève les royal fessiers par derrière. Avec quoi? Avec quel bouton? Avec le bouton frappé. Non, mais il est super rapide. Oui, il est rapide. Le but, c'est de lui tourner autour et de taper par derrière. Presque. Alors peut-être. Le joueur français, faut surtout pas que tu te fasses attraper par contre. Le joueur français, tu t'es fait attraper. Ah, évite. Ah non, c'est bon. T'es encore dans le ring. C'est comme du sumo, hein. S'il sort du ring, t'as perdu. Mais je vais lui faire sa fête, moi. Oui, tape. Voilà, balance-le. Avec quel bouton? Paf. Allez, tu as touché une fois. C'est pas fait. Merde. Tu cherches les ennemis. Et j'ai. Ok, balance, mais il te fait pas mal. Alors on continue. J'adore. Tu vois, ça apprend à tourner autour, ça apprend à taper. Et je le jette. Ça prend la mobilité. Et je te jette. Et je te donne le tournis tellement je vais vite. C'est abusé comme on bouge bien Mario dans le jeu. C'est un des premiers jeux de 3D comme ça. C'est ouf. Et le roi, il est rapide. Hein. Ouais, le roi est rapide. En fait, plus tu le touches, plus il devient rapide. Parce qu'il a compris que tu essayes d'attraper son royal fessier. Donc là, faut l'épuiser. Épuise-le. Il va s'épuiser. Au bout d'un moment, il va s'épuiser. Et le fait de tourner les serviettes. Alors, il y a un autre truc que tu peux faire. C'est lui sauter par-dessus. Comme ça, tu passes derrière. Tu fais ce qu'on appelle dans le jargon des jeux de combat un cross-up. Ouais, t'as vu? Et là, tu peux l'attraper. Ah, trop tard! Ah non! C'est bon, là, il te voit plus. T'as pu identifier. Gratuit. Oh, t'as sauté au lieu de taper. Faut pas que tu sors du ring! C'est bon. Encore dessus. J'adore. Encore un hit. Et là, mais tu vas réussir à tuer le premier boss tranquille, quoi. Ok, tant qu'il te voit, il tourne beaucoup. On le rattrape. C'est pas saut, c'est attrapé. C'est l'autre bouton. Celui-là. Non, l'autre. Voilà, celui-là. C'est lequel? C'est le bouton au-dessus. Celui-là. Voilà. Ok, je vais. Allez. C'est fini? Le joueur français? Je me suis fait un boss. Incroyable! L'étoile de puissance! Et je t'invite à récupérer l'étoile. Oh là, give me five là. Elle est où? Allez, hop, juste derrière, ici. Tu sautes. Lundi, j'arrête tout. Qu'est-ce que je peux accomplir de plus? Ah bah là, rien. Hein. Non, mais j'arrête tout. Il y a 120 étoiles dans le jeu. Moi, je vais voir Madame Borne, Elisabeth de son prénom, et je leur dis la réforme des retraites, c'est pas pour moi. Moi, j'arrête maintenant, je veux dire, qu'est-ce que je peux faire de plus? Comment ça, vous arrêtez maintenant? Le boss, la bombe, par derrière, je l'ai attrapé, c'est fini. Ah, je sais pas si elle comprendra tout ce que tu me dis, mais... Ça dort. Exactement. Est-ce qu'on me félicite dans le chat? Où est-ce qu'on se moque? Les gens disent qu'ils sont émus. Ouais, c'est émouvant. Sachant qu'ils sont 12 000, hein, le joueur produit. Ah ouais? What? Ah ouais, ouais. Alors, merci d'être aussi nombreux. Pardon, je vais faire quelques merci. Moi, j'aime bien remercier les personnes par qui tout ça est possible. Merci à vous d'être aussi nombreux, parce que je regarde pas combien vous êtes. Je viens d'apprendre que vous êtes 12 000, me dit Joe. Merci à Ken Bogard de très gentiment me prendre la main, me faire découvrir sa passion, de m'emmener dans cet univers que je trouve fascinant et qu'en plus moi je découvre un demi-siècle après tout le monde, donc ça c'est vraiment cool. Ce qui est bien, c'est que ces jeux ils sont intemporels. Hein. Et merci Joe de m'accompagner encore une fois. D'ailleurs, Ken il faisait allusion tout à l'heure, il nous parlait de musée, de tableau. Ouais. Effectivement, demain on fait la 7e hebdo. Exposition Étienne, c'est bien comme ça que l'émission de Joe. C'est l'exposition Étienne. Parce que comme je dénonce, parce qu'en fait tu sais Ken, tous mes noms d'émission sont des jeux de mots pourris avec mon nom de famille. Donc le matin c'est la matinée Étienne. Ouais. Quand je fais une soirée, c'est la soirée Étienne. L'exposition Étienne. Moi, tu mets Étienne. Voilà, c'est là, c'est quand je fais des musées. L'hebdo Étienne, c'est le vendredi soir, on revient sur le pied de la semaine. Et là j'ai varié, j'aurais pu faire la manette Étienne. Mais le chat a décidé qu'avec le prénom, ça marcherait aussi. Ça me plaît, bien sûr. Voilà. Et donc, l'exposition Étienne, c'est la 7e. Demain, on est à Rennes. C'est-à-dire que demain, en début d'après-midi, avec Joe, on prend le train avec Fakir, alias Foki, et Pépin, alias Pépipin, deux streameuses que vous connaissez peut-être, je l'espère. Ouais. Et voici, elles sont là. Foki, qui était déjà avec nous à gauche. Foki, c'est son petit nom. Hein. Fakir, c'est son nom de streameuse.
qui était déjà avec nous au musée Guimet National des Arts Asiatiques avec Marie Palot il y a quelques semaines. Et puis Pépin, que vous connaissez bien, puisque c'est elle qui a fait tout l'habillage de la chaîne et qui par ailleurs fait la régie pour nous éviter tout petit souci quand on a des pertes de connexion dans les musées ou les expos. Et demain, on est à Rennes. On sera au couvent. Le couvent. Mais c'est une expo. Hein. On va se faire accueillir au couvent. Non, c'est le couvent des Girondins. Si, attends, je l'ai marqué. Girondins à Rennes ? Non, des. Attends. Si, c'est ça. Attends. C'est le soir, je suis. J'ai un trou. Si. Hein ? C'est le couvent des Girondins. Attendez. Y a-t-il des. Des Jacobins. Oh, des Jacobins. Oh, le couvent des Jacobins. Des Jacobins. On me disait que des Girondins. des Girondins à Rennes. Le pire, c'est que j'y ai passé toute mon enfance. Parce que à Rennes ? Non, dans ce couvent. Ah bon ? Si, parce qu'en fait, ce lieu, il a une histoire incroyable. D'abord, c'était un vrai couvent avant la Révolution. Au moment de la Révolution, le couvent est confisqué. Ouais. Ça devient la propriété de l'État, puis ça devient la propriété de l'armée. Et après, ça appartient à l'armée. Et l'armée y installe en fait des clubs de sport ouverts à tout le monde, mais qui étaient... Dans un couvent ? Gérés par des militaires. Okay. Il y avait du judo, il y avait de la danse, et puis il y avait de l'escrime. Et moi, j'ai fait 12 ans d'escrime. Non. Et donc, ce couvent des Jacobins que je viens de rebaptiser couvent des Girondins, j'y ai passé, de mes 6 ans à mes 18 ans, tous mes mercredis et mes samedis. Mais... À faire du fleuret. Massacre. Ça a été... Donc après, bon, le truc n'était pas trop entretenu par les militaires. La ville l'a racheté pour un franc symbolique, je crois, il y a quelques années. Et a fait des travaux, par contre, qui n'ont pas coûté un franc symbolique. Il y a dû y avoir quelques années, c'était un franc. C'était quelques années. Ouais, moi, je suis un euro peut-être. C'était peut-être un euro déjà. Après, par contre, ils ont fait des travaux. Laisse tomber. Ouais. Ils ont mis le couvent sur des pilotis, ils ont creusé, ils ont fait des trucs de fou. C'est devenu un centre de congrès. Mais magnifique, parce qu'il y a le cloître. C'est d'une beauté sans nom. Joe, on a vu ça. On a visité ça lundi pour les tests techniques. En vrai, c'était beau. C'est un très bel endroit. Donc, l'endroit est beau. Et l'exposition, c'est une exposition sur l'histoire du pop art. Ouais. Donc, l'explosion artistique des années 60. Donc, c'est l'époque des. De Warhol, voilà, tout ça, notamment. Pas trop de tease, il faut être là demain pour le bon, voir. Voilà. Et il y a 80 œuvres, certaines n'ont jamais été montrées au public, c'est super beau, voilà, et on sera avec Pépin, et avec Foki, et avec le commissaire de l'exposition, qui nous accompagnera pendant 3 heures, et on va se régaler. Et je pense qu'en termes d'image et de qualité, notamment d'image, parce qu'on a une très belle connexion, ce sera peut-être pas le plus beau, on verra, mais un des plus beaux. Voilà. Il y a tu une avec salle... ta poussette. Ouais. Ils ont encore ouais. la poussette de stream. Poussette, 3 connexions, une grosse caméra, ouais. des micros. Et il ouais. y a une salle qui, moi je trouve, est une des plus belles salles qu'on ait vues. Ouais, dis-moi. Je la mets au niveau. Bah, tu sais, celle où t'as le gros tableau au fond avec la lumière et tout là. Le tableau vert machin. Avec le visage de la femme, tu veux dire vert en vert, non? Tu sais, il n'y a que 4 gros tableaux, les grosses fraises dans la plus grosse salle. Vers la fin. Une dernière salle qui parle notamment des discriminations raciales, tout ça? Ou non, c'est pas celle-ci non plus? Non. C'est, tu sais, quand on rentre, ouais. et t'as 3 grosses stèles, et au fond, t'as un grand tableau. Ah, je l'ai vu. Qui est composé de 9 tableaux. Ah, bah tu montreras. Je te dirai, genre, moi je la trouve exceptionnelle. On a pris une claque avec Joe en reconnaissance ouais. technique lundi. Je pense ouais. que vous prendrez une claque aussi. C'est demain soir, c'est 20h, c'est de la culture. C'est sur Twitch, voilà. Vous poserez vos questions. Et je pense que vous allez en prendre plein. Il y aura peut-être du Brescola dans le live. Il y aura peut-être du Brescola. Bien sûr, ouais, évidemment. Il m'a raconté des histoires sur le Brescola, je suis scandalisé. Ouais. Ah ouais, parce qu'en fait, dans plein d'endroits en Bretagne, dans des restaurants, dans les crêperies, quand tu demandes du coca, oui. les mecs ils disent rien et ils t'amènent du Brescola. Ah ouais. C'est pas du coca, ouais. c'est pas du Pepsi, ouais. c'est du Brescola. Et t'as pas le choix. C'est-à-dire, si tu dis, ah bah excusez-moi, j'aime bien le goût du coca. Et là on te regarde, tu sais, le regard se durcit un peu et on te dit, non, non. Ici, c'est le Brescola. Je te jure. Imbloquable. Et bon, avec le petit coup de pression. Et ça a pas le. C'est pas tout à fait le même goût, c'est du Brescola. Voilà. Et sauf que. Y a, notamment dans les crêperies, mais pas seulement, t'as pas trop le choix, quoi. Et mon épouse, c'est une amoureuse du coca, du vrai. Ouais. Elle veut pas de Pepsi, elle veut pas de Light, ouais. elle veut du coca. Et donc c'est la bataille. Elle arrive dans une crêperie, elle demande un coca, elle amène le Brescola, elle dit c'est tout ce que vous avez. Oui, bah j'en veux pas. C'est top! Et tu sais, c'est la bataille de regard. La base. Et tu vois, et là, Jordan, la dame ou le monsieur qui nous sert les crêpes, là, il y a un combat de regard, quoi. En mode, ah ouais. Tu vas l'avoir ta galette, tu vois. Tu vas l'avoir ta galette. J'avoue. Tu vas l'avoir ta galette. Voilà. Et bien, je peux vous dire aussi qu'on a été premier stream FR sur du Mao 64 en 2023.
ce soir. Incroyable. Ouais, on était premier stream FR sur Mario 64. Okay. D'habitude, il n'y a que des speedrunners qui font ce score-là. Exactement. Bah là, on a, voilà. Bah là, on est on a le découvreur runner. Mais donc, il a glitché. Il a fait son premier. Ouais, moi, j'y crois pas. Donc, je ne sais pas comment il est passé. Hein. Il a pas couru, il y allait lentement. Et il marchait. Ça n'a aucun sens. C'est justement là pour pas que tu passes. Mais encore une fois, c'est parce que je sais pas que c'est. Je sais pas que c'est pas possible que je le fais du coup. Et en fait, vous auriez tous essayé en fait, ça marchait en fait. Mais nous, on a essayé à l'époque. Quand t'es gosse, t'es un forceur, donc t'essaies. En fait, je vais vous donner le truc, il faut mettre la manette vers le haut. Bravo. Merci Samuel. Mais quand merci, le jeu te dit non, merci, c'est t'as envie de le faire. Là, on est en 1997. Voilà, c'est le premier jeu 3D. Il y a plein de choses à raconter sur ce jeu, évidemment, sa jeunesse, sa naissance. Exactement. Il cartonne. Alors, il cartonne. Le problème, c'est que c'est la console qui cartonne pas, en fait. Là, on est sur la Nintendo 64. Parce qu'en fait, les gens veulent de la PlayStation. Pourquoi les gens veulent de la PlayStation? Parce que dedans, il y a le CD. Et avec le CD, on peut y mettre des cinématiques. C'est le début du jeu vidéo cinéma. Le jeu vidéo dans lequel on met des scènes préenregistrées, précalculées. Ce sont des séquences entre. Ça peut soit être des séquences avec des vrais acteurs, soit des séquences en 3D, mais calculées sur des machines beaucoup plus puissantes. Mais qui sont pas, c'est pas des phases de jeu. Non, tu peux pas jouer. C'est hors jeu, des cinématiques, des transitions, c'est pas du gameplay. Des intros. Mais ça donne des trucs trop beaux. Ouais. Et en fait, la Nintendo 64 ne peut pas faire ça parce que comme elle utilise des cartouches, elle est limitée en espace. Okay. Elle pourrait utiliser des cartouches à grand espace, mais ton jeu te coûterait très cher. Un jeu Nintendo 64 à l'époque, ça coûte 699 francs. Fais la conversion en euros. Mais con... Non, 699 francs, c'est 100 euros. Oui, c'est 100. Mais comment ça se fait? Ça se fait que c'était le prix des jeux vidéo. Mais attends, mais c'est... Un jeu Super Nintendo, chez nous, c'était 599 francs. Mais je pensais pas que c'était si cher. C'était très cher. Il était très difficile d'avoir des jeux. À côté, PlayStation proposait des jeux à 399 francs. Mais moitié moins cher. Quasiment moitié moins cher, parce que le support CD, ça coûtait que dalle. Mais du coup... Et en plus, ça leur appartenait à moitié. Ça n'a pas écrasé Nintendo du coup? Bah, ils ont. En tout cas, sur le secteur des marchés des consoles de salon, oui, ils ont eu très très mal. Mais il y a un truc qui les a sauvés. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Il y a un truc qui les a sauvés. Ça a failli les tuer. Il y a un truc qui les a sauvés. C'est les consoles portables. Les consoles portables, ça les a sauvés. Là, on voit quelques cinématiques de Final Fantasy XVI. D'accord. Ouais, je pensais que c'était les cinématiques de PS1. Donc. Ouais, là, c'est. C'est la cinématique que tu peux remettre, par exemple, Final Fantasy VIII cinématique, tu tapes ça. Il y a un Final Fantasy VII ou pas? Oui, comme il y a un 16, il y a un 1, 2, 3, 4, 5. Parce qu'on m'a dit que tu aimais bien le FF7 tout à l'heure. Et Final Fantasy VII, j'adore, c'est un jeu préféré. Quelqu'un m'a dit ça tout à l'heure, j'ai vu ça dans le chat. Et il dit ça, parce que tu parles de Nintendo, mais il kiffe FF7. Et je me dis, FF7, je me dis, c'est peut-être Final Fantasy VII, mais je vais rien dire parce que j'y connais rien. C'est ça, c'est ça. C'est pas ça, c'était pas la PS1 aussi. Ça, c'est complètement de la PlayStation 1. Donc, tu vois, là-dedans, t'as une en fond, c'est une cinématique. Ouais, okay. Donc, c'est une vidéo. Okay. Et au milieu, t'as des personnages en 3D, donc en revanche calculés par la console, qui se baladent. Mais en fait, ils se baladent sur un fond vert. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça le génie, c'est que tu pouvais faire des scènes comme ça sur PlayStation 1. Là, on est en quoi? En 1998, il me semble. Tu vois, donc on est une année après ça. Le jeu n'est pas très. Les personnages sont beaucoup plus moches que sur Nintendo 64. Par contre, comme tu peux mettre des trucs extraordinaires d'un point de vue graphique ça, en fait, t'es un peu dans un film. Les gens ont pris la phase. Et les gens ont voulu de plus en plus des films. Regarde, quand tu vois Edea là. On est sur PlayStation. On est en 98. C'est quel jeu là? Final Fantasy VIII. C'est le 8, d'accord. Okay. Voilà. Et on en a combien aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le 16 qui sort là. Ça veut dire qu'à la rentrée, c'est peut-être un des jeux que je vais explorer et on pourra faire que ça aussi. Final Fantasy, on n'aura pas assez d'une soirée. Dis-toi, il est pratiquement 23h. On a fait globalement la moitié de l'objectif de ce soir. Donc Mario pourrait prendre deux soirées. Final Fantasy, on passe une semaine. C'est vrai? C'est vrai? Ouais, vraiment. Ouais. En fait, ce sont des RPG, donc des jeux de rôle. Ouais. Donc ce ne sont pas des jeux dynamiques comme ça. Ce sont des jeux à histoire. Tu rentres dans une histoire, c'est long. T'as un système de combat qui se passe au tour par tour, donc tu dois attendre ton tour avant d'attaquer. C'est-à-dire que tu as une barre de temps qui se remplit. Une fois que la barre de temps est pleine, tu as une petite fenêtre qui apparaît et tu choisis d'attaquer l'attaque que tu veux, soit une attaque, soit de la magie, soit peu importe les capacités que tu as. C'est des jeux vidéo qui sont complètement différents, ça n'a vraiment rien à voir. Et le but de ces jeux, donc les jeux de rôle, tu vois ce que c'est un jeu de rôle globalement, bien, ce sont, c'est plonger le joueur dans une histoire et de le satisfaire en termes de gameplay avec des jeux à système.
où il faut donc essayer de trouver les meilleures constructions de tes personnages pour devenir fort, monter en niveau, etc., au niveau des armes, au niveau de la magie que tu utilises, au niveau des équipements, tu vois. Et en fonction de chaque système de jeu, tu as un Final Fantasy différent et tu as, on va dire, des choses qui font la satisfaction des joueurs. Ce n'est pas des jeux où le gameplay et la dextérité va être importante, c'est plus ta capacité à réfléchir et ta capacité à construire des plans de jeu. C'est plus de la stratégie. RPG, c'est ça. RPG, c'est jeu de rôle, ouais. RPG, ça veut dire role playing game. C'est un jeu de rôle, d'accord. Ouais. Donc il y a une partie combat, mais ce n'est pas l'essentiel. Non. C'est pas l'essentiel. Voilà. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Vraiment, c'est l'histoire. Et c'est un jeu long. C'est des jeux longs. C'est un jeu long. Une vingtaine d'heures à chaque fois. Ouais. Pour une partie. Pour faire le jeu. Pour faire le jeu. T'as des points de sauvegarde, tu fais pas une partie, tu vois. Le jeu, il... Enfin, quoi qu'il y a des gens qui doivent le jouer aux 20 heures. Bah, t'as des gens, c'est comme ce Mario-là, en fait, ça dépend du temps que tu prends, mais en fait, tu peux faire le jeu à 100%, ça prend des 50, 60, 100 heures, tu vois, c'est... Si tu veux le faire le jeu complètement, tu peux passer des jours entiers dessus, tu vois. Et comme il y a des histoires, il y a du lore, il y a des gens qui se sont beaucoup intéressés à l'histoire de ces jeux, auxquels ils tiennent beaucoup, comme des gens s'intéressaient il y a des années au Seigneur des Anneaux ou à Bourgeois, qui sont intéressés à la Bible. Ouais, t'as des gens qui font des... Il y a des gens dans le chat qui disent que tu peux faire des 60 heures, des 150 heures. En fait, si tu veux faire le 100%... Ah oui, de vraiment explorer chaque recoin, chaque possibilité. Les quêtes cachées, les machins. Non, j'adore. Ouais, le jeu vidéo, c'est riche. 97. On fait un petit bond ? Avec plaisir. On a le temps ou pas ? Avec plaisir. On a le temps. Donc voilà, 97. Alors, on a le temps, mais on va quand même demain à Rennes et il y a encore du travail demain. Okay. Donc si on finit pas à 3h du mat, moi ça me va. Joe, c'est toi qui fixe la fin. Tu nous dis. Hein. Non, mais en fait, c'est une pression super. Non, mais c'est comme vous voulez. Après, on va très vite. Je rappelle juste que demain matin, on a quand même des trucs à préparer. On peut aller très vite sur les 3D, on en reparlera beaucoup. Là, il y a l'effet waouh de la 3D. On peut parler très vite de Mario Sunshine juste après. Alors, attends, je sais pas comment on sort par contre des menus du jeu. Sélection du titre, hop là, ok. Donc là, on change de console de jeu. On va sur la Nintendo GameCube. C'est celle d'après ? C'est celle d'après, exactement. Elle avait une tête de cube, d'ailleurs. Elle avait une tête de cube, tout à fait, elle était mauve. 2002, Super Mario Sunshine. Donc, il faut savoir qu'il y a un truc que Nintendo déteste, c'est faire deux fois le même jeu. Ok. Ils détestent ça. Parce qu'ils disent, c'est se reposer sur ses facilités. Si on refait encore le même jeu, les gens vont dire, ah, c'est encore Mario 64, ça n'a rien de génial. Et à la sortie du GameCube... On est toujours sur de la cartouche, là ? On est sur du CD, maintenant. Ah. Voilà. Ils sont passés au CD, même au DVD, à l'époque. Donc là... Cette console, elle concorde à PS2. Cinématique. Donc là, on a une cinématique. Donc tu vois, ils essayent de se mettre à l'époque. Donc ça, c'est une cinématique de jeu. L'histoire. Mario et Peach partent en vacances sur l'île Delfino, qui ressemble à un dauphin. On dit que cette île est alimentée par un gros soleil, voilà, qui donne toute la puissance à cette île et surtout qui fait rayonner le soleil tout le temps. C'est Hawaï. Voilà, c'est le Hawaï de là-bas. Et il y a un peuple qui vit, tu vois, les habitants de l'île Delfino. Et tu vas... sur cette île, et évidemment, bon, c'est Mario, rien ne va se passer comme prévu. Il va se passer des petits ennuis, et tu vas devoir résoudre les problèmes que tu as toi-même apportés sur l'île. Donc là, on scénarise, on a une histoire, on a un début, tu vois, Mario, il voit des trucs à bouffer, il aime bien, etc. Ça lui donne un petit côté plus humain, plus merveilleux. Mais d'un point de vue gameplay, ça n'a plus rien à voir avec les anciens Mario. Tu vois, ils vont complètement changer, on va garder cet aspect plateforme, mais le but, ça va être de nettoyer la ville. D'accord. La ville va être assénée par un doppelganger, comment on dit, un clone de Mario. D'accord. Qui a un pinceau et qui met de l'encre et du sale partout. Ok. C'est insupportable. Ça salit, les Japonais détestent. Ah ouais. D'accord. Donc on va te donner une machine qui est un arrosoir. Et avec cet arrosoir, tu vas devoir clean toute l'île. Mais il y a un jeu là qui est sorti il y a quelques temps où il faut nettoyer la Waka, Wash là. Plein de jeux comme ça. C'est le jeu... Power Wash Simulator. Ouais. Donc je t'invite à appuyer sur A. Ah, okay, voilà. Appuie sur A, tac, nickel. Ah, vas-y, choisis le B là. Tac, saute, impeccable. On commence et c'est parti. C'est fou, à chaque fois, les graphismes, ça... Ça s'améliore. C'est incroyable. Ouais, ça s'améliore. C'est fou. Donc l'île Delfino, et tu vois, sur l'île Delfino, il y a quelqu'un qui a peint une tête de Mario, là, pour arriver, c'est insupportable. Ah oui. Et ils se sont dit, mais comme il ressemble à... Ils sont en lune de miel ou quoi, les petits cœurs dans les yeux? Ils sont pas en lune de miel, lui, les cœurs, c'est la pensée de manger la nourriture de l'île Delfino. Ah, ok. D'accord. Officiellement, il n'y a rien entre marins. Mais tu vois,
tu vois le grand intendant du royaume champignon qui oui. Se Todd là avec la moustache, comme il est vieux, évidemment il est important, c'est le chancelier, tu vois, le conseiller de Peach, qui est la princesse du royaume. T'as les Todd qui sont là, et, c'est bizarre, ça bouge, qu'est-ce que c'est que ce truc chelou ici, on comprend rien. Peach a, tu vois, les épaules à l'air parce qu'il fait chaud ici, donc elle a une tenue spéciale. Et là tu vois un clown de Mario au fond, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Toi, Nintendo a essayé de créer quand même une mini-scénarisation de Mario. Avant, il n'y avait pas trop ça, tu vois, on n'entendait pas, on jouait directement. Là, on ne joue pas. Ça, ça a beaucoup frustré les joueurs, tu vois. Vraiment, dire, mais quand est-ce que je joue au jeu, en fait? C'est pas possible. Et puis Mario, c'est un jeu de plateforme en plateforme, je tape des trucs dans 64. Là, on te donne un arrosoir et il faut que tu arroses le monde, tu vois. Le fait est que c'est plus génial que ça en a l'air, en vrai, donc voilà. Et là, tu vas pouvoir jouer. Alors, c'est parti, vas-y. Hop là, tu peux bouger. Donc, tu vois, donc là, tu vas reconnaître un peu les mouvements de Mario que tu avais. L'agilité, de c'est ouf. Et avec, alors, une des particularités là, c'est que maintenant, avec ce stick analogique là, tu vas pouvoir diriger la caméra. Voilà. Alors ça, c'est, la caméra est libre. Ah, c'est super. Ce n'est plus l'acquis tout. Donc ça complexifie grandement les jeux. Hein. Ça, si tu n'as pas l'habitude de jouer à des jeux 3D, ça peut rendre assez fou, hein, le gestion de la caméra. C'est pas très nul, Ferdinand. Tu vois, tu as toujours la gestion précise. Je sais pas si je peux aller sur ce truc-là. Avance jusque là-bas et tu vas voir, ils vont t'engueuler parce qu'ils pensent que c'est toi qui a fait ça, je crois. Tu vois, tu peux parler aux gens, je pense. Tu vois, tu as un petit arrosoir là. Prends l'arrosoir. Hein? Hop là, voilà. Et tu vois, quand tu parles cet arrosoir-là, cet arrosoir, il a un nom. Hop là. Et c'est lui qui va t'aider à nettoyer le monde. Comment il s'appelle? Le chat doit savoir. Comment il s'appelle? Le nom de l'arrosoir, vous l'avez? Le nom de l'arrosoir, ouais. Comment il s'appelle? Jet, merci beaucoup. Jet, vous êtes trop fort. Et donc, Jet, il va prendre l'eau qu'il y a aux alentours et avec l'eau, tu vas pouvoir faire des tas de trucs. L'eau va t'aider à te propulser, va t'aider à rester en l'air. Ah oui? Ça peut te faire du jetpack, tu vois. Mario est équipé avec. Ah ouais, c'est un arrosoir. Avec un arrosoir. Un arrosoir qui tue, quoi. Un arrosoir qui tue, exactement. Donc, il t'explique, avec ZR, tu peux envoyer de l'eau. Donc, tu vois, c'est ce bouton-là. Là, t'envoies de l'eau, d'accord? Avec R, tu peux arrêter, tu vois, le tuyau, tu peux pas bouger et ensuite tirer et envoyer de l'eau à peu près partout. R, c'est exactement. C'est ce bouton-là. Tu vois, ça devient beaucoup plus compliqué, en fait. Hein. C'est abusé. X. Avec le bouton X, tu changes de mode et tu peux passer en mode décoller. Je vole, tu vois, et tu décolles. Tu vois, un peu comme Yoshi qui était capable de voler. Mais t'es limité en eau. Ça consomme de l'eau, hein, évidemment, tout ça. Donc ensuite, après, il faut, quand t'as plus d'eau, il faut remplir ton réservoir d'eau pour pouvoir faire ça. Pour aller remplir ton réservoir d'eau, tu vois, là où il y a de l'eau, et t'appuies sur R ou ZR. Et là, généralement, ton réservoir se remplit. Excellent, excellent. Voilà. Donc tu vois, c'est incroyable. Mario. Tu dis Mario, mais il va faire le Power Rush Simulator. En fait, c'est le même personnage, mais l'aventure change complètement. Exactement. Alors là, tu fais bien non, sinon on n'ira pas faire en cinématique. Et là, donc, c'est ton test. Donc, t'as DM écrit partout. Et surtout, t'as ce que tu as vu juste avant, c'est le Mario qui est dessiné juste sur la piste d'atterrissage. Faut que tu le nettoies. Voilà. Tu vois, si tu gâtes, t'entends quand ça tape. T'as un petit son qui t'indique que tu agis sur le truc. Essaye de viser le M. Appuie sur ZR en visant le M. C'est facile. Ouais, c'est pas simple. Il faut que tu tournes la caméra, c'est ça le plus dur, tu vois. Incline la caméra pour que ce soit bien devant. Ah. Voilà. Et là, vas-y, vide le truc. Vas-y, encore. Voilà. Et là, ça te donne une pièce. Ah. Ok. Donc, ça marche. Très bien. Maintenant, va à l'endroit où, voilà, au centre, tu as tout ça. Et là, tu dois nettoyer ça. C'est parti. Let's go. Allez, hop, hop. Alors, c'est un côté très satisfaisant. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup Mario Sunshine. Déjà parce qu'il y a tout un univers de créer, toute une ville créée autour. Il faut que tu ailles attaquer au centre, tu vois, c'est un peu putride. Tu sais pas trop ce qui se passe. Il faut y nettoyer. Globalement, Sam, seulement nettoyer. Si. Je nettoie là, ça, je nettoie bien là. Tu nettoies... Non, là, c'est l'étoile. Là, c'est bon, c'est clean, ça. C'est clean, là. Voilà. C'est là qui est sale. C'est tout ce qui est un peu fluorescent qui est sale. Et surtout au milieu, tu vas voir, si tu nettoies, il y a une plante piranha qui va jaillir. Sérieux? Ouais, regarde. Hop. Tu vois, elle est toute baveuse. Faut que tu la nettoies, Il faut que tu la nettoies. Et là, c'est un peu le premier ennemi que t'as. Et il faut que tu réussisses à viser dans la bouche de la plante piranha. Comment faire pour monter? Alors, pour viser dans la bouche du plante piranha, tu vas appuyer sur le bouton R, donc le bouton qui est là. Et là, tu vas diriger avec le stick analogique. Ok. Voilà, le tir, tu vois. T'as plusieurs moyens de faire. Donc, en maintenant, voilà. Je sais pas comment est-ce que c'est fait. Tu vois, là tu baisses et là tu... Voilà. C'est bon. Là t'as plus d'eau, appuie sur R et revise la plante. Voilà. Bon, trois fois, je crois que tu l'as touché trois fois. Encore un petit coup.
Ah, c'est vachement moins instinctif quand même dans le Soul Chef. Avec ce stick analogique là, tu dis. Quand tu appuies sur R, tu bouges ce stick analogique là, voilà. C'est, tu bouges le G. D'accord ? Avec ça, tu bouges la caméra, avec ça, tu bouges le G. Oh, je fais quoi là ? Tu appuies sur Start, c'est pas grave, fais B. Retour, impeccable. Là, normalement, il est mort. Et quand il est mort, voilà, tout se nettoie. Cool. Et ce qu'il a pris reprend forme. Trop bien. Et le truc, c'est de redonner un peu forme au village. Là, t'as un soleil qui apparaît et hop, tu récupères le soleil. En fait, ce qui est stylé dans Mario Sunshine, c'est que tu te balades plus dans les tableaux, tu vas te balader dans toute la ville et tout l'archipel de la ville. Il y a un parc d'attractions. C'est très différent. C'est très différent, on est d'accord. Hein. Et du coup, est-ce que tu parlais déjà de l'introduction là tout à l'heure, les gens étaient un peu surpris. Ouais. Est-ce que ce jeu, il a surpris, il a déçu ou pas ? Ouais, il a surpris. Je pense que ce jeu, moi je l'adore, mais à mon avis, il a assez mal été accueilli par les joueurs. Mais en fait, je m'en doutais, tu vois. Ouais. Parce que là, tu m'as fait découvrir tout un univers et subitement, là, ça évoluait graphiquement. Mais là, je sais pas si on dit ça, mais la jouabilité, est-ce qui était assez forte, tu vois, très addictive. Et là, maintenant, il faut tirer. Et là, c'est moins instinctif, moins tout de suite. Ouais. Ok. Et bien, Mario Sunshine a beaucoup déçu comme ça. Alors, ça reste un jeu génial avec des idées de game design extraordinaires. C'est intéressant, ça. Mais c'est vraiment, je te dis, c'est vraiment ça. Nintendo, ils sont toujours comme ça. Ils ont un truc qui marche. Ils vont pas refaire le même truc qui marche. C'est le vilain petit canard de la série. C'est un peu le vilain petit canard, c'est un peu le vilain petit canard. Mais en vrai, je vous invite vraiment à découvrir ce jeu. Il est assez, assez extraordinaire. Il est vraiment, vraiment, vraiment super bien. Alors, hop, qu'est-ce que j'ai fait ? Mais conscient que ce jeu a été mal accueilli par les joueurs, Nintendo va revoir sa copie et va lancer, je trouve, un de ses plus grands coup de génie de l'histoire avec le prochain jeu auquel on va jouer. J'aime bien ce résumé de C'est Bandicoot. C'est un excellent jeu, mais c'est un mauvais Mario. C'est un peu un mauvais Mario. Alors, faut savoir qu'il y a des phases où on trottire. Certains l'ont beaucoup aimé. On trottire le jet, d'accord, et c'est un jeu de plateforme à part entière. Hein. La richesse de gameplay est bien plus importante que dans Mario 64. Mais bon, il faut vraiment explorer le jeu de fond en comble. Et le côté réservoir qui se vide, c'est frustrant. En fait, t'es obligé d'aller rechercher de l'eau. Okay. Ça a vraiment un côté un peu frustrant. Et je pense que ça a pas mal déçu les joueurs. Mais tu vas voir après le jeu que je te montre après. Là. Toujours sur la même console. Non, là, on va passer sur la Wii. Un Mario par console maintenant. Okay. Ils ont plus le temps donc, de faire. Donc, là, c'est la GameCube. GameCube. Et maintenant, on passe sur la Wii. Tu connais la Wii. Ouais, et là, 2007. 2007, Super Mario Galaxy. La Wii, c'est celle où on jouait... Avec le Nunchuk, exactement. Ça, j'ai eu ça. Wii Sport. Bah oui, tout le monde a eu la Wii, c'était la raclette partie. C'était notre cadeau de... Quand j'ai rencontré Hélène, c'est un des premiers trucs qu'on a acheté ensemble. C'est incroyable. Et on faisait pourquoi ? Je sais pas, parce qu'on voulait faire des trucs ensemble. Enfin, notamment ça. Et je sais pas pourquoi on a eu envie de jouer à ça. Et on faisait des trucs de sport, là, je sais pas quoi. C'est exactement ce que Nintendo voulait. J'ai smashé mon lustre comme ça. En fait, tu vois, les jeux Mario Galaxy, Mario Sunshine, c'est un peu l'apogée du jeu qui se complexifie de plus en plus, tu vois. Avec la Wii, on retourne à la simplicité, on retourne à l'essentiel, on retourne au jeu canapé, accessible à tous. Et le génie de Mario Galaxy. Donc tu vois, on a vu la 3D, les mondes en 3D. On a vu les mondes avec je nettoie. Mario Galaxy va explorer un truc en 3D qui pour moi, en tant que mathématicien, me parle à mort. C'est qu'ils vont arrêter les géométries planes et les géométries en 3D classiques et passer au gameplay en géométrie sphérique. C'est-à-dire que plutôt de te balader sur des plans ou sur des trucs où la gravité est, on va dire, tout le temps vers le bas, tu vas te balader sur des sphères où la gravité est au centre de sphère. Et du coup, tu vas avoir tout un autre pan de déplacement, tout un autre pan de 3D qui s'offre à toi en changeant cette perspective. Comme si tu te baladais directement sur la planète en entier plutôt que de te balader sur, en Bretagne, tu vois. C'est hallucinant, ça change tout la perception du jeu et ça change tout en expérience de gameplay et c'est d'une satisfaction incroyable. Je t'invite à appuyer sur A et à découvrir ça. Toi-même, donc Super Mario Galaxy. Donc on est, je crois, en 2007, si je dis pas des bêtises. Prends un fichier vierge là, donc appuie sur R, voilà, et hop, dirige le truc vers. Alors je crois qu'il y a le. Ouais, c'est ça, et t'as le gyroscope. Avec la manette, tu peux diriger et comme télécommande. J'appuie sur B par exemple. Sur A, voilà, impeccable, fais OK, gyroscope. Ah, mais oui, c'est comme la Wii en fait. Oui, c'est mais celle-là, elle a ouais, elle a un gyroscope aussi, bien sûr. Oh. Choisis une icône, on s'en fout. Bah, faisons, quel est ton perso préféré ? Un classique, hein. C'est parti, ok. Bien sûr que je suis sûr. Excellent. Et c'est parti. Donc là, évidemment, ils vont mettre une petite histoire en place.
Voilà, jouer avec ce fichier. Okay. C'est plus beau aussi, hein. Tu vas voir, c'est vraiment très beau. 2007, je crois. 2007. Cette année-là, au-dessus du rayon champignon, apparaît une comète qui couvrit le firmament. Donc ça, ça rappelle un peu le côté pastel de Super Mario World 2, justement. Cette comète qui revient tous les 100 ans, tombe à une pluie. Oui, une copine étoile. Oh, trop mignon. Des Toads ramenèrent ses étoiles, l'étoile au château, et se transformèrent en super étoiles. Eh oui. C'est joli. Ah oui, il faut économiser dans la vie. Cela aurait dû être une grande joie pour les habitants du rayon champignon. Et là, on sent arriver un mai. Ouais, évidemment, il y en a toujours. C'est la nuit du festival des étoiles qui se tient tous les 100 ans lors de la comète. Let's go. Oh. Elle t'attend au château ce soir. C'est trop bien. Trop chaud. Allez, c'est parti. Tu vois, il se fait une joie. Hein. Il est content, hein. Allez, là, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de... Vas-y. Faut y aller. Ah ouais, t'es libre, vas-y. Il y a des trucs à éviter ou pas, non? Il n'y a rien à éviter, ça, c'est... Tout ça, c'est des bonus. Ah, c'est... Ça, c'est pour kiffer. Regarde la Voie lactée, là, l'aurore boréale, tous les petits éclats. Regarde la richesse des graphismes. Il y a des étoiles qui partent de partout, il y a plein de Toads qui parlent, qui discutent. Tu peux sauter, ouais, je pense que le bouton A te fait sauter, voilà, tu vois. C'est comme Mario 64, en plus beau, quelque part. C'est très beau. Te fait sauter. T'arrives ici, et bon, évidemment, il va jamais se passer, se passer ce qui doit se passer. Hein. C'est toujours comme ça. Hein. Ah, génial. Donc là, cinématique, tu vois, t'as les bandes noires. Ça, c'est pas fait avec le moteur du jeu, c'est du pré-calculé. Et bon, ça donne un petit côté scénario aussi au jeu. C'est sympa, hein. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Tu vois, donc Bowser arrive avec toute sa flotte de bateaux volants. Et bon, bah, globalement, un peu comme tous les dictateurs, hein, il rase tous en sommation. Et il va aller capturer encore une fois. Oh. Ah bah c'est ça, hein, c'est sa vie, hein, c'est sa raison d'être hein, quelque part. Donc on entend toujours les musiques bien. L'OST de ce jeu est incroyable, plus de 80 de musique. Koji Kondo encore, hein, vraiment sur la fin de vie de sa carrière. Je pense qu'il a conduit l'un de ses meilleurs OST ever. Qu'est-ce qu'une OST ? Original soundtrack, pardon. Okay, pardon. Excuse-moi. Et donc c'est l'ensemble des musiques du jeu, d'accord ? Ça comprend pas les sons, d'accord, et les effets sonores. C'est une autre personne qui se charge de ça quand tu crées les jeux vidéo. Créer les sons, créer les trucs. Voilà. Lui, il veut lui offrir une nouvelle galaxie. Elle a pas l'air très enjouée. Tu vois, elle a trouvé un petit nouveau personnage, c'est un petit Booma. Un nouveau personnage dans l'histoire de Mario. Donc voilà, Bowser utilise ses pouvoirs, évidemment, pour apporter le chaos. Soucoupe volante ! Excellent. Ouais, mais on est où là ? C'est bizarre. Bon, ça, Independence Day est passé par là. Ils ont adoré Independence Day hein, au Japon, il faut savoir. Vite, va sauver Peach ! Je vais où ? Il faut aller la sauver ! Elle est où ? Mais, au château ! Je sais pas où elle est, à gauche ? Gauche, droite ! Je pense qu'il n'y a qu'un chemin. Non ? Je pense qu'il n'y a qu'un seul chemin. C'est parti ! Par là ? Ouais. La princesse est à l'intérieur, bah voilà, on voit. Tu reconnais de toute façon, c'est la cour comme dans Mario 64, hein, c'est la cour du château de. Allez, tu vois. La princesse est juste là, nous dit-on. On rappelle que les Toads ne font rien, c'est censé être sa garde rapprochée. Je peux peut-être couper. Ouais. Je coupe. À l'aide ! Oh là 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 ! Au secours ! Voilà, et là, comme Mario 64, t'arrives sur le petit pont du château. Et là, évidemment, t'arrives trop tard. Hein. Parce que sinon, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de jeu. Soucoupe volante, mais où est-ce qu'il a trouvé ça, Bowser ? Où est-ce que ça peut bien venir ? Oh, c'est magnifique, là. Ah, c'est beau. Mais c'est que la soucoupe volante, elle est un peu anachronique, là. Ouais. Y'a rien à foutre, là. Hop là! Oh, le petit découpage laser! La découpe au laser, hein. Ça permet de retrouver la vue, mais ça permet aussi de voler des châteaux. Ah, et la musique là! Ah, oh, Mario, non! Hop là! S'embête même plus maintenant, il vole le château en entier. J'adore! Toujours plus! Imagine la réunion! Et si on volait tout le château? Non, bah si, on met une soucoupe volante qui découpe au laser et qui met des chaînes et on l'emmène. Bah non, arrête, c'est trop là. C'est un jeu vidéo. On va le faire. C'est un jeu vidéo. Et l'OST est incroyable. Incroyable. Et d'ailleurs, elle est disponible donc, dans la compilation Super Mario 3D All-Stars sur laquelle on joue ici. Vous pouvez aussi écouter les musiques de Mario 64, de Mario Sunshine et de Mario Galaxy. Voilà, ça s'envole. Incroyable. Et donc, c'est ça. Et là, tu vois la planète, tu vois le monde dans lequel tu es, et tu vas dans l'espace. Mario devient un space opéra. Mais
comment on peut passer des égouts en space? Parce que c'est Mario. C'est génial. Il fait ce qu'il veut, d'accord? C'est pour le jeu vidéo. Tout ça n'est que prétexte à jouer, en fait. Et dans l'espace, évidemment, bah, la gravité n'est pas la même. Et ils vont beaucoup jouer là-dessus, tu vois, en changeant les gravités, en changeant où est justement l'axe de gravité. Et ça va énormément participer au gameplay. Tout ça, c'est vraiment un prétexte pour réinventer le gameplay c'est de top, Mario. C'est top. Pour jamais faire le même jeu, c'est pour ce que jamais tu disais tout à l'heure. Le même jeu, exactement. C'est toujours ça l'idée. Et c'est compliqué hein, au fur et à mesure du temps d'essayer de renouveler la licence. Mais Super Mario a toujours voulu faire un jeu différent à chaque fois. Et ils sont vraiment arrivés. Et donc là, tu vas avoir le mode tuto et on va voir si tu passes ça. Et tu vas avoir tout ce que je t'expliquais sur les fameuses géométries sphériques. Le Luma va t'expliquer. Et tu vas voir que tu ne vas plus bouger du coup dans un plan, mais tu vois, tu vas bouger dans une sphère. Et je ne sais pas si tu es au courant, mais dans une sphère, quand tu es sur une sphère, les distances les plus courtes pour aller d'un point A à un point B, ce n'est pas la ligne droite, tu vois. C'est ce qu'on appelle les géodésiques, donc c'est des distances un peu courbes. Tu sais, quand tu prends l'avion pour aller d'un pays à un autre, l'avion ne va jamais tout droit. On voit ça, ouais. Tu vois, il fait des courbes comme ça parce que c'est vraiment les distances les plus courtes qui lui permettent de consommer le moins de carburant possible. Ben ça va te servir beaucoup à te déplacer justement dans ce monde et sans rester univers. Et quoi de mieux qu'un petit lapin à aller attraper pour illustrer tout ça? Donc le but est d'attraper le lapin, donc ça c'est quelque chose que Nintendo a beaucoup utilisé dans ses jeux. Quand ils établissent un moteur graphique, souvent ils créent un lapin, ils le font bouger dessus et ils essayent de faire bouger Mario et d'attraper le lapin. Donc là ton but c'est d'attraper le lapin, tu vois, donc ils t'expliquent, tu sautes en appuyant sur B, voilà tu suis le lapin. Et t'as vu, tu marches sur une sphère. J'adore. Et donc, alors ça, c'est une fable connue. Sur la Lune, il y a des lapins. Faut le savoir. Hein. Okay. Au Japon, c'est comme ça. La Lune est habitée par des lapins. Et là, c'est cache-cache. Ouais, oh. Exactement. Donc là, faut les trouver. Oh. Donc, vas-y. Et t'as vu, donc, rien n'est plan. T'as vraiment l'impression d'être sur la Lune, sur une mini-planète. Si tu connais un peu Dragon Ball, la planète de Kaio. Et tu peux voir quelque chose d'intéressant. Voilà, quand tu vas là, hop, là, tu vas traverser la gravité et arriver de l'autre côté. Ça, moi, j'ai vu ça, j'étais estomaqué. C'est fou. À l'époque, j'étais estomaqué. Regarde, c'est à l'envers, et pourtant, t'as aucun mal à te déplacer. C'est ça qui est juste ouf. Alors, évidemment, tu retrouveras un peu tous les trucs. Il y a des tuyaux dans lesquels tu peux descendre. Tu vois, tu peux sauter, mais c'est quand même assez instinctif de sauter, de te déplacer. Tu vois, regarde, tu peux sauter sur le tuyau. Et si t'appuies sur, voilà, sur Del, tu tombes dans le tuyau. Hop là. Et là, hop, t'as trouvé un lapin. Ah, je m'en doutais. Faut que tu trouves. C'est quoi ce truc là? C'est des petits éclats de lune. Là, j'ai déjà fait ce truc-là vert, là. Ouais, c'est de là d'où tu sors. Essaye de monter sur la maison, t'as vu, tu peux monter sur la maison aussi. Tu réussis à trouver tous les lapins, alors je crois qu'il y en a cachés dans les fourrés, dans les plantes, etc., etc. Faut réussir à trouver ça. Hop là, est-ce qu'il y en a là? Non. Ici non plus. Derrière, peut-être sur le lac, là. Il y a un petit lac. Je suis sûr qu'il y avait un lapin, là, sur le lac, non? Pas de lapin sur le lac. On va aller chercher un peu à droite, à gauche. Ah ah, là c'est sûr. Note que tu peux aussi, il me semble, faire une toupie. Ah voilà, trouver un lapin. On va trouver un deuxième. Ah, faut l'attraper maintenant. Faut attraper. Vite. Ah, courir après le lapin, sauter dessus. Oh. Je crois qu'avec le bouton Y, tu peux pas te taper avec un bouton. Là, t'as ça. Ah, tu peux pas taper encore. Bien joué, ouais, il y a la toupie. Tu l'as attrapé, GG. Ça fait deux. Donc là, c'est le transformant Luma. Il aurait dû se cacher dans un trou. J'adore. Voilà. Et là, il faut chercher les lapins qui sont dans les trous. Donc sûrement trou. Il y en a encore deux. Encore deux à trouver. Impeccable. Trou. Là, il y a un trou. Voilà. Le lapin est sorti. On te remet là. Impeccable. Là, il faut rattraper le deuxième lapin. Celui, le lapin blanc, hein, c'est comme Alice. Ah, c'est ouf, comment est-ce que tu tiens le stick? Alors normalement, tu peux prendre la manette vraiment comme ça. Un pouce là, ouais. D'accord. Et ensuite, après, tu vois, t'as tous les boutons ici pour bouger. Ah oui, je... Et ensuite, tu bouges ce pouce-là jusqu'à ici pour sauter, d'accord, d'accord. Et normalement, avec ça, tu peux à la fois bouger la caméra et bouger. Là. Vraiment en étant accroché. J'ai perdu mon lapin. Ouais, mais je pense qu'il est indiqué par la lumière. Voilà, c'est ça. Tu vois, la lumière t'indique où il est. Allez, chope le lapin, chope. Faut sauter dessus ou pas? Non, normalement, il faut juste réussir à courir jusqu'à ce que tu le touches. Et dès que tu le touches, c'est un peu chiant parce qu'il change de direction évidemment tout le temps. Voilà, normalement c'est bon. Voilà, gagné. Impeccable. Ça fait 3. Il va te donner l'emplacement de l'autre. Tu m'as attrapé. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Hop là, il se transforme en petit Luma. Impeccable. Zut, j'aurais dû me cacher dans un trou. Bon, c'est un trou. Ok, allez, il faut retrouver maintenant l'endroit où se trouve le dernier lapin. Un trou.
Ça, c'était pas un trou. Ça, c'est pas un trou, c'est des cratères de lune. Trou. Vas-y, ici. Bien joué, il est là-bas. Il est au fond, là. Il est au fond, il n'y a plus qu'à le choper. Nickel. Voilà, tu commences à prendre un peu d'expérience. Voilà, tu anticipes le fait qu'il tourne. Nickel. Faut tourner avant lui. Tourne avant lui. Voilà, impeccable. Il va changer de direction. Bouge-le à... Voilà, tu l'as épuisé bien. Bien vu. Ouais. Quel dommage, Madame Chombier. Incroyable. Et voilà, le Moala, il va te permettre d'aller sur une autre planète. Et là, tu vas pouvoir te balader de planète en planète. Un peu. Tu devrais certainement aller voir maman, te dit-il. Donc je t'invite à aller rejoindre cette tour incroyable qui est au centre de la planète. Regarde comme ça brille, regarde comme c'est beau. Vas-y, monte, escalade tout ça. Bon, désolé de t'avoir fait venir ici si soudainement. Hein. Trouvons un astre qui relie la Terre à l'espace. Nous appelons le portail céleste. Vas-y, hop. Vas-y, monte, tu peux monter. Tu vois, la caméra se positionne généralement exactement où il faut. Saut. Hop là. Saute encore, saute encore. Là, ça, c'est pour te montrer que tu peux sauter et arriver jusqu'ici. Oh, et là, regarde. Je l'ai retrouvé. Eh oui. Et tu trouves un des personnages les plus populaires d'histoire de Mario, qui est Harmony, qui est la princesse céleste. Mmh. On va dire qu'elle va remplacer un peu Peach. Mais il y a des histoires bizarres, comme quoi peut-être Harmony serait l'enfant de Peach et Mario du futur, et que là, en fait, ce serait une image d'elle du futur, et que tu as voyagé dans le temps. C'est avec ces histoires de relativité, d'espace-temps, quand t'es dans l'espace, on sait jamais. Peut-être que Mario a voyagé dans le temps, il y a tout ça. Ouais, le multivers, exactement, le multivers. Là, il y a Uma, voilà, il confie l'Uma, donc lui, il va bien t'aider. Et généralement, il crée des petits portails. Et grâce à ces petits portails, voilà. Voilà, grâce à ça, tu vas pouvoir, hop, faire la toupie. Donc maintenant, en appuyant sur Y, tu peux tournoyer. Alors ça, c'est super utile, tu vas pouvoir attaquer les ennemis grâce à ça. Ton nouveau pouvoir. Et tu gagnes des pouvoirs. À l'aide du Uma, tu vas devoir sauver les amis qui ont des étoiles. Donc là, après, c'est pareil, on reprend le principe de Mario 64, où là, c'est des étoiles que tu dois aller trouver dans les niveaux. Tu peux refaire les niveaux, il y a des missions à faire avec tout un tas de types d'étoiles. Il y a plein de niveaux dans le jeu. Et tous les niveaux sont basés sur la géométrie sphérique. Donc là, on te dit, avec ton nouveau pouvoir, tu peux casser les cristaux. Donc voilà, donc l'idée, c'est... Avec le Y. Ouais, avec le Y. C'est exact. Tu vas près du cristal et tu bourres Y. Et ça va casser le cristal. Bien joué, encore, vas-y, bien joué. Là, tu peux sauter dans ça, et tu vas voir, alors ça, c'est un truc génial. C'est grâce à J'adore. Ça, tu vas pouvoir te déplacer de planète en planète. Bah, t'as plus qu'à sauter dedans et appuyer sur Y. Voilà, tu vois, ça fait partie des moments où commencer à tout expliquer. Vas-y, appuie sur Y une fois que t'es dedans, saute dedans, et appuie sur Y, et là, paf! Et regarde Mario. Oh oh! Et là, arrive sur une autre planète. Et donc tu vois là, au cœur de la planète, t'as un centre gravitationnel qui t'indique que la gravité, c'est elle. Donc tout va faire en sorte de t'attirer vers le noyau noir qu'il y a de cette planète. Et il faut éviter évidemment de tomber dans les trous. Ah oui. Et ça permet de recréer des trous logiques dans des environnements qui sont sphériques, permettant ainsi de complètement changer la jouabilité de Mario. Et de ne plus du tout faire du Mario 64. Là, il faut que j'évite le... Faut t'éviter de tomber dans les trous, il faut que tu l'attrapes tous les morceaux d'étoiles, il y a des fragments d'étoiles cachés. Maintenant, tu sais que tu peux taper, tu peux te déplacer librement, détruire les cristaux. La musique est incroyable. Ah, oui, là, il y en a un. Morceau d'étoiles, bien sûr. Là, on en a un, il en faut 50. Attention, Goomba, tu peux le taper aussi. Ah oui. Tu vois, en tapant, en faisant vrille. Parfait. T'as une vie là-haut. Tiens, le petit champignon vert, c'est une vie. Si t'es capable de sauter jusque là-haut, tu peux récupérer la vie. Alors, sache que t'as un double saut, donc il fait saut, normalement. Hop. Attends. C'est un peu dur. Saut. Ouais, saut, puis re-saut directement. Tu peux faire double saut. Il ne faut pas que tu touches la bordure. Ah, c'est un peu dur. Ah, voilà, oui. Bien joué, nickel. Wow. Une vie gagnée. Tu as vu, tu as un petit fragment d'étoile juste en dessous. Oh, bien vu. Putain, t'as... Alors, faut vraiment deux. Pas tomber dans les trous. Tu es à deux, impeccable. Là, j'en vois deux autres. Deux. Attention à ne pas tomber. Trois. Nickel. Il faut sauter pour passer ça. Impeccable. Et un troisième au fond. Attention. Là, tu le vois. Ouais. Oula. Il y a des comètes qui tombent. Ouh, ouais. Donc t'as tombé comète. Bien joué. Et c'est parti. On va dans une autre planète. Let's go. Donc je vais. Tu vas là, sur l'étoile. Sur le truc là. Exactement. Je saute. Saute sur l'étoile et t'appuies sur tournoyer. Incroyable. Saute. Tchac. Et tournoyer. Paf. C'est génial. Et tu as vu. Et là tu as encore. Encore une sphère. Et tu te retrouves encore sur une sphère. Et là faut trouver un moyen de sortir de là. Donc là.
Tu peux pas voir l'ensemble, t'es obligé de parcourir la planète en tournant tout autour. Il faut que je trouve les morceaux d'étoiles, hein, toujours. Il faut que tu trouves, faut que t'arrives à libérer lui, tu vois. Il est en prison, et il dit il doit y avoir une clé. Il doit avoir la clé, voilà, faut sauver la clé. Ouais, faut que tu tues un ennemi, il a la clé. Ah, il est trop bien, hein. Il est incroyable dans le film Super Mario, j'avoue. Qui le Luma. Il y a des petits Luma comme ça qui sont dans le film. Ils sont dans une... Alors c'est pas lui, continuez, peut-être lui. Ah, trop tôt. Ah, vas-y, quoi. Encore. Vas-y. Bien joué. Tape-le. Fonce-lui dessus. Allez, retourne et fonce-lui dessus. Ah oui, complètement. Bien joué, t'as la clé. La clé. Récupération. Luma est là, incroyable. Le Luma va très probablement s'en sortir dans le téléporteur. Ouais, les pièces te redonnent de l'énergie, c'est comme dans Mario 64, voilà, tu vois. Mais bien vu. Et t'as vu, donc t'as des petits Goombas et t'as des gros Goombas. Le gros Goomba, quand tu le tapes, il se met sur le dos, il faut lui donner un coup de pied comme ça pour le dégager. Là, il faut que je trouve... Merci, ouais. Et là, c'est pareil, il va t'emmener vers une autre planète. J'adore. À chaque fois. C'est abusé, c'est... Franchement, ce jeu, je l'adore. Transformation. Voilà, Henshin. Ah bah c'est ça. Ouais. Donc je saute. Et tu fais vriller. T'as juste à vriller, normalement c'est bon. Pouf. Et te revoilà. C'est tu vois génial. En fait, dès que t'approches d'une planète, tu es attiré par sa gravité et tu as immédiatement collé à elle, tu vois. Et en fonction de la taille des planètes, la gravité est plus ou moins grande et t'es plus ou moins attiré par cette dernière. Comme, comme si tu avais un système solaire complet, réduit, et dans lequel Mario se baladait dedans. Ouais. Tu vois l'idée... En vrai ça a l'air débile comme ça, mais personne n'a pensé à ça avant. En tout cas, personne n'a réussi à faire jouer sur des géométries comme ça, de façon aussi fluide et instinctive, tu vois. Là, tu peux aller le shooter, t'as compris maintenant comment ça fonctionne. C'est une bêtise. Bien joué. En fait, quand tu tapes ces trucs-là, tu vas changer l'ordre des prises. Et tu vois, là, les prises électriques, faut pas prendre prendre l'électricité, juste tu te fais pas toucher par l'électricité, c'est bon. C'est un morceau d'électricité qui balade. Je peux pas m'empêcher de tourner la tête quand on joue à ce jeu. Moi aussi, regarde. Et tu vois, t'as un immense Goomba. Il faut aller l'embrouiller, hein, globalement. Oui, oui. Ouais. Où j'y vais. Vas-y. Hop là, et tape-lui dedans. Bien joué. Voilà. Récupération de la clé encore. Ouais. Et maintenant, tu dois aller. Au pôle sud, tu vois, pôle nord, pôle sud. Donc là, je vais trouver. Il faut que je. Ouais. Je trouve le truc qui m'envoie là. Ouais, bah il est pôle sud, donc il est en bas de la planète. Oula, t'as évité. Là, tu vois, tu tournes autour de l'équateur. Faut que tu essayes de descendre. Voilà, descends. Normalement, tu devrais trouver. Oui, ça fait tourner la tête, hein, c'est normal. Mais si tu continues plus bas, normalement, tu devrais trouver l'endroit. Voilà, il est là. C'est ça? Je crois que c'est ça. Ou à côté? J'essaye, je saute et je fais Irai. Hop là. Non, ça fait juste vibrer les choses. Donc c'est pas ici. Ah, je pense qu'il faut que tu remontes, t'as du... Le parcours à la planète, de toute façon, tu vas vite tomber dessus. Hein. Il est sur un des équateurs. Oh, il est sur un des pôles, pardon. Au-dessus. Ah voilà, le petit Luma est là. Impeccable. C'est vrai qu'on était passé à côté en fait. Naveugle. Merci les amis sur l'intérieur. Oui. Oh, lui, hé hey. Bah, dis donc, visiblement. Ouais. Voilà. Tu mets ton argent. Go là-dedans. Là. C'est parti. Et là, tu vas à l'intérieur. Et là, on inverse la géométrie, t'es plus à l'extérieur, mais t'es à l'intérieur. Du coup, la gravité colle vers l'extérieur et tu dois te déplacer dans cette zone-là, dans cette sphère fermée. Incroyable. Et on joue comme ça, on joue avec les environnements, on joue avec les formes, on joue avec la gravité et on crée des nouveaux niveaux. Et c'est comme ça tout le jeu, et le jeu, il est infini. Allez, on va voir si tu sais te débrouiller maintenant avec la gravité inversée, donc on va voir. Tu dois te déplacer là-dedans. Dans cette sphère à l'intérieur, et tu dois aller passer tous les obstacles pour aller trouver ça. Note que c'est un Goomba, tu peux toujours lui sauter dessus, lui, hein, même si c'est possible. Ah oui? Essaye de trouver. Oh, ouais, je pense qu'ils sont sautables. Donc le but, c'est d'aller taper voilà, toutes ces zones-là. Dès que tu marches sur une petite zone ici, le panneau devient bleu. Il faut que tu transformes tous les panneaux en panneaux bleus. Par contre, tu te fais embrouiller sévère. Non! Oh non! Ah, tu tapes trop. Oh, loin. J'ai voulu faire trop le malin! C'est pas grave. Je pense que tu vas réapparaître ici. Oh, je pourrais recommencer. Ce serait bien. Ouais. Alors, le truc bleu. Alors, je sais pas si t'as vu, il y a beaucoup d'interrupteurs jaunes ici. Faut que tu passes une fois sur tous les interrupteurs. Ah, jaunes. Une fois, j'ai compris. Comme ça, t'arrêteras la machine. Si je repasse dessus, ça devient jaune. Ça redevient jaune, exactement. Okay. Si ça continue, voilà. Bon, lui, il t'explique que la machine va aspirer l'étoile. Il est très inquiet. Toi, t'es Mario, tu dois tout sauver. C'est parti. Ouais, ça c'est le saut, c'est parti. Allez, let's go. C'est pas vrai, je suis débile. N'oublie pas de sauter, hein. Tu peux sauter pour attraper les pièces. Hein. Tu vois, t'as des pièces en hauteur.
Si tu sautes, tu les attrapes. Et comme ça, tu regagnes de la vie. Après, tu retournes au départ. N'hésite pas, voilà, à venir ici. Tu sautes pour les pièces. Ah. Hop, tu peux monter d'ailleurs, voilà, là-dessus. Une. Allez, passe sur les interrupteurs. Faut vraiment passer sur les interrupteurs. C'est pas facile, faut attendre que les prises de courant sautent. Allez, premier interrupteur, voilà. Passe dessus, c'est bon. Alors maintenant, lui, il est appuyé. Maintenant, faut faire tous les autres. Lui, impeccable. Je te dis de marcher vraiment sur tous les panneaux. Vas-y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Allez, il y en a encore au centre. Maintenant, il faut que tu ailles faire tous ceux qui sont au centre de la sphère. Tu vois, il y en a un jaune en haut, là. Il faut que tu ailles le toucher. Donc, tu montes. Monte, n'hésite pas à sauter. Tu vois un Goomba, saute. Ah, tu appuies dedans. Ça ne tournera pas sur un interrupteur. Tu vois ici. Attends que la prise passe. Attends, tu as le temps. Va passer. Voilà, va sur l'interrupteur. Impeccable. Bien joué. Le saut. Ensuite, on continue sur cette bande. Tu vois, si tu retournes sur cette bande, tu vois, il y en a un autre ici, interrupteur jaune. Saute là, tu peux sauter dessus. T'as rien à craindre à sauter oui. Sur ces plateformes là. Parfait, t'as appuyé dessus, impeccable. Et on a encore un autre un peu plus haut. Là par là? Ouais, plus haut. Vas-y, continue comme ça, continue. Et là, il y en a un autre jaune là. Tu vois, appuie dessus. Voilà, il y en a en plus à tous. GG. Yes. Nickel. Tu peux récupérer la super étoile. Tu vois, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus rien. T'as plus rien à craindre. Hop là! Et voilà, on va passer le monde 1-1 de Super Mario Galaxy. 2007. Voilà. Alors ce jeu aura une suite, Super Mario Galaxy 2, qui a été produit avec les chutes de Super Mario Galaxy. Il faut savoir que quand ils font des jeux vidéo, ils ont plein d'idées. Incroyable. Les développeurs, ils ont plein d'idées. Mais ils ne peuvent pas tout implémenter dans les jeux. Manque de temps, pas l'idée finalisée. Et souvent, quand ils mettent plein d'idées comme ça, ils réutilisent ces idées et font d'autres jeux avec. C'est comme ça qu'on a Super Mario Galaxy 2 qui sortira aussi sur Wii quelques années plus tard. Et c'est comme ça qu'on a eu des suites à Zelda, notamment, avec des idées qui étaient avant ici. Et là, tu retrouves un hub central, comme le château de Peach, et tu pourras aller dans Super Mario plein de temps. Quelle même question que sur celui de tout à l'heure. Ouais. On est là, à chaque fois, c'est... Le gameplay change quand même beaucoup, ouais, là, beaucoup. L'histoire des sphères, ouais, et tout. Ouais. Et du coup, quel est l'accueil qui est... Le succès, il est énorme. Il est énorme. Déjà parce que la Wii est un succès énorme. Il faut savoir que le GameCube, c'est la console Nintendo qui a le plus bidé de l'histoire. Ah ouais, en fait, oui. Parce que à la même époque, sortait la PlayStation 2. Franchement, les jeunes, ils en avaient que pour la PlayStation. D'accord, okay. Voilà. Et pour GameCube, ça a été un peu compliqué de se faire une place parce que cette dernière sortait avec des mini-DVD. Très difficile à pirater. Et en fait, ce qui a beaucoup participé aussi au succès de la PlayStation 2, c'est son lecteur DVD intégré. C'était la console de jeu qui proposait le lecteur DVD le moins cher. Pour tous les cinéphiles, en fait, plutôt que d'acheter un lecteur DVD, ils achetaient une PlayStation 2 parce qu'ils avaient une console de jeu surpuissante. C'est génial. Avec. PlayStation 2 a été un carton. C'est une des consoles les plus vendues. Et puis, Sony, donc ils savaient faire ça. Sony savait faire. Bah, le DVD, ça leur appartient. Ouais. Hein. C'est eux qui ont apporté leur système en plus à l'époque. Et malheureusement, pour GameCube, il n'y avait pas de place. En sortant la Wii, ils ont complètement changé de stratégie. La GameCube était la dernière console vraiment très technologique de chez Nintendo. La Wii, c'est littéralement tout le contraire. C'est une console qui n'est pas technologique du tout. Comparée à la PlayStation 3, qui est un peu sortie à la même époque, elle est à la ramasse complète. Ah ouais ? Mais par contre, c'est une console qui est extrêmement instinctive et extrêmement tue. Globalement, une Wii... C'est deux GameCube posés l'une sur l'autre. C'est juste ça. Donc pour eux, c'était très facile à faire. Ça coûtait rien du tout. Ils te vendaient le truc, là, le gyroscope, comme quelque chose de révolutionnaire. C'était une technologie éprouvée depuis 15 ans qui coûtait que dalle. Moi, ça me semblait révolutionnaire. Voilà. Ça coûtait que dalle. C'est les pires escrocs. Et l'idée, c'est un peu comme Apple, de prendre un truc que l'on connaît super bien et d'en faire quelque chose d'intéressant et surtout de bien fini. Et là, oui, c'est exactement ça. Le Joy-Con, les gameplays gyroscopiques, etc. Ils les ont pris, ils ont fait quelque chose de bien fait. Et avec Mario Galaxy, il y a eu un gros succès, ça, parce que la Wii s'est vendue comme des pelles. Même toi, t'en as acheté une, alors ouais, que ouais. Tu ne jouais plus à des jeux non, vidéo, tu non, vois. Non. Voilà. Et Mario Galaxy a été un succès. Et après ça, bon, ils ont sorti la Wii U qui a bidé. Et puis après, ils ont sorti la Switch qui a été, pareil, un succès incroyable. Parce que, encore une fois, ce n'est pas un monstre technologique. Hein, Parce que la Switch, hein. La console d'après, ouais. La Wii Après la Wii U. Mais c'est vrai que la, ouais. Wii, U, okay. La Wii U. Et Wii U, la Wii U, c'est une Wii en HD, en gros. D'accord, hein, ok. Ça. Wii U. Wii U, Switch. Et Switch. La Switch qui a
La Switch, c'est un de leurs plus gros succès ever. Ah bah oui. Ouais. Elle est en passe de dépasser, je crois qu'elle a dépassé la Wii déjà. Oui, je crois, parce que ça, je l'ai lu récemment, chez Nintendo. La seule console qu'elle n'a pas dépassée, c'est la DS. C'est la console la plus vendue. C'est la DS qui est encore la plus vendue, la Nintendo DS. D'accord. Ah bon, c'est vrai. La Nintendo DS, elle est vraiment loin. Mais bon, la Nintendo DS, c'est pas une console qui coûte 300 euros, elle coûtait beaucoup moins cher. Et c'était à une époque où il n'y avait pas les téléphones portables, hein, tu vois. Donc, Nintendo DS, on est là à 154 millions. Ah ouais. Nintendo Switch, 122 millions. Mais elle n'a pas fini sa vie encore, la Switch. Hein. Elle a encore une année devant elle, avec Zelda Breath of the Wild, en plus, qui est sorti, qui vend des consoles comme des pelles. Donc ouais, incroyable, la Switch c'est la deuxième console Nintendo le plus vendue. Et on sait déjà, on a déjà des pistes sur ce qui va la remplacer, ou c'est un secret super bien gardé, on n'a aucune idée. On n'a aucune idée. C'est génial. On n'a aucune idée. Ça fuite pas, il n'y a pas des mecs en interne à un moment, Je peux te dire, tu vois que la concurrence se soudoie, ou des médias, si je suis là, parce c'est... que tout le monde a envie de savoir. J'ai une émission qui est consacrée à l'actualité Nintendo, hein, toutes les semaines, les Nintendo, et je parle de l'actu Nintendo, et on essaye d'aller fouiller toutes les rumeurs, tous les trucs. Franchement, on a on sait pas. Ah, c'est génial. Il y a deux solutions. Soit ils font une Switch 2, mais ça ressemble pas à Nintendo. Nintendo, ils sortent toujours une console avec un gimmick qu'ils essayent d'éprouver. Bah là, c'est ce qu'on a vu. À chaque fois, ça change quand même. Exactement. Toutes les consoles changent. Ils ont apporté les sticks analogiques, ils ont apporté le gyroscope, ils ont apporté tout dans les jeux. Le truc, c'est qu'on a l'impression que la Switch est un peu l'évolution finale de leur console. En fait, la Switch regroupe tout. Elle regroupe les sticks analogiques, la portabilité qu'ils avaient, le côté familial, le côté gyroscope. Gyroscope, exactement, qui est à l'intérieur, la totalité des boutons, la totalité de leur ludothèque avec une Nintendo Switch Online. En fait, elle regroupe tout. C'est une console Nintendo tout en un. Comment faire mieux? Comment faire mieux? C'est une question fascinante, je trouve. Ouais. C'est une question, à mon avis, qui doit leur arracher les cheveux. Le graphique, là, en fait, tu vois, c'est quand même une saga, une success story, ce que tu m'as raconté ce soir de Nintendo. Là. Et donc, d'imaginer le next step en se disant, mais comment on fait, aussi bien ne pas décevoir. J'adore ça, c'est fascinant quand même de voir. À l'idée, c'est qu'on peut toujours augmenter la puissance des machines, tu vois. Mais le truc, c'est que Nintendo a un objectif, c'est qu'ils veulent aujourd'hui, depuis la Wii, ils veulent rester sur des consoles familiales, des consoles qu'on peut mettre dans les mains de tout le monde, des consoles qui sont accessibles. Des consoles à 550 euros, ce n'est pas des consoles accessibles, d'accord ? Des consoles Dire que Nintendo, un des éléments de leur politique, c'est notamment le prix ? Ouais, c'est important c'est pour le eux. Prix. Et un autre élément, c'est qu'eux, ils veulent faire de la marge sur tout ce qu'ils vendent. Donc, il faut que le prix soit attractif et il faut qu'ils marchent dessus. Tu comprends bien qu'avec des contraintes comme ça, tu ne peux pas faire des machines puissantes. Okay. Tu dois utiliser des technologies daté. D'accord, je comprends. Dans l'univers tech. Ah. C'est pour ça, il faut utiliser des technologies datées, mais il faut quand même qu'il y ait un effet wow, il faut quand même qu'il y ait un truc, il faut surprendre. Tout ce qui m'est arrivé à chaque nouveau jeu que tu as montré, quoi. Exactement, voilà. Alors, quel jeu t'as préféré dans tout ça? Si on retient. C'est marrant, c'est parce que. Alors, je vais dire une bêtise, mais plus tu m'as fait progresser dans le temps, plus visuellement j'en ai pris plein les yeux, mais en termes de. Le côté addictif du jeu. C'est sur les premiers. Sur les premiers. C'est bizarre, non? Le côté immédiat. Oui, le côté. On joue tout seul. Parce que moi, comme ma dextérité est assez faible, en fait, le côté simple des premiers. De la deux dimensions. Ouais, en fait, du coup, le truc à faire est immédiat, est évident, même s'il n'est pas facile d'ailleurs. Mais au moins, je sais ce que je dois faire. Alors que plus on avance et plus il faut s'interroger. Puis surtout, il y a un truc qui m'a un peu frustré, c'est que j'ai l'impression que plus on avance, plus il y a des moments de pause, d'attente. Où il faut écouter. Écouter cet homme. Mais en fait, ça m'a un peu saoulé, en fait. Moi, j'avais envie de jouer. On a tous envie de jouer, exactement. Et alors, c'est exactement ça. Mais je pense que je ne dois pas être le seul à l'exprimer. Alors pourquoi il y a tous ces trucs-là? C'est sympa, ces petites pauses. Parce que le grand public, ils aiment bien un peu de cinématique, un peu de cinéma. Vous en pensez quoi, vous? On est à l'époque du cinéma, Samuel. Donc il faut faire du cinéma, il faut répondre un peu aux standards. Mais ils vont t'écouter et c'est vrai. On me dit que je suis old school, un peu old school. Un peu old school. Mais on me dit que j'ai un peu raison. Mais le côté instantané, le côté cinéma, c'est bien aussi parce que ça fait rentrer le jeu vidéo dans une autre sphère. Oui, il y a des gens qui me disent j'aime beaucoup les cinématiques, vive la cinématique. Oui, c'est le côté un peu spectacle aussi. Oui, je comprends. Oui, c'est ça, il y a du spectacle, tu vois, ça donne du spectacle. Après, c'est vrai que le côté instantané, le côté tu joues, c'est ça l'essence même du jeu vidéo. C'est ça que tu veux retrouver aussi. Je vais dire une connerie, je vais faire mon gros boomer, si je veux en prendre plein les yeux, je vais au cinéma ou je regarde
un chouette film sur sur un beau truc. Mais moi, il y a des jeux vidéo qui peuvent t'en mettre vraiment plein les yeux. Tu crois? C'est vrai? Oui. C'est ça que je vais découvrir. Des jeux vidéo qui peuvent t'en mettre vraiment plein les yeux. Mais la comment s'appelait le jeu qui a été fabriqué, conçu par un studio français là, Arkane Hein? Comment s'appelait? Arkane, c'est le jeu, c'est le jeu de League, c'est la série de League of Legends. Oui, mais le comment s'appelle le jeu? C'est League... Ah oui, Arkane, c'est le studio français qui fait le film. C'est le studio français qui a fait la série League of Legends. Le film, d'accord. Et est-ce que League of Legends, il n'y a pas beaucoup de cinématiques là? Non, tu joues. Donc non, c'est pas ça. En fait, les cinématiques, elles sont hors jeu. Elles sont hors jeu. Ouais. Il y en a. Ouais, mais c'est hors jeu. C'est l'univers autour du jeu. Mais il y en a quand même. Pas dans le jeu. Quel est le jeu vidéo où je vais prendre ma plus grosse claque visuelle avec une cinématique de fou aujourd'hui? Je pense qu'il faut aller du côté de Sony pour ça. C'est genre quoi? Sony, tu fais Uncharted 4, tu vois, tu fais God of War. Ouais, God of War. God of War. God of War, c'est très visuel. Ça, c'est le jeu qui pourrait me faire comprendre à quel point la cinématique, c'est important. Tu fais The Amazing Spider-Man. Ok. Et cette cinématique, elle est au service du jeu dans le sens où elle booste mon expérience du jeu, ou non, c'est un truc en plus à côté? Alors, bon... Vous voyez ce que je veux dire? Tu dis ça à moi, je sais pas quoi te répondre. En termes de gameplay pur, non, les cinématiques, non. Ça sert à rien. Même s'ils mettent ce qu'on appelle des QTE dans les cinématiques. QTE, QTE Quick Time Event, ce sont des boutons à appuyer au milieu des cinématiques pour te sentir impliqué dans la cinématique. Ah. Globalement, t'appuies juste sur un bouton, quoi. Oui, je pense que c'était ce que tu étais en train de dire, mais tu sais, les jeux où c'est des espèces de cinématiques interactives, tu sais, enfin les jeux d'horreur et tout comme ça. Ouais. Plutôt pas mal. Mais tu vois, c'est intéressant parce que vous piquez ma curiosité, là. Moi, mon premier réflexe, qui redécouvre le monde du jeu vidéo 35 ans après quand même. Je pense que mon envie aujourd'hui, elle est de jouer, tu vois, parce que j'ai un gros retard en la matière. Et t'as pas envie de passer 30 minutes à regarder Alors que si je connaissais bien cet univers, et ayant passé des heures et des jours et des nuits et des semaines et des mois et des années à jouer à des jeux, peut-être que justement, j'aurais besoin de nouvelles expériences. Après, le jeu vidéo, c'est très riche. Il y a des jeux vidéo qui construisent des univers, des lores, extrêmement riche. Lore, c'est... Je connais ce mot, mais c'est quoi lore? Lore, c'est globalement la richesse de l'univers, c'est toute l'histoire qui est autour de l'univers. Mais il vient d'où ce mot lore? Ça veut dire quoi? C'est quoi ça devient lore? C'est Tolkien, non? Parce que j'entends souvent ce mot. C'est pas Tolkien qui a inventé ce mot-là. C'est quoi lore? Ça vient d'où lore, s'il vous plaît? Je sens que c'est Tolkien, non? Lore, c'est du café. C'est vrai, c'est maison du café, non? Folklore. Folklore. Ça vient de folklore. Ah, folklore, c'est ça. C'est la réduction de folklore, exactement. Ok, merci. Vous êtes fort. Ouais, ils sont forts. Il est 23h40, putain, j'abuse. Oui. J'abuse de votre temps. Il est temps d'aller. Attends, moi je voudrais juste. J'ai tellement été. Et merci à toi. J'ai tellement été pris par le jeu, l'évolution de jeu, l'historique du jeu que tu m'as magnifiquement mis en scène. Que en fait, je t'ai pas posé de questions sur toi, alors que moi pourtant ma curiosité de journaliste, elle est là. Moi je te sais donc passionné de jeux vidéo. Je sais que tu t'es fait beaucoup connaître par le. Commentaire, c'est comme ça qu'on dit? C'est ouais, commentaire, on dit ça commentaire, j'aime bien qu'on dise en français. On dit commentaire? On dit que beaucoup de personnes disent commentari. Commentari, ok. Mais j'aime pas, ça fait commentari. Sur notamment des jeux de combat. Commentaire, c'est très bien. C'est comme ça, que tu t'es fait connaître. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est encore ton activité principale? C'est une de mes activités. Parce que mais moi, tu m'as parlé d'émissions aussi tout à l'heure. J'ai œuvré pendant 8 ans dans la presse JV. Sur le magazine jeuxvideo.com, donc le site jeuxvideo.com, et j'étais animateur pour leur web TV. Donc j'étais animateur télé, donc j'animais des talk shows autour du jeu vidéo, des talk shows d'actualité, donc je traçais l'actualité. Je faisais ce que tu faisais pour la politique, mais moi je parlais de jeux vidéo. Excellent. Normalement c'était ça. Et j'ai fait ça pendant 8 ans, quoi. J'ai globalement beaucoup parlé d'actu jeux vidéo, donc retracer l'actu jeux vidéo, retracer les grands événements liés aux jeux vidéo pendant ces 8 années que j'ai travaillé sur jeuxvideo.com. Là, depuis un an, je ne suis plus chez jeuxvideo.com, donc je suis à mon compte, donc je fais du Twitch. Mais je continue de faire, tu vois, l'émission Nintendo, qui est une émission qui parle d'actualité Nintendo, parce que c'est vraiment quelque chose qui... Nintendo, c'est vraiment une boîte qui m'a toujours ultra intéressé. J'ai vu. Parce que, en fait, c'est une boîte unique. Vraiment, au monde, Il y a une histoire incroyable. Et du coup, voilà, chaque semaine, on fait des dossiers sur l'univers Nintendo, on fait des tests de jeux, etc. Et on parle un tout petit peu de l'actualité des jeux. Mais moi, mon métier, c'est animateur TV. On peut la voir où, cette émission? Les Nintendo, c'est sur ma chaîne YouTube, tous les dimanches. Sinon, sur ma chaîne Twitch, tous les mercredis à 18h.
Voilà. Et puis en rediffusion podcast sur Patreon pour tous ceux qui sont abonnés Patreon de l'émission. Mais je crois d'ailleurs que les modos ont le lien de ta chaîne Patreon. Ouais. Donc je crois qu'ils vont le mettre dans le chat d'ailleurs. Merci. Oh merci putain, les modos, je vous ai pas remercié ce soir. Obligé. Merci beaucoup. Si. Ils m'avaient dit qu'ils l'avaient. Donc parce que je leur ai dit. Mais c'est quoi Patreon? Et puis ils m'ont expliqué, ils sont trop gentils. Et sur ta chaîne Twitch, tu proposes donc l'émission dont on vient de parler. L'émission va parler. Tu joues aussi? Je joue énormément. Joues, Street Fighter, je commande. Je joue à Pokémon, beaucoup. Je suis un gros joueur de Pokémon. L'émission s'appelle Il est pas shiny, où je cherche des Pokémon shiny. Pokémon shiny, c'est des Pokémon qui ont une couleur différente et qui sont extrêmement rares dans le jeu. Voilà. Donc on essaye de parcourir le jeu et de battre ce qu'on appelle la RNG du jeu. Donc le random number generator, c'est-à-dire tout l'aléatoire du jeu, pour essayer de trouver le plus rapidement possible ces Pokémon chromatiques. C'est une idée à la con qui m'est venue, tu vois, à l'époque, ça, on est sur WebTV Gaming Live, ça se trouve sur jeuxvideo.com, ça c'est en 2014, voilà. Et je tourne dans des hautes herbes en racontant ma vie, en espérant un jour que les Pokémon brillent en shiny. Et là tu vois, regarde, il brille, il est vert, il est censé être bleu, il est shiny, incroyable, je l'ai trouvé, c'est trop bien. J'adore. C'est pour vraiment des émissions les plus débiles que j'ai lancées. Mais c'est une émission où il ne se passe rien, donc ça me permet de faire du talk. Donc de parler beaucoup d'actualité, de tout, de n'importe quoi. On est sur Twitch, on raconte un peu nos vies, on partage nos passions, c'est donc, ça. Donc le commentaire, la chaîne Twitch, les podcasts, voilà. Le vélo, parce le que vélo. Vous ne le voyez pas, mais juste à côté, là, il y a un magnifique vélo. Pour le coup, le vélo, je connais un petit peu. Ça, c'est un très beau vélo, ça. Ouais, c'est un beau vélo. C'est un beau vélo, ça. Ouais, c'est pour ça qu'il est monté. Voilà. Donc, j'ai l'impression que tu te déplaces en vélo. Je me déplace quand même. C'est ton moyen de transport. T'es loin, là, ou pas? C'est à Colombes. Ok, je connais très, très bien. Ouais. C'est à 8 km, donc c'est à côté. Donc, ça se fait plutôt qu'un pur vélo. C'est vraiment à côté. Pur vélo. J'étais bien quand tu m'as donné mon adresse. J'ai dit, ah ouais, cool. Et je fais des stream vélo, tu vois, de temps en temps. On est sur Zwift, tu connais, t'as fait Zwift toi, pendant le confinement un peu, non? Je n'ai pas fait, mais je vois très bien. Ouais, Par contre, je regardais des gens qu'on faisait. Ouais, ça motive, hein. Ça motive à mort. Ouais, des fois, en hiver, je fais ça, puis en été, j'essaye de faire des lives IRL. Je pense même que je t'ai vu pendant le confinement. Ah ouais? Je pense que je t'ai vu, parce que l'image qu'on vient de voir, là, avec les bibliothèques derrière, elle me parle. Ouais, c'est trop bien, Zwift. Et alors quand tu... C'est du jeu vidéo, aussi. Oui. Ouais. Ok, ça en fait des choses. Ça en fait des choses. On n'a plus le temps, ça mais... En vrai, merci de m'avoir aussi bien pris par la main. J'espère que ce n'est pas trop chiant, pas trop lourd. J'adore. Mais en fait, tu es quelqu'un de rare dans l'univers du jeu. Parce que, non mais... Ah, tu veux dire... C'est pas toi, oui, c'est rare pas au sens... Je vois ce que tu veux dire. Loin de moi, j'ai envie de t'encenser, j'ai bien compris. Sûr. Mais c'est pas dans ce sens-là. Intéressant. Préserver. Le préserver, eh oui. Exactement. Tu es quelqu'un de neutre, oui. Tu vois, tu es un sujet... neutre. Bah, je n'ai pas été imprimé par... Exactement. Donc, je te fais tester ces choses-là. Et ce qui est intéressant, d'habitude, moi, quand j'ai des sujets neutres, c'est des enfants, quasiment tout le temps, qui je fais découvrir les univers Mario. Et là, t'as toute ta construction d'adulte, tu vois, avec toute ton expérience, qui découvre les jeux, Mario. Pour moi, c'est super intéressant de voir, est-ce que c'est vraiment facile? Parce que quand on a l'habitude de jouer à des jeux vidéo, on ne se rend plus compte de rien. Oui. En fait, les gens ne se rendent plus compte à quel point c'est dur de gérer une caméra. Il y a plein de réflexes. Exactement, à quel point c'est dur d'appuyer sur tous les boutons. Est-ce que c'est facile, la physique de Mario? Est-ce que je me souviens? Et là, je viens de me rendre compte qu'en fait, le jeu le plus simple, le plus instinctif, c'est Super Mario World. Tu vois, grâce à ça, je me vois. Je me rends compte que Super Mario 3, c'est un meilleur jeu que Super Mario 2. Que Super Mario 2, c'est un mauvais jeu. Parce que tu n'as pas su prendre les navets, les envoyer sur Après, je ne suis pas très, très doué non plus. Mais ce n'est pas grave. Ouais. Le jeu est censé te faire en sorte que ce soit simple, tu vois. Et tu te rends compte que Super Mario 64, c'est un jeu extrêmement simple. Alors, c'est le premier jeu en 3D, c'est fou. Tu te rends compte que Mario Sunshine, c'est chiant parce que tu ne joues pas tout de suite. Tu vois, tu te rends compte que Mario Galaxy, c'est ouais, incroyable. Je l'arrive à jouer comme ça tout de suite. C'est des choses... Tu t'en rends plus compte quand t'as trop l'habitude. Mais j'aime bien cette idée d'être très neutre aujourd'hui, d'être comme une part vierge en fait. Hein, puisque donc la dernière fois, la dernière fois que j'ai vraiment joué, c'était il y a 35 ans. Et je me dis que peut-être dans cette émission, elle va devenir hebdomadaire à la rentrée. Peut-être qu'au bout de 30 émissions, moi, je le serais déjà un peu moins. Au niveau de ma dextérité, de plein de choses, j'aurais intégré des choses. Et que déjà, mais je serais moins étonné, moins surpris. Et j'aime bien cette idée que, en gros, t'as bien vu, à chaque fois que tu montres un nouveau jeu, je le découvre en fait. Je découvre. Exactement. J'adore. Bon, tu commençais, tu connaissais quand même Mario, quoi. Oui, enfin, la référence visuelle. Oui, c'est ça. Mais je n'y avais jamais vraiment joué. Et ben voilà. Bah, tu connais, là, t'as joué à quasiment tous les Mario. Il te reste Mario Odyssey, mais bon. J'adore.
C'est le tout dernier. Si tu veux faire le dernier Mario, Mario Odyssey sur Switch, t'as la Switch. Mais tu vois, si jamais aujourd'hui j'avais vraiment beaucoup de temps, d'abord c'est un univers que j'aimerais explorer, mais je commencerai par le début pour le coup. Ouais, Mario 1. Parce que je pense que c'est intéressant de le vivre. Sincèrement, tu finis Mario 1, tu trouves tout simple après. Ouais, mais je sais pas, moi ça, ouais, c'est l'envie que ça m'a donné quoi. Je comprends. Bah écoute, ça m'a fait plaisir en tout cas de te faire découvrir ça. Merci. J'espère que ça t'a, j'espère ça a plu. J'espère que les gens ont pu apprendre un peu des choses aussi. Bah j'étais un peu sur le chat, mais pas trop. Joe, les gens étaient contents de l'expérience. Ça vous a plu? Ouais. Les gens étaient contents. Ça va? Bon, désolé, ça a duré un peu longtemps. Mais c'est de ma faute en fait. C'est de ma faute. Bon, les retours sont super gentils. Vous êtes adorables. Un grand merci, Ken. J'espère que nos chemins se recroisent bientôt. Et bien écoute, à la rentrée. Quand tu veux. Si t'as envie qu'on fasse des trucs. Je peux te parler de plein de trucs. Ouais, du vélo, du... Si tu veux reparler de jeux vidéo, Tetris. Hein. Tetris? Tetris, c'est un jeu... On en a parlé dans le chat, on m'a parlé. C'est une pierre angulaire du jeu vidéo Tetris. Alors. Faut absolument que tu aies joué à Tetris et que tu comprennes Tetris et que tu vois l'évolution de Tetris. Et on peut faire l'émission sur Tetris? Ah oui, je peux faire une émission. On peut faire l'émission sur Tetris? En fait, il y a un film qui est sorti sur l'histoire de Tetris, là, récemment, sur Apple TV. Le film de l'histoire de Tetris. Je l'ai pas vu. Regarde-le, c'est vachement. Eh ben, on fait ça. On fait à la rentrée, on se cale une émission sur Tetris. Let's go. Ouais. Tu connais le chemin. Ah bah oui. Et il fera moins chaud. Mais Joe, ça allait, t'as pas trop cramé. Moi, je. Je vous rappelle qu'on a acheté un ventilateur au dernier moment avant le stream, mais qu'on n'en avait qu'un et qu'on l'a dirigé sur nous deux. Et Joe, je ne sais pas comment t'as fait, pauvre. Mais t'as dû avoir bien chaud derrière tes machines. Voilà. Et Joe, c'est pas tout, je continue à l'épuiser, à le harceler, puisque demain soir, on sera en direct de Rennes. Ça veut dire que demain midi, on part avec Pépin, avec Foki, on prend le TGV tous les quatre ensemble. Rennes, on arrive en début d'après-midi. On va au couvent des Jacobins. De Trompe-Forme. Des Jacobins, on installe tout, la poussette de stream, les caméras, les batteries, l'agrégateur de connexion, les connexions, l'ingénieur son, on rejoint un petit peu plus tard, et après, à 20h, on lance le stream, vous allez vous régaler, c'est une dinguerie, quoi. Ça va, Joe, tu vas tenir le coup? Ouais. Ça va? Ah, là, il a faim, il a faim. Et merci, Joe, pour ce soir, c'était un bonheur. Merci beaucoup. Merci à tous. Si l'art contemporain, les belles choses, on n'a pas besoin d'être expert pour se frotter à l'art. C'est comme, regardez, moi, avec les jeux vidéo, je kiffe, alors je ne connais pas beaucoup cet univers. Mais je le sais, c'est une des raisons pour lesquelles cet univers m'attire. On voit bien, de toute façon, graphiquement, esthétiquement, on est sur des trucs de fou. Et pas les choses les plus compliquées, d'ailleurs, parce que. Là, on est reparti sur quelque chose, mais esthétiquement analysé, les premiers jeux que tu m'as montrés, les premiers Mario, il y a mille choses à dire. Quoi. Quelle est l'inspiration? D'où ça vient? Quel est l'apport de la culture japonaise? En quoi la culture occidentale est aussi présente? Enfin, en fait, on a fait 3h40, mais on pourrait faire 15h. Quoi. Ouf, ouais, écoutez, oui, c'est pour ça que j'ai un podcast par semaine. Hein, tu sais. Donc, n'hésitez pas, demain, voilà, l'art, c'est un grand mot, mais c'est surtout des émotions. Vous allez voir des belles choses. Et puis, on va être pris par la main par le commissaire d'exposition, là, qui est hyper sympa, et par nos deux... deux super invités. Et voilà, deux super invités qui sont elles-mêmes des artistes. Donc, on va se régaler. Merci pour tout. Merci de votre patience, voilà, pour ma maigre reconnaissance de cet univers. Mais voilà, je vais continuer à l'explorer. À la rentrée, cette émission deviendra hebdomadaire. Je vous souhaite un joli week-end, une belle soirée. Prenez soin de vous et des autres. Joe, tu veux qu'on fasse un raid vers quelqu'un Ken. J'ai quelqu'un que je connais qui m'a proposé un raid caritatif sur une chaîne de quelqu'un qui... Un raid caritatif? C'est quelqu'un que tu connais? C'est quelqu'un que tu connais pas, Ken, ça te dit quelque chose? Je participe à un live caritatif demain, moi aussi, c'est peut-être pour la même cause. C'est un raid, dis-moi pour qui? Il s'appelle Monsieur Doudrock et c'est pour les enfants qui sont atteints d'un... Les enfants papillons, je ne sais pas ce que c'est. Et oui. Moi c'est pour Oxfight, donc j'avoue. C'est pas là, mais très bien, raid caritatif. Il y a combien de viewers sur la chaîne? 60. 60? Et tu connais. Mais je connais pas le streamer. Et le contenu, c'est quoi? Là, c'est du gaming. Ouais. Je connais pas le jeu, c'est un. Je connais pas le jeu. Tu connais pas le jeu, tu connais pas le streamer. Je connais pas le jeu, je connais pas le streamer, je ne connais rien, je ne sais pas. On me dit que c'est peut-être une maladie de la peau. Sinon, pour. Attends, on me dit que Kayane est en live? Ouais. Il y a ça. Sinon, pour le LOL, ce que tu peux faire, c'est rediriger vers le deuxième, du coup, streamer Super Mario 64 après Samuel Etienne, évidemment. Mario 64, s'il y a qui? Parce que le pauvre, quand même. Après, s'il y a KNE, je trouve ça marrant, quoi. Ouais, le deuxième Mario 64, il a, je crois... Non, elle a 200 viewers, mais elle est anglaise, je crois. Elle est anglaise? Ouais. Bah alors, Marie-Laure. Attends, on va voir Marie-Laure.
On va voir Kayane. Pour la remercier, elle aussi, d'être venue la semaine dernière, d'avoir inauguré cette émission. C'est un peu ma marraine. Et tu es du coup le parrain de l'émission pour la deuxième. Et lui dire qu'on a un de ses câbles. Dites-lui qu'on a un de ses câbles. C'est vrai qu'on a un de ses câbles. Qu'on nous a bien servi, hein, qu'on l'a utilisé pour charger la manette de Ken, je crois. Voilà. Donc, faites un grand coucou à Kayane. Rendez-vous demain 20h sur cette même chaîne pour de l'art. Vous allez vous régaler. Merci pour tout. Et puis, merci encore à Intel et à Horus pour le prêt du matériel et le soutien pour ces deux streams, parce que sans ces deux marques-là, bah, en fait, j'aurais pas pu faire tout ça. Et oui. À demain, bonne soirée, bon week-end. Bonne soirée, bye bye. Merci beaucoup. Putain.